Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTS2 et Canal 9 pour la 50e édition de Sierre Zinal, la course des 5-4000 créée un jour de 1974 par Jean-Claude Pont et son équipe. Déjà énormément de monde ici dans l'aire d'arrivée à Zinal où nous nous trouvons car de nombreux populaires en ont déjà terminé avec cette course pour le départ des élites. Et bien ce sera d'ici une dizaine de minutes, on vous fera vivre évidemment tout cela en direct. Sierre Zinal, ce sont des chiffres, 31 km de course, 2200 mètres de dénivelé à vertical, 1100 mètres de descente, 6000 coureurs sur la ligne de départ qui représente 69 nationalités. Sierre Zinal, c'est un panorama, c'est le Val d'Anivier, c'est une région absolument sublime qu'avec les caméramans et women de la RTS, nous prendrons énormément de plaisir à vous faire découvrir tout au long de la journée car ça fait aussi partie de l'ADN de la RTS que d'être présent sur ce genre d'événement. En ma compagnie, Mathieu Germanier et Julien Petit. Julien, c'est vous qui allez nous faire vivre la course en tant que spécialiste. C'est un sacré parcours quand même auquel s'attaquent les concurrents aujourd'hui. Oui, exactement Pierre, hein, tu l'as dit, vous l'avez dit, un parcours sur 31 km pour 2200 mètres de dénivelé positif, c'est vraiment un parcours exigeant. On peut le découper en trois parties vraiment ce parcours, avec le départ donc de Sierre à 570 mètres et puis une forte montée jusqu'à Ponchette. Là vraiment les coureurs, les grimpeurs sont évidemment favorisés, ça va vraiment jouer là-dessus. Et puis ensuite ça commence une partie un petit peu plus roulante à partir de Champ-d'Olin. Direction Tignoussa et puis ensuite l'hôtel Weisshorn. Et vraiment là je pense qu'on arrive sur un chemin beaucoup plus large qui favorise vraiment les rouleurs. Et en plus ça nous emmène jusqu'à Nava et Barneza où ensuite les coureurs vont attaquer la descente, cette descente qui a des fois été fatale à certains coureurs, hein. Elle fait vraiment mal aux jambes, c'est une descente de 3 km. Donc vraiment un parcours qui est facilement identifiable avec une grosse montée, ensuite du plat et puis cette belle descente. Du plat. Il y a quelques petites montées encore, ouais, un petit peu avant l'hôtel Weisshorn. Du plat, faut le dire vite. Julien, vous allez donc commenter cette course avec Mathieu Germanier. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Julien, grand connaisseur de la course et de la région. Vous avez été speaker ici hein, de la course. Vous l'avez également commenté pour les World Trade Series. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Il fait grand beau, ça peut aussi jouer. Alors il fait grand beau, il fait chaud. Hein. Là sur Zinal, on voit que ça tape déjà. Ouais, on aura vraiment une super course, c'est clair, avec des favoris qu'on va peut-être découvrir après, j'imagine. Ouais, effectivement, on décryptera tout cela. En attendant, on vous l'a dit, alors que l'on découvre hein, encore cette ère d'arrivée où les coureurs arrivent les uns après les autres depuis maintenant de nombreuses minutes parce que les premiers populaires se sont élancés à 4h45 ce matin. Les premiers sont arrivés aux alentours de 8h. On va avoir évidemment l'occasion de revivre tout cela ensemble, d'accueillir un certain nombre de coureurs élites et de coureurs populaires également sur ce plateau. Mais avant cela, je vous propose de découvrir un peu le dispositif mis en place aujourd'hui pour couvrir cette course sur la RTS et sur Canal 9 avec deux quarts HD, haute définition, le quart HD 2 et le quart HD 4 en plateau, donc avec Mathieu Germanier et Julien Petit. Et puis nous serons présents tout au long du parcours. Regardez les différentes vignettes avec nos différents journalistes et le premier que l'on rejoint, il trépigne d'impatience. Il est sur la ligne de départ depuis 4 heures ce matin. C'est Jérémy Rizer accompagné de Stéphane Benetton. Bonjour Jérémy, d'ici une petite dizaine de minutes maintenant, vous allez nous faire vivre le départ de la course élite. Oui, effectivement, Pierre, l'attention est à son compte. Il y a la présentation, effectivement, des élites que vous voyez derrière moi. La pression monte et ce matin, effectivement, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions pour tous ces populaires. Vraiment, la fête est belle ici au départ. Vous voyez la pression qui est gentiment en train d'arriver avec les favoris du team Salomon Rémy Bonnet qui sera là également dans quelques instants en interview. En tout cas, l'émotion monte gentiment, la pression également ici sur la ligne de départ. Merci. Jérémy, on vous retrouve d'ici quelques instants. Julien Petit l'a dit, hein, la première grosse difficulté, la principale difficulté de ce parcours, c'est cette horrible, excusez-moi, hein, montée vers Ponchette. Et à Ponchette, on retrouve Florent May de Canal 9 avec Fanny Gex. Florent, cette montée, vous l'avez évidemment reconnue pour nous. Parlez-en nous.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Je l'ai reconnu pas aujourd'hui, j'avais fait Sierre-Dinal, c'était en 2014. Et oui, Julien l'a dit, c'est la première partie de Sierre-Dinal, cette longue montée jusqu'à Ponchette ici, où les coureurs, les coureuses auront fait déjà 1300 mètres du dénivelé total de la course. 33% de l'effort sera effectué ici à Ponchette. Et ensuite, pour faire un très bon temps sur Sierre-Dinal, il va falloir dérouler, courir derrière jusqu'à Weisshorn, ça monte encore jusqu'à l'hôtel Weisshorn. Et ensuite, ben voilà, les qualités d'athlète que Kylian Jornet a si souvent démontré sur une course comme Sierre-Dinal, savoir monter fort comme un chamois et ensuite délier sa foulée comme une gazelle pour ensuite finir en trombe dans cette descente vers Dinal. Merci Florent, on vous retrouve tout à l'heure pour le passage des meilleurs à Ponchette, direction Tignoussa. À présent, on nous attend Anna Silva avec Yann Desnervo. Anna, vous êtes un peu plus loin sur le parcours et derrière vous, on voit qu'il y a encore quelques populaires qui passent et qui n'ont de loin pas terminé leur pensum. Oui, absolument, Pierre. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. On sait qu'actuellement, il y a un peu plus de 3000 coureurs qu'on appelle touristes qui ont déjà passé par cette étape. Alors, pour vous donner un petit peu une idée, donc Tignoussa, ça se trouve juste au-dessus du village de Saint-Luc, à environ 2200 mètres d'altitude. C'est une étape qui est vraiment très importante parce qu'on est à mi-parcours de cette course de 31 km. Ça peut avoir son impact au niveau psychologique, ça peut donner un regain de motivation aux coureurs. Mais Tignoussa, ce n'est pas qu'une étape de cette course, Pierre. C'est aussi un lieu poétique. On l'appelle d'ailleurs la station des étoiles. Est-ce que vous savez pourquoi, Pierre ? Il me semble que les planètes sont représentées par là-bas. J'ai oui dire. Je regarde Mathieu Germanier. Regardez surtout Julien. Alors effectivement, déjà parce qu'il y a un observatoire astronomique qui se trouve à environ 200 mètres où nous sommes, mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle le fameux chemin des planètes qui relie cette station de Tignoussa au mythique hôtel Weisshorn où vous nous emmenez maintenant, je crois. Exactement, merci beaucoup de transmettre le témoin à Romain Boisset, Christophe Urfer qui sont à l'hôtel Weisshorn. Romain, vous avez de la chance, vous êtes sur un des lieux les plus symboliques finalement de ce parcours. Oui, bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est l'un des passages emblématiques de cette course Sierre-Dinal, cet hôtel Weisshorn. 2337 mètres d'altitude, on est presque au point culminant de cette course. Le point culminant se situe à 88 mètres de dénivelé plus haut qu'ici, avec cet hôtel mythique, hôtel emblématique, le Weisshorn, hôtel construit en 1882 par des pionniers audacieux. Il faut s'imaginer cet endroit, difficile d'accès, uniquement à pied ou à dos de mulet, dans un paysage minéral, un paysage de haute montagne, très peu d'arbres à cette altitude. Un paysage qui d'ailleurs, pour l'anecdote, a inspiré Hergé de passage ici. Il avait griffonné quelques passages de son album Tintin au Tibet, ici dans la région du Weisshorn. Alors, on verra si les coureurs auront le temps de profiter un peu de cette vue. Ici, on est à 20 km. Ils ont déjà 20 km d'ascension dans les jambes. Petite montée encore vers Nava avant d'entamer la descente, 11 km de descente vers Dinal. Et puis alors, il ne faudra pas succomber à l'envie de passage ici à l'hôtel Weisshorn, de déguster la tarte aux myrtilles. Mais je pense que voilà, ils résisteront et ils se concentreront sur cette course. Ouais, l'hôtel Weisshorn que l'on a découvert à travers les sublimes images aériennes que nous proposera tout au long de cette course Yvan Illy. Point de passage suivant, Barneza, Didier Binder, Laurine Mailleux. Peut-être le plus beau point de vue de la course. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Peut-être certainement le plus beau point, on parle de la course des 5-4000. Derrière moi, il y a le Cervin et la Dent Blanche, deux de ces 5-4000 et le Bessot la Montagne. Cher Rosa Niviard, on est ici à 5 km de l'arrivée. Encore un peu de plat, un petit peu roulant pour les coureurs qui auront encore des jambes avant la terrible descente, les trois derniers kilomètres vers Dinal pour vous rejoindre. Alors d'ici, on a du Cor des Alpes, on entend la ligne d'arrivée. On voit des gens qui grimacent, mais aussi des gens qui sourient. Ils seront tout bientôt chez vous. Merci beaucoup Didier Binder. On se rendra tout à l'heure sur la ligne d'arrivée où nous attend Odessa Blanc. Mais le moment est venu, je crois, de retourner à Sierre pour le départ. On vous retrouve, Jérémy Rizer. Dans quelques instants, la meute des fauves sera lâchée. Exactement, avec un homme forcément, avec le sourire, la pression aussi. Comment vous abordez cette course? Ouais, je sais qu'il n'y a plus qu'à courir, le dur est derrière, les gros entraînements sont derrière. Du coup, maintenant, il faut essayer de prendre du plaisir, mais on sait qu'on va souffrir jusqu'à Dinal.
jusqu'à Zinaz. C'est quoi l'objectif aujourd'hui, Rémi Bonnet? Vous le disiez, peut-être aller chercher cette victoire aujourd'hui. Ouais, d'abord de faire une course pleine et puis de donner le maximum que je peux aujourd'hui. Après, le résultat, il viendra si j'ai les jambes, mais c'est clair, j'ai envie de faire bien. Vous n'allez pas dire à tous vos concurrents, c'est quoi la stratégie de course? Il n'y en a pas trop, je vais suivre mes feelings. Et puis si je suis bien au début, bah, j'irai vite au début. Si je suis bien à la fin, vite à la fin. Justement, au niveau préparation, tout s'est bien passé pour vous pour cette course? Ouais, je suis assez confiant. Après, on sait jamais, mais je pars dans l'optique de faire une grosse course. Et bah, c'est tout ce qu'on espère en tout cas, Rémi Bonnet. Voilà, tout sourire à quelques minutes véritablement avant le départ. Bien évidemment, on est à 3 minutes du départ, mon cher ami Pierre. La pression véritablement à son compte. Vous le voyez, bien sûr, toutes les stars sont là. Présent ici pour le départ qui sera donné d'ici maintenant moins de 2 minutes, si je ne m'abuse. Effectivement, donc gentiment en train d'arriver. Julien Petit, on les voit là sur la ligne de départ, visage fermé. Partir vite, c'est important, mais c'est pas décisif. Au contraire, hein, ça peut même être rédhibitoire. On dit souvent qu'à Sierzinal, dans la montée direction Chandolin, on ne peut pas gagner la course, mais on peut la perdre. Donc attention également à ne pas vouloir partir trop vite. Et puis, parce que derrière, ça peut être très difficile. On a connu vraiment des éditions où finalement, des coureurs ont craqué sur la dernière partie de Sierzinal. Donc vraiment être vigilant, parce qu'il y aura un gros rythme dès le départ. Les favoris sont de très bons grimpeurs. Et là, il faudra être bien attentif à suivre son rythme. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Rémi Bonnet. Hein. Il a dit, je vais suivre mon rythme et faire ma course sans trop regarder les autres. On vous rejoint, Jérémy, à vous l'honneur de faire retentir le coup de canon du départ, ou plutôt le coup de feu du départ. Merci beaucoup Pierre, effectivement on est à 2 minutes de la course et forcément, je vais en profiter, on est à 2 minutes. Comment on se sent là? Ouais, je sens, je suis bien, je fais le maximum, c'est la troisième fois que je suis ici, j'espère faire un bon résultat, bon courage à tout le monde. Un bon résultat, vous êtes bien préparé pour ça? Oui, bien sûr, je suis bien préparé et on va faire un bon résultat. On va faire un bon résultat, d'aller chercher quelque chose en tout cas aujourd'hui. Oui, bien sûr, je vais essayer d'arriver avec les top 10 et ça c'est un grand objectif pour moi. Et bon, on vous souhaite en tout cas, on va bien sûr vous faire vivre la course dans 30 secondes, mesdames et messieurs. Jérémy, ne vous faites pas écraser par la meute, s'il vous plaît. C'est à vous, je cours. Julien Petit, c'était qui l'a interviewé? Jérémy ne nous l'a pas présenté. Alors c'était Elouzine Eladzaoui, hein, le Marocain qui est... Ouais, potentiellement, peut-être dans les outsiders, on peut le placer, il vise un top 10, donc voilà, coureur intéressant. Vincent Tétat nous a rejoint, c'est le directeur de la course depuis 2015. Vincent, vous ressentez quoi à ce moment-ci? Petit pincement au cœur? Ouais, c'est des pincements au cœur, c'est clair, c'est évident. Ben voilà, les images démarrent, c'est la course qui est lancée, c'est le démarrage de quelque chose de fantastique, de voir cette 50e édition avec les meilleurs qui sont là. Ouais. On sent des trémolos dans votre voix. Julien Petit, un des changements opérés dans cette course, c'est ce départ par palier. Tout le monde ne part pas en même temps, ce qui permet peut-être d'éviter certains goulets d'étranglement. Et pour ceux qui visent un bon temps, une bonne place, c'est important de n'être freiné à aucun moment en fait. Alors c'est évident que ça a un impact, hein, et le fait de ne pas être pris dans des bouchons à certains endroits, bah évidemment on gagne du temps, et je pense que ça c'est aussi une excellente décision de la part de la direction de la course de Sierzinal de prévoir ces différents blocs de départ, surtout pour des coureurs de ce niveau-là et également les autres inscrits dans la coureur élite. Ils visent souvent d'excellents chronos, donc évidemment que c'est une excellente décision. On le voit là, départ assez roulant, mais ça devient très 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 vite, très pentu. Alors on part là sur la partie goudronnée, hein. On sait que certains coureurs touristes peuvent passer par le chemin de la chapelle Saint-Antoine. Là on a environ 1 km sur une route goudronnée, ce qui permet aussi d'étaler, on le voit déjà, le peloton de tête. Et très vite, les coureurs vont s'engager sur la gauche avec vraiment de forts pourcentages assez rapidement. Voilà des images, hein, je le rappelle, que l'on doit à notre hélico pilote émérité, à notre caméraman Yvan Illy. Mathieu Germani, on est parti pour combien en fait? Parce que c'est la grande question. C'est la grande question. On le sait autant chez les hommes que chez les femmes. Non seulement on se demande qui va gagner, mais on se demande aussi si les records vont tomber. Des records vieux, entre guillemets, de 2019. 2h25-35 chez les garçons. 2h49-20 chez les filles. Chez les filles, on se dit ça va être battu. Chez les garçons, on se dit ça peut être battu.
Est-ce que c'est... On résume bien. Ça peut être battu, mais ça va être compliqué. On va déjà mentionner, Pierre, les absences de Kylian Jornet. Le roi de Cyrzinal, 9 victoires, il n'est pas présent sur cette édition, blessé. Et également chez les femmes, Maud Matisse, détentrice du record. C'est vrai que les recordmen ne sont pas là. Non, 4 fois également vainqueur ici à Azinal. Maud Matisse absente également sur blessure. Les deux ne sont pas là, mais ils sont dans l'air d'arriver. Et ils pourraient effectivement assister à des records qui pourraient être battus. On pense notamment à celui des femmes avec la néerlandaise Nienke Brinkman. Pour les hommes, ça va être plus compliqué parce que la marque établie par Kylian Jornet en 2019, 2h25 et 35 secondes, est quand même assez incroyable. Vous le confirmez, Julien ? Peut-être pour compléter ce que dit Mathieu, très justement, j'ai l'impression que Kylian et Maud sont presque quand même dans la course, étant donné qu'ils sont détenteurs des deux records. Donc ils seront très attentifs à ce qui va se passer et si leurs records peuvent être battus. Donc finalement, même s'ils ne sont pas physiquement présents sur le parcours, on aura un petit peu en tête aussi leur temps de passage. Voilà, la course qui va gentiment partir. Je propose que l'on quitte tranquillement ce peloton. On les retrouvera tout à l'heure. On a vraiment le temps, hein, tout au long de cette journée de s'intéresser à la course des élites. Et là, on est dans l'air d'arriver. Alors, je ne sais pas, vous me dites dans l'oreillette si on peut aller faire un tour maintenant chez Odessa Blanc, qui est dans l'air d'arriver. Odessa, vous êtes dans cette aire d'arriver. Alors, c'est un des paradoxes de Cyrzinal. On vient de voir partir les coureurs élites et dans l'air d'arriver depuis de longues heures maintenant. Se succèdent les arrivées de populaires avec des moments assez incroyables, des retrouvailles avec les familles, des papas ou des mamans qui franchissent la ligne d'arrivée avec leur enfant, des gens qui ont franchi la ligne d'arrivée pour la 50e fois en 50 éditions. On a déjà vu des trucs incroyables et c'est ce qui fait un peu le sel de Cyrzinal. Exactement, Pierre. C'est vrai que chacun a une histoire derrière cette course mythique à raconter une fois qu'il franchit la ligne d'arrivée, que ça soit avec leurs petits-enfants ou que ça soit pour la première fois, tout simplement. Il y en a encore pour qui c'est le premier Cyrzinal ou, comme vous l'avez dit, le 50e. Je sais que vous les aurez, ou en tout cas les deux frères, dans quelques minutes sur votre plateau. Et c'est vrai qu'il y a toujours des belles histoires à recueillir ici sur cette ligne d'arrivée. Il y a d'ailleurs eu... Il y a à peu près une heure, une demande en mariage qui a eu une issue positive puisque la demoiselle a dit oui. Donc c'est aussi ça, Cyrzinal, des belles histoires qu'on va vous conter tout au long de cette journée, que ce soit au niveau des populaires et bien sûr des élites. J'ai pas très bien compris ce que vous m'avez dit. C'est vous qui avez dit oui à une demande en mariage, Odessa ? Non, alors Pierre, non. Heureusement, c'est pas moi. C'est juste des coureurs en franchissant la ligne qui ont décidé, ah ben c'est bon, on a réussi à terminer Cyrzinal, on peut se marier. Magnifique histoire, effectivement. C'est avec un immense plaisir et quand même aussi une pointe d'émotion que je reçois sur ce plateau le passé et le présent de Cyrzinal. Vincent Teta, directeur de la course depuis 2015, et Jean-Claude Pont, directeur de la course pendant 41 ans jusqu'en 2015. Bonjour messieurs, je suis vraiment ravi de vous accueillir sur ce plateau. Aux deux, je pose la même question. Moi, je vous l'ai déjà posée, Vincent, je vais la poser maintenant à Jean-Claude. Jean-Claude, ça vous fait quoi ? Ça fait quoi à votre cœur de voir aujourd'hui autant de monde pour la 50e fois ici à Zinal, cette course que vous avez créée un soir d'octobre 1973 ? Dans une cave, évidemment, dans une cave valaisanne. Ça me fait quelque chose de particulier. C'est parce que ça apporte la preuve du bien fondé de nos idées de départ, c'est-à-dire d'essayer de ramener des gens à faire de la course à pied et d'augmenter les animations touristiques d'ici. Et le paradoxe que vous avez évoqué tout à l'heure s'explique facilement. Les touristes les moins rapides partent devant parce que grâce à ça, ils seront à la fois acteurs et spectateurs. Ils ne sont pas classés. C'est un élément fondamental qui a permis d'amener des participants parce qu'aller les faire tourner sur une piste avec un chronomètre, ils viendront jamais. Et ici, ils viennent, ils reviennent. C'est une terre de revenance. Et regardez l'évolution de votre course, Jean-Claude Pont. Il y a 50 ans, on n'aurait pas imaginé avoir des images filmées en direct dans la montée de Ponchette avec ces coureurs élites qui sont dotés de caméras GoPro. Julien, un petit mot déjà sur ce que vous voyez. Ça donne une image assez fidèle finalement de ce qu'est cette première montée.
Ouais, c'est complètement fidèle hein, pour les coureurs élites. Évidemment, ils arrivent à avoir une foulée, ce qui n'est pas le cas des coureurs touristes. Hein, et c'est quand même de forts pourcentages. Mais là, déjà, on se rend compte évidemment du rythme qui est mis d'entrée avec déjà de nombreux coureurs kényans aux avant-postes. Et pas que des kényans, Julien, puisque Rémi Bonnet... Et c'est important dans le groupe, ouais. de le signaler, Pierre, puisqu'en 2013, la RTS était présente ici à Zinal. Marc Lauenstein, le dernier Suisse à avoir triomphé ici à Zinal. Et bien Rémi Bonnet qui rêve de répéter cet exploit. Vincent Teta, on va juste petite précision de vocabulaire. On parle de 50e édition, c'est pas le 50e anniversaire, c'est juste. Hein. C'est juste, hein. La course a été créée en 1974, on est en 2023. On a effectivement la 50e édition cette année. Donc ça veut dire que l'an prochain, 2024, c'est le 50e anniversaire. Nouvelle occasion de faire la fête. Vous me direz, ici, dans ce coin du pays, les occasions de faire la fête ne manquent pas. Hein. Oui, et puis on invente certaines si on ne trouve pas tout de suite. Puis ce qu'il y a d'aussi assez extraordinaire, c'est que le soleil nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Ça n'a pas forcément été le cas de toutes les éditions. On a eu froid en 2013, je me souviens, pour la 40e. Jean-Claude, il y a même des éditions où on a eu encore plus froid. La neige s'est parfois invitée à la fête. La neige, la première année, le mauvais temps, les quatre premières années. Mais bon, ici, il faut dire qu'il ne pleut que les jours de mauvais temps. Ça diminue ça un peu, ça aide. Ouais, ça aide effectivement un tout petit peu. Ça aide. Vincent Teta, vous êtes à la tête donc de cette course depuis 2015 et puis vous avez quand même vécu deux années extrêmement particulières, 2021-2022, les années Covid, 2020-2021, pardon, les années Covid, et la course en est ressortie indemne, plus forte. Vous avez aussi inventé quelque chose qui a bien marché pendant ces années-là. Mmh. On a surtout continué d'utiliser des valeurs importantes, c'est de trouver des solutions, de se retrouver quand même malgré tout. Et d'avoir fait, effectivement, pendant cette période Covid, une course sur plusieurs jours, sur un mois, et de donner plusieurs départs, finalement, tous les jours des départs. Et c'était quelque chose qui a permis de fêter, finalement, ce 50e aujourd'hui, parce que si on faisait rien, on était à la 38e édition, Jean-Claude, je crois. Et c'est ça qui a bien fonctionné et qui a marqué encore plus l'esprit familial et pas uniquement avec les favoris. Pour celles et ceux que l'histoire de Sierre-Zinal intéresse, je vous représente l'ouvrage de Jean-Claude Pont, qui est sorti à l'occasion, Jean-Claude, je crois, du 40e anniversaire. On parlera tout à l'heure de l'ouvrage sorti à l'occasion du 50e anniversaire. Sierre-Zinal, c'est aussi toute une littérature parce qu'il y a énormément d'histoires avec un grand et un petit H à raconter. Oui, il y a énormément d'histoires. On a publié depuis longtemps ce fascicule qu'on appelle le Magazinal, dans lequel on répertorie toutes les histoires, toutes les anecdotes, tout ce qui s'est passé. J'ai déjà fait un livre en 84 pour les 20 ans, en 94 une plaquette pour les 30 ans, et puis en 2013 ce livre, et nous avons fait réaliser 3 films professionnels, longs métrages, 78, 2002, 2010. Donc dès le départ j'avais l'intention, le désir que cette course s'inscrive dans une histoire, qu'elle s'inscrive dans la durée. Et la preuve de cette durée, du succès de cette formule, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'anciens vainqueurs qui sont là, dont la plupart courent aujourd'hui. Ouais. Et la même chose, une dizaine d'anciens vainqueurs. Il n'y a pas de féminin, heureusement. Une dizaine d'anciens vainqueurs, dont la plupart courent encore aujourd'hui. Vincent Teta, ce lien entre le passé et le présent, ce lien entre les anciens et les modernes, c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur que vous en faites carrément le titre de votre édito, effectivement, dans la brochure de cette édition-ci. Cette transmission, et c'est un mot qu'on va retrouver à plusieurs reprises hein, durant ces 3h30 d'émission, cette transmission, c'est quelque chose d'extraordinairement important, c'est même vital. Clairement, moi je me rappelle d'une première séance que j'ai eue avec Jean-Claude où il était question de savoir, de dire, mais avant de conduire un avion, de piloter un avion, il faut d'abord déjà le faire voler avant d'essayer de le modifier. Et cette transition, oui, elle est très importante parce que Sierre-Zinal, c'est de l'histoire,
On ne peut pas arriver, débarquer là avec une équipe de direction. Je vois que Bouki, la mascotte, m'écoute très bien, ça me fait plaisir, ce n'est pas toujours le cas. Pas très obéissante, Bouki ? Pas toujours, pas toujours. Non, non, pas toujours. Mais là, elle se tient encore bien, c'est bien. Ah, parce qu'on même pourrait, bien. On pourrait craindre. Je pense que ça peut être pire que ça, oui. C'est une femme. Oui, c'est pour ça que j'ai dit elle. Ah, c'est pour ça qu'elle se tient pas bien, Jean-Claude. Alors, je vous laisse seul dépositaire de vos propos. Qu'elle n'écoute pas. Ah, d'accord, ok. Non, ce qui est important pour moi, c'est ça. C'est la transition entre des histoires importantes du passé, des valeurs qui ont été transmises, et puis de pouvoir améliorer certaines choses qui devaient l'être, qui pouvaient l'être avec la technologie qu'on a aujourd'hui, sans casser ces valeurs importantes justement de partage, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et là, la technologie, on le voit encore avec ces images. Et puis, je vous propose qu'on se taise juste deux secondes. Écoutez. Voilà, ça c'est effectivement la respiration du coureur porteur de cette caméra GoPro dans cette montée de Ponchette. Il va pas aller sur longtemps. Hein. Bah, Julien, ça... Voilà. La caméra ne rend pas bien compte de la pente. Par contre, le souffle, oui. Ah, je crois que là, on a exactement la réponse à la question. Hein. On voit le souffle et comme l'a dit Mathieu, il va pas pouvoir les suivre sur 4 km. Là. Donc d'ailleurs, on est plus du tout avec la tête de course. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y aura des relais, heureusement pour lui. Mais c'est bien, on se rend compte avec le souffle ce que ça représente. Messieurs, je vous propose quelques images tournées très très tôt ce matin. Parce que là, on est avec les élites. Mais on ne répétera jamais assez que ce qui fait aussi, et surtout, j'ai même envie de dire, le succès de cette grande fête populaire qu'est Sierzinal. Ce sont tous ces anonymes, tous ces coureurs du dimanche, certains un peu plus que des coureurs du dimanche, qui prennent le départ dès 4h45 le matin. Et Vincent, le cérémonial commence déjà la veille, vendredi midi, la remise des dossards. Il y a déjà aussi toute une ambiance au moment de cette remise des dossards. C'est là qu'on se rend compte. Ok, c'est bon, c'est parti, je vais y aller. C'est ça, c'est exactement. C'est important de se retrouver autour de petits studios, de petites maisonnettes autour du thème de Sierzinal, de la course à pied et du sport. On donne l'occasion aussi à des enfants de courir. Alors ils font une course qui s'appelle la course des 5 obstacles, comme on peut voir là, avec une présentation des coureurs invités comme on a à l'écran maintenant. Et c'est un partage entre les vedettes qu'on a à l'écran là et justement ces jeunes qui peuvent venir courir. Et ça on pousse effectivement les participants à venir déjà la veille, à venir chercher, retirer le dossard pour ensuite être dans les meilleures conditions le lendemain pour courir, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est à Zinal, mais on n'oubliera pas que cette course s'appelle Sierzinal et qu'à Sierre, beaucoup de choses effectivement se passent déjà dès le vendredi. On n'insistera jamais assez non plus, Jean-Claude, sur les rôles de tous les gens qui vous entourent, vous les patrons de la course. Ce sont tous ces bénévoles qui depuis 50 ans maintenant finalement se succèdent pour faire en sorte que tout se passe bien. Je voulais d'abord faire une petite précision. Faites une précision. L'édito dont vous avez parlé est co-signé par les deux, l'ancien c'est juste... et le nouveau, ce qui est important. Maintenant, il est évident qu'une manifestation de ce genre, sans ce bénévolat, n'est pas pensable. Il faudrait l'armée, malheureusement. Ici, c'est une terre de bénévolat. Lorsque je dirigeais Sierzinal, j'ai eu souvent de la part de collègues organisateurs cette réflexion. Vous avez de la chance là-bas. Les bénévoles tiennent sur une liste d'attente. Chez nous, c'est plus difficile. Mmh. Vincent, c'est une équipe formidable qui vous entoure. Ah, c'est une équipe formidable et puis elle permet la réalisation de ce Sierzinal, de ce 50e. Et puis on voit que tout le monde est actif. On a 750 bénévoles qui vont de toutes les tâches qu'on peut imaginer depuis Sierre jusqu'à l'arrivée. Et puis surtout pas qu'aujourd'hui, les jours bien avant, les semaines avant. Et c'est un long travail. Et cet esprit, on l'a, on dit, hein, Sierzinal, une grande famille, c'est pas moi qui l'avais inventé. Hein. Et c'est quelque chose qui se voit et qui se ressent année après année, oui. Les bénévoles, les populaires aussi, on l'a dit, à partir de 4h45 ce matin, ils se sont élancés et Jérémy Rizère, qui est éternellement au taquet, on a rencontré quelques-uns avant leur départ, on a recueilli leurs impressions. Cette petite danse. Laquelle, la petite danse? Non, une petite danse d'échauffement à deux, donc une petite danse, on vient du Maroc, donc on fait toujours tout à deux. Alors, bonne course les amis. Merci à vous. Merci. Super. Super. Alors Maëlle, comment on sent là? Prêt, on espère que ça va aller. Première édition pour moi. Merci. Ah oui, on est prêt, on est chaud, c'est cool. On se réjouit. On va les deux. Le goût du sang dans la bouche, c'est ça la devise. Un peu angoissé, mais on va y arriver à la fin. L'objectif, c'est de se faire plaisir.
Ouais, debout, debout, mais à grosse fesse quand même. Mais c'est pas grave, on le fait en sub, donc c'est cool. Johnny, Depp, 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 Johnny, Depp, 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 Johnny, Depp, Depp. Grosse ambiance. Johnny, Depp, 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 magnifique ambiance. Depp, 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 Johnny, Depp, Depp, Johnny, Depp, Depp, Depp. Extraordinaire ambiance, Vincent Tétat. Le parcours, pour certains, n'est que souffrance. Alors, on peut admirer évidemment ce paysage de carte postale tout au long, mais c'est dur. Pourtant, le mot plaisir est dans la bouche de tout le monde au départ. Alors, pourquoi on chante Johnny Depp, ça je ne sais pas. Et à l'arrivée, ce mot revient, malgré ces 4, 5, 6 heures d'effort. Oui, c'est un mot. Après, que certains, il ne vient pas tout de suite. Quand on voit quand ils passent la ligne d'arrivée, certains, ils n'arrivent pas tout de suite nous dire qu'ils ont eu du plaisir et qu'ils vont venir. Mais oui, c'est un mot qui revient. J'ai envie de dire, ils peuvent lever la tête. On leur dit surtout, vous devez lever la tête. Quand ça vient trop dur, levez la tête, regardez les 5-4 000. Et puis là, il y a d'énergie qui vient. Et c'est la course des 5-4 000, c'est cet événement qu'on a avec ces montagnes qui renforcent et puis qui poussent. Allez, on parlait du plaisir. À l'arrivée, je serais curieux de savoir si celles et ceux que croisent en permanence au Dessat Blanc ont éprouvé du plaisir. Au Dessat, on vous retrouve. Alors, effectivement, l'arrivée était un petit peu difficile pour cette jeune femme qui a fait son premier Sierre Zinal cette année, bien aidée par son compagnon qui l'a encouragée jusqu'à passer la ligne. Comment ça s'est passé pour vous ? Bah, c'était dur. Je dois tenir ? Ah non. Non, c'était dur. À partir de l'hôtel Vaillissante, c'est long. Mais bon, ça va, j'ai été aidée. Mais c'est, ouais, c'est rude, on ne se rend pas compte. Franchement, on ne se rend pas compte. Justement, vous avez l'habitude des trails. Comment vous l'avez encouragé pour terminer ce Sierre Zinal ? Déjà, j'ai aidé à bien se nourrir parce que c'est le plus important en trail. Et elle a bien réussi à manger. Et du coup, après, quand elle a eu quand même le coup de fatigue vers les 20 km, après que le dénivelé soit passé, bah, je l'ai bien encouragée en lui disant que c'était presque fini, etc. Et puis là, elle a fini en sprintant et elle a fait 4h59 et elle visait 5h30. Donc, je suis super fier d'elle. Voilà. Et en plus, il y a une petite anecdote. Votre papa a fait la première édition. Vous faites cette 50e. Ça représente quoi pour vous ? Ben, quand même beaucoup. Ouais, après, il a fait avec les organisateurs cette fois, etc. Donc, c'était quand même quelque chose. En plus, on vient de Sierre, donc on la connaît. Et voilà, la 50e, je me suis dit, go quoi. Et ben encore bravo d'avoir fini Sierre Zinal. Voilà, Pierre, il y a toujours des histoires ici, des belles histoires à raconter sur cette ligne d'arrivée. Ouais, et puis, cet éternel lien, effectivement, entre les anciens et les modernes. Mais sûr, en tant qu'organisateur, est-ce que des participants vous en ont déjà voulu pour ce parcours, effectivement, auquel cette jeune femme l'a dit, on s'attaque, on sait que ça sera dur, mais peut-être pas à ce point. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit « mais vous êtes complètement fou » ? Alors, les organisateurs ont eu l'intelligence cette année de mettre sur l'aire d'arrivée toutes les affiches avec une photo. Et évidemment, ils ont choisi mon portrait dans le dur à Barneza pour la première affiche. Et j'ai ajouté cette légende, je suis très mal placé pour botter les fesses à celui qui a inventé cette affaire. Ouais. Donc moi-même, je me suis... Mais quand on parle de dur, il faut préciser, c'est dur comme l'éternité, surtout vers la fin. Mmh. Et je dis toujours aux participants, je dis, n'abandonnez pas, vous devez de toute façon terminer à pied. Ouais, c'est ça, c'est le problème, Vincent Tétat. Cette course, si on l'abandonne, il faut finir à pied. Alors déjà, il faut finir à pied. Et puis on a aussi entendu avec les éditions les unes après les autres, c'est que même si on tombe dans la descente, on gagne du temps. Donc c'est voilà, c'est un élément où soit on doit finir à pied parce qu'on abandonne, soit on tombe et on gagne du temps parce que la pente est trop raide. Ouais. Et vous avez des coureurs balais aussi. Ça, c'est complètement barge comme concept. Donc ce sont des coureurs qui sont chargés d'aller le plus lentement possible pour ramasser sur leur passage tous ceux qui ne peuvent plus. Oui, parce que moi, je trouvais déjà la première année, je trouvais que ça faisait désordre de laisser des taches de sang ou des ossements sur le parcours. Alors, j'avais choisi judicieusement, comme coureur balai, un entrepreneur de monuments funéraires, pour des raisons évidentes, et un électricien à cause de la capacité de la résistance. Mm-hmm. Donc, c'est indispensable. Mais Vincent Tétat, rassurez-nous, vous n'avez pas besoin de nous rassurer, on le sait, tout est extrêmement sécurisé. Il y a ce qu'il faut pour venir en aide à ceux pour qui c'est dur. Exactement, c'est juste. C'est vrai qu'on fait un grand travail de prévention pour déjà indiquer les passages qu'il faut respecter.
Il y a un travail qui est fait avec la sécurité, effectivement, sur, sur les postes de ravitaillement qui ont été bien placés dès son origine en 1974, avec des, la nourriture, des boissons qui sont adaptées, et puis des mesures sécuritaires où aussi il y a de l'accompagnement. Et puis j'ai envie de dire, ces coureurs balais, ben, ils ne sont pas simplement là pour dire « c'est moi la dernière limite, derrière moi, vous êtes disqualifiés ». Ils sont là aussi pour encourager, pour aider, pour aller de l'avant, pour même solliciter le public pour qu'ils les applaudissent encore davantage quand il le faut. Et c'est ça, c'est, et finalement souvent quand on voit arriver le coureur à balai, ils se prennent dans les bras avec celui qui était derrière parce qu'ils ils ont vécu quelque chose ensemble, comme un petit voyage finalement. Effectivement, on l'a dit, ils sont encore nombreux et nombreuses à arriver ici dans l'air d'arriver à Zinal, et ils sont encore nombreux et nombreuses de ces populaires sur le parcours. Direction Barneza, on vous retrouve Didier Binder avec Laurine Mailleux. Prévenez-les, la descente c'est pas si simple que ça. Oui Pierre, on est avec un populaire Christian Floret de Sierre. On n'a pas besoin de le prévenir, bientôt quinquagénaire, déjà 25 Sierre d'Inal à son compteur. Christian, comment ça se passe cette course ? Ça se passe très très bien, magnifique. Magnifique temps, magnifique parcours comme d'habitude, magnifique public, magnifique coureur. Alors moi je croyais que quand on l'a fait une fois, on dit plus jamais, apparemment c'est pas votre cas. Non, c'est pas mon cas parce qu'on est là, ça fait partie de notre ADN presque, et puis quand on fait pas, on est triste de ne pas l'avoir fait. 25 ans, 4h30, le meilleur résultat aujourd'hui. Vous avez patienté un petit moment avec moi pour ce direct. Quel souvenir vous gardez d'une course, de deux courses particulières ? Bon, la première, c'est toujours spécial. J'étais tout jeune, j'avais 12 ans et demi, donc c'était vraiment spécial. J'avais fait avec mon oncle, d'ailleurs, qui avait dû me suivre. Et puis, j'ai fait avec mon épouse. C'était sympa aussi. Et puis là, ben, aujourd'hui, vous avez quoi comme ambition ? Pas de crampe, hein ? Pas de crampe, puis être en forme pour la raclette tout à l'heure. Et l'ambiance, comment vous la qualifiez ? C'est super, comme toujours, c'est magnifique ambiance, c'est super. L'arrivée à Ouvesson, l'arrivée à Zinal, c'est toujours magnifique. Merci, ben, bonne course, hein, il vous reste 5 km, 3 km de descente terrible. Ouais, c'est pas ce que je préfère, mais c'est ça, ça va le faire. Bonne course à vous, et on vous repasse la parole à Zinal, il arrive bientôt chez vous. Hein. Eh bien, on l'accueillera comme il se doit à l'arrivée. Il s'était lancé, comme d'autres, hein, aux alentours de 4h45 du matin. Je précise aux alentours parce qu'effectivement, ces départs sont échelonnés. Je propose de le revivre, ce départ des populaires, alors que le soleil était encore en sommeil. C'était tout à l'heure et ça a été capté par Stéphane Benetton et Jérémy Rizère. Voilà, ça commence là, on les a vus, Vincent Tétat, danser juste avant le départ. Là, on danse plus, hein. On sait que c'est le moment quand même. L'air de rien, les choses sérieuses commencent. Et quand bien même on est là, entre guillemets, en touriste, on peut pas faire n'importe quoi. Non, non, tout à fait. C'est clair qu'ils dansent là, c'est magique. C'est une manière de se remotiver aussi, de se motiver avant cette grosse montée. Ils partent à 500 mètres, ils vont jusqu'à 2000 mètres d'altitude à Chandolin avant de continuer, comme il disait Julien, petit tout à l'heure, du plat, mais qui n'est pas forcément du plat. Non, non, il y a un rec direct dès le départ. On chante, on danse et puis on va souffrir tout à l'heure. Ouais. Et Pierre, on est dans ce rec avec les élites et on a déjà une première information, c'est que Rémi Bonnet, on attend une victoire suisse depuis 10 ans ici à Sierre Zinal, et Rémi Bonnet semble être dans un groupe de tête, Julien. Exactement Mathieu, on a vu pour l'instant Rémi Bonnet qui tient son rôle, hein. Il est dans le groupe de tête avec l'autre grand favori de cette course homme, on ne l'a pas cité, c'est Patrick Kipengeno, double champion du monde et qui est... Il y a un duel annoncé entre les deux. Et bien pour l'instant, ce duel, on l'a avec encore un autre coureur kényan. Et à mon avis, c'est Philemon Kiriago qui fait partie également de ce groupe de tête. Donc pour l'instant, ouais. les promesses sont tenues de la part de Excellente nouvelle, effectivement, de savoir que Rémi Ponchette est avec Patrick Kipengeno à ce stade. Rémi Bonnet, Pierre. De la course Rémi Bonnet, oui, pardon, excusez-moi. Mais ça va arriver plusieurs fois pendant les 3 heures. Il n'y a pas de problème. Personnellement, je ne suis pas forcément habitué au soleil valaisan. Donc il va peut-être un peu taper fort. Et donc voilà, direction Ponchette, cette fois, on va vous retrouver, Florent May. Florent, présentez-nous votre invité. Oui Pierre, je suis avec Augustin Rion qui est le chef samaritain ici au poste de Ponchette. Augustin, je crois que ça fait 20 ans que tu occupes cette fonction ici. Oui exactement, depuis une vingtaine d'années. Au début j'ai couru un petit peu la course, puis après... Comme j'avais plus envie de courir, je suis venu comme bénévole. Il est modeste, Augustin. Il a couru la course, il a couru 74, 76, la première édition. Tu me disais, le poste de ravitaillement ici en 74, c'était épique parce que la Jeep, elle n'était pas arrivée. Oui, et pourtant, on n'était pas dans les premiers. Hein.
puisqu'on avait mis 5 heures à peu près pour aller jusqu'à Dinal. Et quand on est arrivé ici, il n'y avait personne. Et on a croisé la Jeep qui amenait le ravitaillement entre Ponchette et Chandola. Édition historique, on fête la 50e édition, Augustin. 74, c'est la victoire des Diaoser. C'est la deuxième place aussi d'un Belge, Gaston Roulants, un coureur de la piste. Et il a vous avez une anecdote à son sujet quand il a affronté cette montée ici, 1300 mètres depuis Sierre jusqu'à Ponchette. Il a dit quoi, Gaston Roulants? Oui, alors Gaston Roulants, qui avait été critiqué dans les médias belges parce qu'il devait faire une course en septembre, je crois. Et il avait dit je ne savais pas ce que c'était courir à quatre pattes, mais j'ai appris. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans cette montée maintenant. Merci Augustin. Gaston Roulants qui avait affronté ce mur entre Sierre et Ponchette et il avait fait une médaille, c'était en septembre 74, médaillé de bronze au championnat d'Europe sur marathon, c'était à Rome. Ouais, et puis Gaston Roulants aussi, médaillé olympique. On est très fiers de Gaston Roulants en Belgique. Je dis on parce que un petit peu de sang belge effectivement qui coule quelque part dans mes veines. Vincent Teta, on va conclure avec vous, avec Jean-Claude Pont avant de recevoir sur ce plateau de véritables légendes de cette course, hein, les frères Voirdoux, qui en ont 50 à leur compteur. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les heures et les années à venir? Alors d'abord, pour les heures qui arrivent, ben la sécurité pour tous ceux qui doivent encore rejoindre Zinal, et puis de pouvoir sourire en passant cette ligne d'arrivée. Ces émotions, elles sont fantastiques, elles sont multiples, on passe par tous les états d'âme. De vivre ça avec eux, d'être au plus proche, c'est quelque chose que je souhaite. Pour l'avenir encore, c'est de continuer justement de pouvoir rester avec une colonne vertébrale saine, avec des valeurs importantes autour du sport, du rassemblement. On a pu voir derrière nous des gens qui finissent avec une chope de bière dans la main. Et ben, ils sont autant bienvenus qu'un Rémi Bonnet, qu'une Maud Matisse, qu'un Kylian Jornet. Et je pense que cet esprit doit perdurer. Donc qu'on passe la ligne d'arrivée en 2,25 ou en 10 heures, bienvenue à Sierre Zinal. Jean-Claude Pont, que souhaitez-vous à ce bébé que vous avez fait naître il y a 50 ans? D'abord, juste une petite précision. Précisez, Jean-Claude, vous une êtes chez vous. Une petite précision. Les spectateurs voient souvent des larmes dans les yeux des participants et pensent que c'est dû à de la fatigue, à de l'épuisement. En réalité, ce sont des larmes d'émotion et de joie. Maintenant, ce que je souhaite, d'abord, on a eu une chance, j'ai cherché longtemps des successeurs. On a eu une chance fantastique de tomber sur cette équipe. J'ai dit souvent, nous avons amené tant de gens au paradis que le ciel nous devait bien ça. Et je crois qu'avec cette équipe qui a conservé les structures gagnantes de la course, tout en sachant amener d'énormes améliorations, changements de dimension, je pense qu'on est parti pour un bon nombre d'années. Et la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ça continue. Jean-Claude et Vincent, je n'ai qu'un mot à la bouche vous concernant, c'est merci. Jean-Claude, merci d'avoir créé ça et d'avoir fait perdurer ça tout au long des années. Vincent, merci d'avoir repris le témoin, d'avoir repris le flambeau et de continuer à faire briller cette course, non seulement ici en Valais, non seulement ici en Suisse, mais vraiment partout dans le monde. Messieurs, un immense coup de chapeau et un immense merci du fond du cœur. Merci pour ces mots, merci beaucoup. Merci. Notre rôle à nous aussi, RTS, c'est de faire revivre un tout petit peu les grandes heures du passé. Vous le savez, hein, nous avons une quantité d'archives chez nous, à Genève, assez incroyable. Et on a décidé cette année, pour les 50 ans, d'aller creuser dans ces archives et de vous proposer un sujet par décennie de course. On va donc commencer par vous parler de ce qui s'est passé durant la toute première décennie de Sierre Zinal. Cette décennie a été marquée par de grands noms. Aldo Alegranza, Pablo Vigil, Annick Loire, Marek Moser et son époux. Cette première décennie de Sierre Zinal, c'est Pascal Turner qui nous l'a fait revivre. Eddie Hauser restera pour toujours le premier vainqueur de Sierre Zinal. Le 11 août 1974, ce haut valaisan de 26 ans ouvre le palmarès de ce qui deviendra la plus prestigieuse des courses de montagne. Eddie Hauser est alors un spécialiste de ski de fond, médaillé de bronze avec le relais suisse aux Jeux Olympiques à Sapporo en 1972. Le podium de cette première édition est déjà éblouissant. Le deuxième ce jour-là est le Belge Gaston Roulants, champion olympique du 3000 mètres steeple 10 ans plus tôt à Tokyo. Ce premier Sierre Zinal est aussi et déjà un succès populaire inespéré
avec plus de 1000 inscrits. Il a fallu commencer à convaincre l'entourage, convaincre les milieux spécialisés, la presse, les milieux de coureurs. On disait c'est mal plat, caillouteux, dangereux, vous n'aurez personne, etc. La course à pied à ce moment-là, c'était la course à pied en stade. Tout ce qui se passait à l'extérieur était dit course à pied sauvage. Dans les années 70 et 80, Sierzinal sera une inspiration pour des milliers de coureuses et de coureurs. Ce succès, les organisateurs le doivent aussi à des dizaines de bénévoles motivés d'emblée à l'idée de partager la beauté de leur région avec des sportifs venus du monde entier. C'est la plus belle course en montagne du monde. C'est pour cela que je reviens chaque année. Et pourtant, ils en bavent sur les 31 km entre Sierre et Zinal, avec notamment la terrible montée de Ponchette. Puis, entre les montées et les descentes, et les pierriers, les musculatures et les ambitions sont mises à rude épreuve. C'est foutu pour 4 heures. Ouais. Mais cette course, c'est aussi s'offrir un extraordinaire moment de liberté. Courir les sentiers à travers les pâturages d'altitude, avec en toile de fond des paysages sublimes. C'est dans ce décor qu'un Américain venu du Colorado deviendra le premier athlète emblématique de Sierzinal. Pablo Vigil remporte la course, une première fois en 1979. Il récidive les 3 années suivantes. Le Valais est depuis pour lui comme une seconde patrie. Panorama absolument sublime ici, la course des 5-4000, et voilà, ils font du bruit. Voilà, on n'entend que, on n'entendait que, il y a de cela environ une heure, Christian, Jackie, pour rendre hommage à Christian et Jacques Voirdoux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Christian et Jacques, vous êtes faits d'une race un peu particulière. Vous êtes les derniers représentants, les derniers survivants d'une race en voie d'extinction, ceux qui ont fait tout les Sierzinal. Vous êtes 3. Je m'en voudrais quand même de ne pas citer le troisième, Jean-Noël Teta d'ailleurs, qui lui aussi en était cette année à sa 50e édition. Et vous, vous les avez tous courus. Alors, un Sierzinal, je peux concevoir. Deux, il faut déjà avoir un sacré courage. Vous avez fait 50. Et vous avez fait 50 ensemble. J'ai une question, messieurs, pourquoi ? Jackie, Christian, Jacques, pardon. On m'a expliqué que si je disais Jackie, j'allais me faire gronder. Donc Jacques, Christian, pourquoi 50 ? C'est un défi personnel, c'est une envie, c'est du plaisir, ou est-ce que vous êtes définitivement fou, Jacques? À la fin, c'est du plaisir. Au début, c'est du pur hasard. Mais c'est vrai que si on compte un petit peu, c'est de la folie. Christian, vous confirmez, il faut être fou? Je confirme qu'il faut être fou. Toutes les années, je me dis c'est la dernière. Et puis l'année suivante, j'en ai de nouveau là. Mais c'est tellement beau qu'on arrive à Zinal, c'est tellement beau qu'on arrive avec tout ce monde que moi, je suis presque déjà reparti pour l'année prochaine. Ah d'accord, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on repart pour la 51e ? Vous y répondez déjà, mais ça veut dire, Christian, que si vous êtes partant pour la 51e, le frangin est obligé de partir pour la 51e aussi. Alors le frangin, lui, il est différent. Le frangin, lui, il se dit que son corps, il souffre trop. Et j'ai compris, quand je montais à l'hôtel Weissand, j'ai compris pourquoi j'avais décidé d'arrêter l'année,
cette année. Ah donc pour vous c'est terminé, c'est la 50e, c'est fini? À 99%. Ah, il reste quand même, il reste quand même le petit pourcent. Ouais, il reste quand même ce fameux petit pourcent. Et vous êtes venus sacrément accompagner Jacques et Christian. Ce soutien-là, c'est super important. Mais bien sûr, sans ça, je ne pense pas qu'on ferait toutes les années la course. Ils sont là toutes les années, ils sont là pour nous encourager quand on s'entraîne, ils sont là tout le temps. C'est clair que sans eux, on ne continue pas. Hein. C'est un tout, ce n'est pas que la course, c'est aussi l'ambiance qu'il y a autour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de notre famille directe, les descendants de nos parents, on était 7. On était les deux, mon épouse et 4 neveux et nièces. Sur la course? Sur la course, avoir fait la course. Il y a aussi cette notion de transmission pour vous? On espère, on espère. Il y a ma petite fille qui a 8 ans qui m'a dit « Mais grand-papa, tu arrêtes, mais est-ce que tu feras quand même avec moi en junior ?» Alors, ouais, mais on a bien entendu que grand-papa... Je vais l'accompagner. Voilà, grand-papa était sûr qu'à 99% de ne voilà. de pas partir. Donc le pourcent restant risque d'être décisif. Messieurs, un petit mot sur vous. Donc vous vivez à Grimens. Dites-moi déjà, lequel est l'aîné? Alors c'est moi l'aîné. Est-ce que c'est l'aîné qui a entraîné son petit frère dans la course à pied ou bien est-ce que ça s'est passé autrement? Non, c'est un peu les deux. On s'est un peu monté la tête les deux. On s'est lancé un défi sans vraiment se lancer un défi. On s'est lancé le défi de le faire parce qu'on avait entendu parler de Cierzinal, mais sans trop connaître la course. Mais c'est les deux. Messieurs, est-ce que vous vous tirez la bourre sur le parcours? Est-ce qu'il y a une notion de « Allez, je vais finir devant le frangin » Ça, de toute façon. De toute façon, c'est, moi, aujourd'hui, j'étais à la fin, j'étais devant. Je me suis retourné une fois, je l'ai vu qu'il était pas loin derrière. J'ai pas lâché. Donc, il y a cette volonté. Jacques, j'ai ouï dire que vous étiez le plus sérieux des deux, mais que lui était plus doué. Est-ce que c'est juste? C'est juste, c'est juste. Ça se voit comme ça? Ça se voit un peu. Et puis, une de nos journalistes, en l'occurrence Odessa Blanc, est venue vous voir hier, puisqu'on pourra... Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain dans Sport Dimanche si vous voulez faire mieux connaissance avec ces messieurs. Odessa est venue tourner chez vous hier. Vous tourniez aux pattes et à l'eau. C'était pas forcément le cas de votre frère. Est-ce que je trahis un secret? Non, non, vous trahissez aucun secret. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé joindre l'utile et l'agréable. Et si j'avais dû vivre trop sérieusement, je pense que j'aurais préféré arrêter Cierzinal. Heureusement que je suis arrivé à faire les deux choses. Et je vous rappelle qu'il y a 10 ans en arrière, vous m'aviez promis une bière sur le plateau. Alors, la bière, ce ne sera pas sur le plateau, parce que sinon je me ferai taper sur les doigts. Mais alors, la bière, après le plateau, je vous la promets, vous l'aurez, Christian. Il y a des histoires, forcément, tout au long de ces 50 ans. Il y a des anecdotes, Mathieu. Je vous interromps juste rapidement, puisqu'à l'image, on voit Julien, déjà peut-être pas un premier tournant, puisqu'on s'y attendait un petit peu, mais Patrick Kipengeno, le Kenyan, qui prend un petit peu de distance là dans cette première montée, cette terrible première montée vers Ponchette. Ouais, Mathieu, hein, Patrick Kipengeno, double champion du monde et qui là vraiment, je pense, a mis un coup sur l'accélérateur. En tout cas, on le voit vraiment seul. Il semble avoir lâché Rémi Bonnet. On va être très prudent vraiment avec les écarts. On n'a pas les écarts sous les yeux. Donc voilà, à confirmer. Mais en effet, Patrick Kipengeno qui se détache dans cette montée direction Ponchette. Ouais, on aura assez vite la confirmation de cela, messieurs, parce que l'arrivée à Ponchette est prévue maintenant. Dans quelques minutes, on revient avec Christian et Jacques Voirdoux. Je le disais, plein d'anecdotes, évidemment, tout au long des 50 ans, des heureuses, des moins heureuses. Moi, il y en a une qui me plaît particulièrement, Jacques, c'est que Cierzinal, ça a été votre voyage de noces. Tout à fait. À l'époque, on n'avait pas les moyens. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, les voyages de noces, on peut les faire avec la banque. Nous, à l'époque, il fallait qu'on ait de l'argent, on n'avait pas l'argent. Donc, j'ai dit à mon épouse, cette année, si tu veux, pour notre voyage de noces, on fait Cierzinal, et puis on l'a fait. C'est clair qu'on n'a pas fait les mêmes temps que je fais moi d'habitude, mais on est arrivé au bout et puis j'en suis très fier. Avec la nuit de noces à l'hôtel Weisshorn, Jacques? On n'a pas eu le temps de s'arrêter malheureusement, parce que sinon on ne serait pas arrivé avant le balai. Hein. Christian, dans les autres anecdotes, peut-être moins heureuse, mais qui est quelque part extraordinairement touchante, je ne peux pas ne pas vous parler de votre maman, qui était infiniment fière de vous. Qui est monté au ciel la veille de la course en 2019. C'est complètement fou cette histoire. Oui, exactement. Notre maman est décédée le vendredi.
Et puis le dimanche, quand on a fait la course, elle était à l'église, on l'a enterrée le lundi. Et c'est vrai que notre maman venait d'ailleurs. Et elle était tellement fière qu'on fasse Cerzinal parce qu'une grande partie du parcours, c'est sur ces terrains. Et on n'aurait jamais imaginé ne pas faire de la course. Je pense qu'elle serait venue nous tirer les oreilles pendant toute son éternité. Mais c'est vrai que c'était une année très difficile, très difficile. Mais je pense qu'elle nous a aidés. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette course ? Christian, vous d'abord. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette course, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance que Jean-Claude Pont a mis au départ. C'est l'ambiance que maintenant les jeunes y gardent. Ils ont su garder cette même ambiance, cet esprit de famille. Quand on arrive ici, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. On croise ceux qui vont gagner aujourd'hui, ils nous croisent, ils nous parlent. C'est ça qui est beau à Cerzinal, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas une course d'anonyme. Mathieu, un mot sur la course ? On parlait de l'échappée belle de Patrick Kipengeno, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Il y en a un qui a accroché à ses basques. Oui, c'est Rémi Bonnet, mais Rémi Bonnet qui est vraisemblablement avec un autre Kenyan, à savoir Philemon Kiriago, okay. Et Kipengeno est légèrement devant, un mot chez les femmes. Visiblement, selon les premières informations, c'est une Kenyane également qui est en tête. Exactement, donc pour la course homme, hein, on voit Kipengeno qui a fait vraiment maintenant un petit peu le trou, semble-t-il, avec Rémi Bonnet et Philemon Kiriago, vainqueur à Thion-d'Ixence la semaine dernière. Et chez les femmes, visiblement, je crois avoir reconnu Lucie Mourigi en tête de la course femme, mais évidemment, à confirmer, en tout cas, c'est une Kenyane qui mène la course femme. Jacques, même question que votre frère. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Il y a notamment ces panoramas qui sont juste hallucinants. Franchement, moi, je pense ce matin déjà au départ, quand je vois tous les gens qui viennent nous féliciter, c'est clair qu'on est un peu des dinosaures, donc les gens, ils viennent nous voir, mais tous ces gens qui viennent nous féliciter, nous encourager à faire cette course, c'est dur à arrêter, malgré le fait que j'ai dit que j'arrêtais, c'est dur à arrêter parce que ça nous fait une telle motivation. Puis après, on arrive à l'arrivée, il y a cette ambiance déjà, à 500 mètres de l'arrivée, où tous les gens sont le long du parcours et puis nous applaudissent. C'est le frisson jusqu'à l'arrivée. Donc tout ça fait que c'est une course extraordinaire. Allez, on va aller faire un tour à l'arrivée avec Odessa Blanc qui continue à recueillir des informations. On a donc les gens du cru, même Grimens, Zinal, il peut parfois y avoir une petite rivalité, mais voilà, vous êtes à Niviar avant tout. Et puis il y a les autres qui viennent parfois d'un peu partout pour courir Odessa. On vous retrouve avec l'un d'entre eux. Je suis en compagnie de Julien, belgeo-suisse, on peut dire. Ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans notre beau pays. Par contre, c'est la première fois que vous faites Cerzinal. Qu'est-ce qui vous a motivé à enfin tenter cette course mythique ? En fait, je me suis fait entraîner par trois de mes amis qui sont là-bas et qui ont déjà fait la course avant et qui m'ont convaincu de la faire cette année. Et donc voilà. Comment ça s'est passé, du coup, ces 31 km, un petit peu des difficultés ou que de la joie ? Franchement, c'était super. C'était au début, ça allait. C'était assez difficile, surtout sur la descente. Mais franchement, c'était une super course. C'était génial. Vraiment. Vous y avez pris goût ? Ah oui, j'ai adoré. Franchement, je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. Je sais pas si je vais vraiment me lancer dans beaucoup de trails, mais je viendrai avec plaisir l'année prochaine. Est-ce que vous avez quand même eu le temps un peu de regarder les paysages, etc. Ouais, j'ai pris quelques photos aussi sur le chemin et tout, donc ouais, c'est vraiment magnifique. Ah, bravo, Julien. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, Patrick Kipengeno, je crois que c'est lui, hein, Julien Petit, seul dans la montée vers Ponchette où il devrait être. C'est Kiriago, d'ici à l'image. 2 Kiriago. À 3 minutes, c'est pas. Non, c'est pas. C'est Kiriago. Voilà. L'autre Kenyan qui est vraisemblablement en troisième position, mais pour l'instant c'est encore difficile, on n'a pas le premier temps intermédiaire à Ponchette au terme arrive. De cette terrible montée. Ça arrive, effectivement. Jacques et Christian, on va bientôt vous laisser. Je suppose que ce qui suit, c'est la fête. Christian, on a déjà rendez-vous, vous et moi, à la fin de la transmission. Mais là, derrière, le comité d'accueil a sans doute prévu de jolies festivités pour vous. Tout à fait, mais la première chose quand même, c'est la douche, hein, parce qu'il semble que gentiment, on sent un petit peu le phoque. Ça va, ça de va. Là où on est, ça va. Ça, merci, de là où je suis également. Ouais, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que c'est rude, parce que quand on voit l'image, la vitesse qui monte, et puis la vitesse qu'on monte nous, c'est pas très sympa, je pense.
Alors écoutez Jacques, moi je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 51e avec, avec votre frère. On vous dotera d'une de ces petites caméras hein, qu'on porte là, comme ça on pourra un peu mesurer le rythme et on pourra notamment vérifier si la foulée que l'on dit mythique de votre frère Christian l'est vraiment dans la montée de Panchette. En tout cas messieurs, franchement un immense merci d'être venus nous rejoindre sur ce plateau, parce que franchement sans vous et sans ces populaires qui font de Sierzinal ce qu'elle est, ben elle n'aurait pas non plus ce retentissement. Vous m'aviez donné rendez-vous lors de la 40e. Je me souviens aussi que vous êtes venu me voir en bas du plateau du Tour de Romandie il y a quelques mois de ça pour me donner rendez-vous ce midi. Et vous êtes fidèle au rendez-vous, tellement fidèle, tiens messieurs, peut-être dernière anecdote, tellement fidèle au rendez-vous que vous avez à plusieurs reprises dans le passé repoussé des opérations pour pouvoir faire la course, c'est juste? Oui, exactement. Moi, je devais me faire opérer d'une épaule début août. Et après, j'avais le bras coincé pendant plus d'un mois. Donc, je ne pouvais pas faire Sierzinal. J'ai dû aller chercher le chirurgien. Puis après une longue bagarre dans son bureau, il a repoussé l'opération d'un mois. Et le lundi, c'est lui qui m'a appelé pour savoir si j'avais bien passé la course. Messieurs, dames, je pense que Christian et Jacques Voirdoux mérite non pas des applaudissements, mais un énorme hourra. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous l'année prochaine. J'ose pas vous dire rendez-vous pour la 60e, parce que ce serait peut-être un visé, mais rendez-vous l'année prochaine, Jacques et Christian Voirdoux. Mais est-ce que vous êtes là? Ici ou sur le parcours? Je ne sais pas. Le défi est lancé. Non, mais sur le parcours, j'aimerais bien. Honnêtement, une fois, avec Mathieu Germanier et puis Julien Pont comme coach. D'accord. Alors Julien merci. Petit, pas Julien Pont, pardon. Non, c'est pas grave. Ouais. Je vous en veux pas. Messieurs, on vous laisse et on va gentiment s'intéresser à la course parce que le passage à Panchette est imminent. On va assez vite retourner vers Florent Mec qui est là-bas, qui nous attend avec les caméras de Canal 9. Messieurs, on arrive bientôt au-dessus de cette première montée, premier tiré de la course. Et là, la stratégie va changer, du coup, forcément, Julien Petit. Exactement. Là, on va arriver gentiment dans une partie où c'est plutôt un faux plat montant. Vraiment, les coureurs vont pouvoir dérouler. Et c'est aussi là où on aura des informations eh bien, si certains sont partis trop vite, sont en grimpé trop vite, notamment voir l'état de forme de Kipengeno qui est là quand même sur un joli rythme. Donc, on aura aussi ces réponses-là. Avec donc les images de l'hélico qui commencent à nous renseigner. Avec, on le voit, le coureur derrière avec sa caméra qui était accrochée au basque du leader. C'est la sortie de la forêt et on arrive vers Panchette pour Patrick Kipengeno. Et on aura une première indication non seulement sur son temps, sur son avance sur Rémi Bonnet, mais également sur son temps par rapport au record de Kylian Jornet qui date de 2019. On aura les premières informations d'ici quelques minutes pour les femmes. Eh bien, elles sont un petit peu derrière, donc c'est un petit peu plus difficile pour l'instant de vous donner des informations. Et peut-être un petit mot sur Panchette, Pierre. Vraiment, c'est là aussi l'endroit de la course où un petit peu avant, on peut voir les 5-4 000 du Val d'Anivier. Donc voilà, et on un panorama incroyable. On s'y rend. À Panchette, Florent Mec, il passe devant vous. Oui Pierre, le Patrick Kipengeno qui vient de passer le poste de Panchette. Alors si on regarde par rapport au temps du record, il a à peu près 2 minutes de retard sur le temps du record de Kylian Jornet, mais une foulée déliée, il a l'air assez frais, concentré, il regarde bien devant lui. Puis maintenant il va attaquer une partie un peu plus montante et puis il y a le deuxième qui arrive, Philemon, le numéro 14, Kiriago, qui suit juste maintenant à une trentaine de secondes le Dossard 14, un autre Kenyan. Et donc domination kenyane pour l'instant sur ce Sierzinal 2023. Mais Rémi Bonnet qui devrait arriver juste derrière. Et on va le dire tout de suite, Julien Petit, la course n'est pas gagnée à ce moment-là. De loin pas. Hein. C'est clair Mathieu, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Et rien n'est joué. Ce qu'on peut dire par contre, c'est clair que le record homme semble déjà difficilement atteignable. Hein. 2 minutes à Panchette de retard, surtout qu'on sait que le record de Kylian Jornet avait fait une fin de parcours assez exceptionnelle. Un petit peu moins, 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30 de retard, mais on a déjà quelques indications. Mais la course, Michael, non, on n'est pas encore joué. On se réjouit de voir Rémi Bonnet, quand est-ce qu'il va arriver à Panchette. Ben voilà, il arrive maintenant. Florent Mec, on revient vers vous. Rémi Bonnet à votre portée. Voilà, le passage à l'instant de Rémi Bonnet, le troisième pour l'instant sur cette édition
20-23 de Cierzinal. Rémi Bonnet qui est en chasse des deux Kenyans. Déjà un petit écart, il y a la minute en tout cas avec Patrick Kipengeno. Rémi Bonnet qui l'a dit aussi avant cette course, il s'était beaucoup entraîné pour la vitesse. On connaît la qualité des coureurs africains, c'est maintenant qu'il devrait faire la différence. Allez, ça va être compliqué pour Rémi, mais il est toujours dans le match pour la première place. Merci Florent May, on vous retrouvera évidemment tout à l'heure pour le passage à Ponchette d'ici quelques minutes des premières féminines. Rien de rédhibitoire à ce stade, messieurs, entre une et deux minutes. Grosso modo, on s'y attendait. Alors oui et non, hein. Rémi Bonnet grimpe bien, hein. C'est vraiment un grimpeur, il a fait un magnifique hiver où il a gagné presque toutes les courses verticales, il a gagné le marathon du Mont-Blanc, donc voilà, c'est rien de rédhibitoire, mais à voir maintenant la réaction. Il y a 1 minute 18 entre Patrick Kipengeno et Rémi Bonnet, Philemon Kyriago qui est à 34 secondes, donc voilà, il peut encore se passer vraiment beaucoup de choses. On verra aussi le prochain chrono à Chandos, hein, voir l'évolution. Et Pierre, petit rappel, hein, si on vous parle beaucoup de Rémi Bonnet, c'est qu'on attend depuis 10 ans ici à Zinal une victoire suisse. C'était en 2013, Marc Lauenstein, et tout le monde s'en souvient. Le plaisir d'accueillir sur ce plateau. On va faire une petite pause maintenant dans la description de cette course. Michael Moret, directeur d'Anivier Tourisme. Merci Michael de nous accueillir chez vous. Et Julien Valentini. Julien, vous Bonjour. Êtes illustrateur et vous avez participé à la confection de ce petit bouquin que vous avez devant vous, Anecdotes et petites histoires de la course Sierre-Zinal. Michael Moret, je ne me trompe pas si je dis que Sierre-Zinal, c'est un peu le fleuron du Val d'Anivier. Oui, alors clairement, c'est vraiment le gros événement de l'année qu'on attend avec impatience et voilà, du monde chaque année. C'est la fête, quoi. C'est vraiment la grande fête pour le Val d'Anivier. Une fête qui attire énormément de monde ici à Zinal et qui est aussi bénéfique pour toute la vallée, un peu à l'instar du Grand Raid à Grimens. Ce sont des événements qui sont non seulement des événements sportifs et qui permettent de mettre ces stations sur la carte au niveau mondial, mais c'est aussi extrêmement important sur un plan populaire. Oui, alors complètement. Il y a effectivement d'une part cette renommée internationale qui est géniale en termes de marketing, et bien sûr tous les populaires qu'on retrouve aussi tout au long de l'année, puis qui viennent s'entraîner sur ces sentiers et qui arpentent nos nombreux itinéraires de trail, de VTT, etc. et de rando à ski encore en hiver notamment. Vous parlez de ces sports qui peuvent parfois être un tout petit peu traumatisants quand même pour les corps, en particulier aujourd'hui à Sierre-Zinal. Mais là encore, les organisateurs ont bien fait les choses en prévoyant sur chacun des points de passage des physios. Direction Tignosa, où Anna Silva a décidé de se faire soigner. Alors moi pas, mon cher Pierre, mais effectivement je suis avec Tanguy Zuffray, qui est le responsable physio pour l'ensemble de cette course. C'est sa 12e édition. Alors Tanguy, première question que j'ai envie de vous poser, finalement, comment ça se passe jusqu'à présent? Ben pour l'instant, vraiment, tout se passe bien. Les coureurs sont bien entraînés, donc on n'a pas trop de dégâts. Et puis ben, les gens sont hyper contents. Donc ici, on est à mi-parcours de cette course. En général, quelles sont un petit peu les blessures, les bobos qu'ont les coureurs? Bah, ça dépend le temps, mais aujourd'hui, comme il fait beau, comme normal dans le Val d'Anivier, bah, du coup, c'est plutôt les quadris, les mollets, peut-être des fois un peu les ischios, puis un petit peu le fond du dos. On a vu aussi que finalement, vous avez la possibilité d'aller chercher certains coureurs qui abandonnent en cours de route. On a vu tout à l'heure, on ne l'a pas en image, mais on a vu qu'il y a une voiture en fait, qui ramenait un coureur. Ça, c'est assez habituel, ça se passe souvent, ça? Non, c'est de temps en temps. On a de temps en temps un voire deux coureurs par édition. Et puis, des fois, ils le savent très bien en partant d'ici, qu'ils sont un petit peu plus mal et ils se disent qu'on veut quand même essayer de terminer, en tout cas de continuer. Puis des fois, ils vont un petit bout, puis ils voient que c'est plus possible. Donc du coup, ils reviennent et c'est plutôt une sage décision. Enfin, peut-être dernière question, est-ce que vous avez déjà eu des cas assez compliqués à gérer ici en tant que physio? Ici, sur le poste à Tignosa, pas, mais je sais que par le passé, il y a d'autres postes qui ont eu des choses un petit peu plus compliquées, oui. Après, voilà, il y a beaucoup de monde et c'est un sport quand même assez qui est exigeant, quoi. Parfait, merci beaucoup Tanguy. Donc voilà Pierre, ce qu'on pouvait dire ici à ce point. Voilà, moi je ne vais pas me faire masser, hein, clairement, parce que je ne fais pas cette course. Mais peut-être l'année prochaine, si vous êtes d'accord, on pourra la faire ensemble. 2025. L'année prochaine, on est à Paris au mois de 2025. Malheureusement, mais 2025. Ah oui, le vrai, défi vous avez raison. Est lancé. Alors 2025, le rendez-vous est pris. Le défi est lancé. Toujours sur ce plateau avec Michael Moret, directeur d'Anivier Tourisme, et Julien Valentini, illustrateur. Julien Valentini, vous avez devant vous un très bel objet, un petit bouquin, anecdotes et petites histoires de la course Sierre-Zinal, rédigé par plusieurs écrivains et que vous avez
illustré. Racontez-nous un peu l'histoire de ce bouquin. Exactement, c'est ça. Du coup, pour le 50e, le comité d'organisation voulait marquer le coup et a regroupé toute une série, une cinquantaine de petites histoires et d'anecdotes qui font un peu qui sont un peu rigolotes à propos de la course. Et puis, mon boulot, ça a été justement d'illustrer toutes ces petites histoires. On va voir quelques images qui sont tirées effectivement de ce livre. Illustrateur, ai-je lu sur votre site internet, Julien Valentini, illustrateur à Sierre, Maakala Illustration. C'est pas dessinateur, c'est quoi le distinguo ? Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence finalement, l'illustration ou le dessin. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Et puis, je suis peut-être un petit peu plus polyvalent. Je fais aussi un petit peu de graphisme, un petit peu de vidéo. Je pense que ça fait partie de mon travail. On revient vers vous dans un instant, messieurs, parce que notre fil rouge est la course. Et Mathieu et Julien, on s'approche gentiment du passage à Ponchette de la première féminine. On ira évidemment vers Florent Maître dès que ça arrive. Oui, on ira dès que ça arrive. Et honnêtement, Pierre, dans cette montée, c'est extrêmement compliqué d'avoir les premiers temps intermédiaires avec des caméras qui sont embarquées. Mais parfois, on rate la première femme également. Julien, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de savoir qui est vraiment en tête dans cette course femme. Exactement, Mathieu. On va pas prendre trop de risques sur cette course féminine pour l'instant. On sait que c'est une Kenyane en tête. À mon avis, c'est Lucie Mourigi. À confirmer, évidemment, au passage à Ponchette. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que dans la course homme, derrière Rémi Bonnet, à la quatrième place, on a un Ukrainien, c'est Vitaly Chafar. Et c'est peut-être la belle histoire de ce Sierzinal 2023. C'est un réfugié, déjà excellent en marathon. Je crois qu'il avait fait les JO de Londres. Il avait réussi un top 30. Et qui, pour l'instant, en tout cas, à Ponchette, est à la quatrième place. Donc voilà, peut-être la belle histoire aussi de cette édition. Alors on ira à Ponchette dès que possible. Michael Moret, tous ces noms. Ponchette, Barnoza, Tignouza, et puis c'est... Ces sommets mythiques font entièrement partie de l'ADN de votre sublime vallée. Ouais, c'est vraiment notre environnement. On a la chance que ce soit notre lieu de travail au quotidien. Et puis on est évidemment ravis de partager tous ces lieux mythiques grâce à la course, avec nos hôtes tout au long de l'année. Et c'est clair que ces sommets, ces 4000, cette couronne impériale, ça fait rêver. Et c'est des buts de balade. Même si on ne monte pas jusqu'au sommet, il y a de quoi s'amuser avant. On a évidemment la confirmation qu'on peut parler de montagne. Il l'a décliné tout au long de l'année. C'est 12 mois sur 12, c'est 365 jours par an. Ça ne s'arrête pas au mois d'hiver. Non, clairement pas. On a la chance vraiment. Alors c'est clair que les mois d'hiver sont importants, mais on a la chance d'avoir énormément de monde en été aussi, et de plus en plus grâce à ce type d'événement et grâce finalement à une diversification de notre offre qui est sympathique aussi pour nos touristes. Voilà, on me glisse dans l'oreillette que la première femme est à Ponchette. On vous retrouve, Florent May. Oui, à l'instant, la première femme, le 353 qui passe à l'instant à Ponchette, c'est Florea Monica Madalina, une Roumaine à avoir son dossard. Elle vient de passer à l'instant. On attendait Lucie Mourigi, la Kenyane, qui a gagné plusieurs fois ici à Sierzinal. Et pour l'instant, c'est une surprise avec cette Roumaine en tête du côté de la course des femmes. Je vous propose d'essayer de la suivre, Florent, et puis on vous retrouve d'ici une heure ou deux, quand vous aurez repris votre... Non, je plaisante, on vous retrouve très vite, Florent May. Voilà, l'illustration parfaite de ce que vous nous disiez, messieurs. On sort de Ponchette, il y a toujours des surprises. On avait noté des favoris, et bien elle n'était pas dedans, cette Roumaine pour l'instant, Julien. Alors elle avait été citée dans les Outsiders par Lucien Épinay qui s'occupe des coureurs invités ici sur Sierzinal, mais quand même c'est vraiment une surprise d'avoir là. On se demande où est située Nienke Brinkman, la néerlandaise qui était quand même grande favorite, qui est toujours d'ailleurs grande favorite de la course. Voilà, on voit la deuxième femme qui arrive, ça doit être Lucie Mourigi, la Kenyane, déjà plusieurs fois vainqueur ici sur Sierzinal. La deuxième femme n'est pas Lucie Mourigi, c'est une autre Kenyane, c'est Filariz Kisang. Qui faisait elle partie des favorites, la Kenyane. Mais c'est bien pour l'instant une Roumaine qui fait la course en tête maintenant. Et bien reste à savoir si elle est partie trop vite. Comment est-ce qu'elle va gérer cet effort? C'est encore long, c'est encore très long. Une heure de course sur les 2h49 si elle entend et bien égaliser le record de Maud Matisse réalisé en 2019. Florent May, petite question pour vous qui est donc à Ponchette. Vous nous confirmez que ceux que vous voyez passer devant nous ne sont plus que des élites, ou bien y a-t-il encore un ou deux populaires disséminés sur le parcours vers Ponchette? Ou est-ce que c'est fini?
Non, c'est toujours les élites qui courent actuellement devant nous, la 313 qui passe à l'instant chez les femmes. Et je vous confirme que à la deuxième place, c'est Philaris Kizang, la 303. Et puis juste, elle était cachée au milieu de ces hommes, parce que maintenant, voilà, ça défile entre les deux pelotons élites, hommes et femmes. Et à la troisième place, c'était l'américaine, le Dossard 310, Sofia Laukli, la spécialiste de ski nordique, qui est juste derrière à la troisième position. Et puis, bah oui, ça continue avec cette course élite, mais c'est des populaires forcément qui vont arriver aussi derrière, mais qui vont encore très vite. Merci beaucoup Florent May. On le rappelle, hein, Florent May de Canal 9 avec Fanny Jay à la caméra, car cette opération est une opération commune entre la RTS et Canal 9. Je reviens en plateau, je reviens vers vous, Michael Moret, Julien Valentini. Julien Valentini, avec ce petit bouquin, anecdotes et petites histoires de la course Yerzinal, vous me le confirmez, vous le dédicacez cet après-midi ici à Zinal. Il est déjà disponible, le livre, hein. C'est ça, il est disponible sur le shop de Cierzinal, et puis je serai en dédicace cet après-midi sur la place du village. Et comment finalement ces petites anecdotes et ces petites histoires ont été collectées ? Est-ce que vous avez fait appel à la mémoire sans faille de Jean-Claude Pont par exemple, ou bien il y a d'autres sources ? Là, il y a eu un gros boulot justement de l'organisation qui a été rencontrer les gens, regrouper toutes ces histoires, et puis il a fallu ensuite bien sûr les retravailler, les réécrire, et puis dans un deuxième temps, j'ai pu commencer à illustrer ça. Cierzinal, ce sont aussi 50 ans d'affiches, des affiches que l'on peut voir un peu partout, Michael Moret, dans les rues de Zinal. On va les voir dans quelques instants à l'image, ces affiches. C'est aussi un sacré travail chaque année de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on met en avant ? Il y en a quelques-unes qui sont très drôles, je me rappelle d'une, à mon avis ça devait être 2013, quelque chose comme ça, avec un talon aiguille barré. Il y a à chaque fois un vrai travail, vous faites appel à sacrées imaginations pour ça. Ouais, alors c'est clair, certaines de ces affiches sont devenues mythiques, hein, avec le temps, et on a l'habitude dans la vallée de les revoir. On passe dans un office du tourisme, dans un restaurant, donc on y est confronté régulièrement. Et oui, il y a un gros travail de la part de l'agence. Et ben là, cette année, c'était encore particulier, puis c'était un grand concours ouvert au public avec un résultat hyper sympa. Cierzinal, c'est bientôt derrière vous. La suite de la saison, c'est quoi pour la vallée ? Alors, c'est pas encore tout à fait derrière nous, parce qu'il y a un joli programme de festivités jusqu'à demain. Le plus dur est encore à faire pour nous. Et ensuite, oui, alors vous avez parlé tout à l'heure du Grand Raid samedi prochain du côté de Grémens. Donc, retour sur les VTT la semaine prochaine. Après, on a encore quelques courses de trail, les trails du Bessot, à nouveau ici à Zinal début septembre, un kilomètre vertical du côté de Chando. Donc voilà, la saison est encore longue jusqu'aux Desalpes fin septembre et ensuite la période de la chasse. Donc Julien Valentini, je le disais, rappelez-nous ce bouquin, comment peut-on se le procurer, et puis où est-ce qu'on peut vous croiser dans la journée pour vous le signer ? Alors sur le site de Cierzinal, je pense qu'au stand merchandising aussi il est disponible, et puis moi je serai sur la place du village où il y a l'écran géant pour faire les dédicaces et rencontrer les gens. Merci en tout cas messieurs d'être venu nous voir, merci, nous parler de merci, votre travail, de votre vallée, de ces illustrations. On va accueillir dans quelques instants sur ce plateau quelques-uns des derniers grands noms de Cierzinal. Pierre-André Gobet, qui l'a gagné durant les années 80. Nick Méraud, qui l'a gagné également durant les années 80. Mais on l'a dit, hein, Cierzinal, ce sont des histoires de personnes qui l'ont gagné. Ce sont aussi des petites histoires, notamment celle d'un papa qui a décidé de faire cette course avec son fils Romain Boisset. L'a croisé quelque part là-haut vers le Weisshorn. C'est aussi une course intergénérationnelle, on le sait peut-être un petit peu moins, avec une course junior entre Chandelin et Zinal, 19 km de course pour les 10-19 ans, et parmi eux Alexis, 11 ans, avec son papa Fabrice. Alors Alexis, première participation à cette course, comment ça se passe jusqu'à maintenant ? C'est bien, je suis assez content, mais c'est assez parfait, fatigant quand même. Content d'arriver au ravitaillement, il y a eu un entraînement particulier ces derniers jours ? Ouais, on a fait un camp à La Combe. Donc à Martigny-Combe, un petit entraînement sportif, c'est ça ? Ouais, de foot. Et là, il y a ta maman aussi qui participe, c'est juste à la course ? Ouais, elle participe à la course, mais elle a fait la grande. Fabrice, famille de coureurs, ou bien pourquoi avoir entraîné votre fils ici aujourd'hui sur Cierzinal ? Moi, j'ai pas vraiment le choix que de participer parce que ma femme fait la version longue depuis hier. Donc j'ai dû accompagner mon fils, mais avec une journée pareille, c'est un pur bonheur. Et puis c'est hyper sympa de faire ça en famille. Puis là, à l'arrivée au Weisshorn, il y a une ambiance de malade. Donc même si je suis pas un immense sportif, tout d'un coup, on a des ailes qui poussent dans le dos. Et puis on y arrive quand même.
Et qu'est-ce qu'on se dit ici, le plus dur est fait? Vous allez gentiment redescendre, le plus dur est fait, ou bien on peut le dire? Ah oui, oui, là, clairement, là, maintenant, on va se laisser aller la descente, et puis on sera hyper content d'arriver dans l'ambiance de feu à Dinal. Très bien, et bien on vous souhaite une bonne fin de course. Merci beaucoup, Alexis et Fabrice, merci, bonne course. Bonne journée. Et merci beaucoup à nos différents journalistes disséminés sur le parcours de nous proposer évidemment ces différents témoignages. Mathieu, Julien, un petit point sur la course des élites. Oui, on est là avec Rémi Bonnet, on peut faire le point. Effectivement, après le premier temps intermédiaire à Ponchette, avec un homme qui se détache, Patrick Kipengeno, c'est pas une surprise, le Kenyan, qui a 34 secondes d'avance sur un autre Kenyan, Philemon Kiriago. Rémi Bonnet derrière avec 1 minute et 18 secondes de retard. Voilà pour le trio de tête chez les hommes, c'était plutôt attendu. Chez les femmes, eh bien, la surprise, c'est la Roumaine Monica Madalina Florea qui est en tête pour l'instant avec 53 secondes d'avance sur Filaris Kisang, la Kenyane qui avait terminé deuxième de Sierzinal l'an passé, elle n'est pas nouvelle. La grosse surprise, Julien, elle vient de la performance pour l'instant de la néerlandaise Nienke Brinkman, qu'on a vu hier en conférence de presse. Elle voulait battre le record du parcours. Elle est pour l'instant très loin, sixième à plus de quasiment 4 minutes de la tête. Exactement, Mathieu. Hein. C'est vraiment la grosse surprise. C'est pour l'instant Nienke Brinkman, en effet, qui est à 3,54 de la tête. Ça va vraiment être compliqué. Surtout qu'elle est, cinquième, hein, je crois. Donc il y a vraiment pas mal de coureuses à rattraper. Donc ça va être compliqué pour Brinkman. Difficile à dire pourquoi. Vraiment, en tout cas, elle était assez confiante hier en conférence de presse. Vraiment à surveiller de près pour la suite si elle peut faire la remontada, comme on dit. Et encore un petit mot, Pierre. Les records pour l'instant qui ne sont pas en danger sur ce Sierzinal, puisque 1 minute 31 secondes de retard pour les hommes. 1 minute 18 de retard sur le premier temps intermédiaire pour les femmes. Et puisque vous parlez de record, je vous signale, Mathieu, que notre confrère et athlète émérite Cédric Moret a battu son record tout à l'heure pour sa première participation. C'est quand même une brillante performance en 4h34, chapeau à lui. Mais il n'a pas battu le meilleur temps de notre rédacteur en chef, faut quand même le mentionner. Il faut voilà, 4h29. C'est ça. Effectivement. Il avait 18 ans, il est encore jeune. Un temps qui fait probablement beaucoup sourire nos invités, Pierre-André Gobet, Annick Méraud. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Pierre-André Gobet, vainqueur de Sierzinal en 1988 et 1989. Pierre-André Gobet, surnommé le kamikaze de Bulle, m'a-t-on dit? Ah bon, oui, il n'y avait pas de drone à l'époque. Non, effectivement, on n'a aucune preuve de cela. Et Annick Méraud, vainqueur, vous, en 1986, une de ces nombreuses, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, vaudoise, à s'être illustrée oui. Dans cette course. Oui. Ça vous fait quoi, tous les deux, de voir cette course que vous avez gagnée dans la deuxième décennie de cette course arriver à sa cinquième décennie? Qu'est-ce que ça vous procure comme émotion, Annick? Alors, je dois dire que c'est la chaleur des retrouvailles qui m'a le plus impressionnée. La chaleur, la gentillesse. Je vous interromps, ah. Je suis désolé, puisqu'en tête de la course, image un petit peu sensationnelle, Julien, avec Patrick Kipengeno qui paraissait complètement perdu, il a même fait marche arrière. Ouais, on s'est demandé s'il avait perdu quelque chose sur le chemin, il s'est complètement arrêté alors qu'il est passé, il passe en tête à Chandolin hein, en 1:07:33, environ 1 minute 30 de retard sur le record de Kylian, mais étrange comportement. Je sais pas. Alors blessure, est-ce qu'il a perdu quelque chose effectivement? Mais un comportement, et on l'a vu à l'image, et d'ailleurs on va féliciter la réalisation là qui nous a montré ces images. Mais Patrick Kipengeno là qui a montré. On me dit dans l'oreillette qu'il avait oublié son ravitaillement. Oublié le ravitaillement, et ben c'est important de se ravitailler. Ouais. Et donc voilà. Annick Méraud, je reviens vers vous. Donc l'émotion des retrouvailles. Oui. Vous n'étiez pas revenu ici sur la course? Si. Je ne sais plus en quelle année. Mm-hmm. Et puis je l'ai même fait, j'ai fait une partie Sierre-Chandolin avec un de mes petits-enfants. Le lendemain, on devait faire Chandolin-Zinal, mais il faisait tellement mauvais qu'on ne pouvait pas voir les 4000, alors on a renoncé. Pierre-André Gobet, pour vous, ça fait quoi d'être ici aujourd'hui? Ben, c'est les mêmes émotions mécaniques. C'est vrai que c'est d'abord des retrouvailles, parce que c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de revoir des anciens collègues de course, qui sont de lointains amis, on peut les appeler comme ça, et puis de partager, enfin de ressasser des vieux souvenirs, histoire de peut-être pas venir des vieux cons, mais de se remémorer des jolis trucs. On va reparler, monsieur, madame, de vos exploits respectifs dans les années 80 dans un moment. Mais avant cela, direction le Weisshorn, parce qu'il y a certes les coureurs, mais il y a aussi les bénévoles. Romain, on vous retrouve avec l'un d'entre eux. Maintenant.
Oui, la course Sierre-Zinal, c'est beaucoup de bénévoles. Ils sont 750 et c'est aussi parfois des histoires d'amour. C'est le cas de Mathias. Mathias, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager comme bénévole aujourd'hui? Ben, je savais que ma copine allait courir et moi, je ne suis pas aussi fit qu'elle. Donc, je me suis dit, au lieu d'attendre comme spectateur en bas au but, je me suis inscrit en tant que bénévole. Et grâce à Nicolas, j'ai eu la chance d'être bénévole ici à Hôtel Weisshorn. Génial. Et vous êtes venu de loin pour l'occasion? Ah, de Soleure. Elle est de Tourjouvie. Elle est déjà passée? Comment ça s'est passé la course pour elle? Super bien. Elle a déjà fini à 4h41. Donc elle est passée. Petit bisou. Après, elle a continué direct. La course Sierre-Zinal, c'est fini pour elle. Elle continue pour vous. Votre mission ici? On attend encore maintenant les coureurs, les élites, et après dès qu'il y a le balai qui passe, on finit, on range tout et voilà. Après on va aussi à Zinal, l'athlète. Les élites qui devraient arriver d'ici une trentaine de minutes à peu près, sinon le secteur de l'hôtel Weisshorn. Merci beaucoup Mathias. Avec plaisir. Merci à Romain pour cette interview effectivement de Mathias. On va revenir sur le plateau. On va revenir à nos invités. Pierre-André Gobet, vainqueur en 1988 et en 1989 chez les hommes. Annick Méraud, vainqueur chez les dames en 1986. Tout cela au cœur d'une décennie, 1984-1993, durant laquelle se sont aussi illustrés la Britannique Véronique Marotte, Jairo Correa, Jean-François Couenet ou Maric Ducret. Voici le résumé de cette décennie, signé Alberto Montesissa. 1988, c'est déjà la 15e édition. 3400 inscrits, dont 1450 en élite. Il fait chaud, c'est dur pour tout le monde. Vous souffrez, monsieur? Vous avez l'air épuisé, monsieur? Comment ça se passe? Monsieur, vous avez quel âge? Vous êtes en forme, madame? Pour l'instant. Vous êtes en forme? Il faut pas être un peu fou pour faire une course comme ça. Non, il faut être fou pour être à la télé, là. À 9 km de l'arrivée, au point culminant de la course vers l'hôtel Weisshorn, surgit Pierre-André Gobet. Le Bullois termine seul la course qu'il remporte pour la première fois. Un an plus tard, en 1989, ils sont 1500 à s'élancer depuis Sierre. Rapidement, Jairo Correa prend les devants. Le Colombien gère avec une aisance déconcertante les sentiers et les sommets du Val d'Anivier. À 10 km de l'arrivée, Pierre-André Gobet accuse 3 minutes 30 de retard sur Correa. Mais dans la descente qui mène à Zinal, Correa craque et Pierre-André Gobet s'envole littéralement sur la fin de course. Nouveau record du parcours à la clé en 2 h 33 minutes et 15 secondes. Le Bullois s'impose pour la deuxième fois de suite. En 1990, Jairo Correa, deuxième l'année précédente, ne va pas connaître la même défaillance. Le Colombien va imposer son rythme jusqu'au terme de la course qu'il va remporter. Il fera de même en 1993. Chez les dames, entre 1984 et 1993, ce sont les Britanniques qui survolent les débats avec 6 victoires sur 10 courses. 3 pour Véronique Marot, 2 pour Sally Goldsmith et 1 pour Beverly Redfern. Mais en 1990, oh surprise, c'est une vaudoise qui s'impose. La veuvezanne Marico Ducret l'emporte tout sourire et elle aussi toute surprise. Alors moi je suis partie au milieu du peloton, j'ai fait la queue, hein. Je suis montée vraiment me promenant, quoi. Je discutais avec les voisins, et après 5-6 kills, on m'a dit que j'avais déjà 3 minutes de retard sur Sally Goldsmith. Et puis au fait, petit à petit, je suis remontée, j'ai fait vraiment très attention. Comme pour un marathon, quoi. Je suis partie vraiment très très lentement et puis j'ai tout le temps été extrêmement bien, quoi. Pour moi, c'est une des courses où j'ai le moins souffert cette année, quoi. Rebelote, en 1991, Marico Ducret remporte une deuxième et dernière fois la mythique Sierre-Zinal. La mythique Sierre-Zinal avec donc les coureurs toujours sur le parcours. On fera le point sur la course d'ici quelques minutes. Les coureurs sont quelque part entre Ponchette et Tignouza avec une course toujours emmenée par le coureur kényan Patrick Kipengeno. Annick Méraud, on n'a pas vu d'image de votre victoire en 1986 et évidemment je suis sincèrement désolé qu'on n'ait pas réussi à remettre la main sur ces images. Quel souvenir vous gardez-vous de cette édition 86 et de votre victoire? Déjà, est-ce qu'on avait droit à un soleil radieux comme il est au rendez-vous aujourd'hui? Oui, il faisait très beau pour cette édition. Et oui,
tout le long du parcours, l'encouragement des spectateurs, le souvenir que j'ai, j'avais 42 ans, hein, et le souvenir que j'ai, c'est peut-être 5 minutes, 10 minutes avant l'arrivée, j'entendais Annick Méraud, 42 ans, mère de 3 enfants. J'avais l'impression d'être la vieille du peloton, le fossile presque. Vous vous étiez lancé pour la gagner, cette course ? Non, absolument pas. Pas pour la gagner. Mais à l'époque, il y avait la CIM. Tu as connu la CIM ? Oui. C'était plusieurs courses qu'on devait courir. Il y avait des courses uniquement sur sentier, d'autres sur route. Et on avait des points en fonction de nos places. Mais il était obligatoire de participer à Sierzinal, parce que Sierzinal rapportait beaucoup de points. Alors c'est pour cette raison, en fait. D'accord. Surtout que je me suis lancée. À part ça, vous me stupéfiez, hein, Annick Méraud. J'ignorais que vous aviez gagné cette course en étant triple maman. C'est complètement fou. Ah non, c'est une histoire, je trouve, moi, complètement folle, et je ne veux évidemment pas vous faire passer pour la vieille du peloton. C'était évidemment pas mon objectif. Pierre-André Gobet, vainqueur en 88, vainqueur en 89, avec le record de l'épreuve en 89. Et l'illustration là sur ce que l'on a vu du sujet d'Alberto Montesissa, qu'il faut savoir monter, mais qu'il faut aussi être capable de descendre. C'est peut-être pour ça qu'on vous a surnommé le kamikaze de Bulle, parce qu'en fait, les deux éditions, vous les gagnez sur la fin de course. Oui, c'est aussi dépendant un petit peu du gabarit des coureurs. C'est assez marrant ces jours-là. On s'est revus avec les anciens vainqueurs. Il se trouve que je pense que je suis probablement le plus lourd à avoir gagné Sierzinal. C'est-à-dire, quand on dit plus lourd, donnez-nous une idée, nous trahir de secret. Ah non, c'est pas un secret. Je faisais 68 kilos à l'époque. Et si je discute avec Mike Peace ou Mejia ou Correa, c'était tous les mecs entre 48 et 52. On voit vos 68 kilos là, ouais, Pierre-André Gobet. C'est un tout petit peu changé, évidemment. Mais... Non, il y avait entre 10 et 12 kilos de différence. Donc c'est pas à la montée que j'allais faire des différences en ma faveur. Par contre, il fallait que je limite. Et je savais que si j'arrivais dans un état à peu près acceptable au Valsorn, j'allais pouvoir courir, d'autant plus que j'avais une relativement bonne vitesse de base. J'étais encore de piste au départ. Annick Méraud, vous nous parliez de vos enfants. Ben, figurez-vous qu'on a à l'arrivée une maman et sa fille, parce que ça fait aussi partie un tout petit peu de l'ADN de cette course. On parle depuis le début, hein, la transmission et le plaisir parfois de courir ou d'être accompagné de ses enfants à un moment donné durant la journée. On vous retrouve, Odessa. Exactement, on les a vus se jeter dans les bras l'une de l'autre. Marie-France, Léa, vous avez fait cette course presque ensemble. Et c'est vous, Marie-France, qui avez gagné, si on peut dire, par rapport à votre fille. Expliquez-nous ça. Alors, on était ensemble jusqu'à Chandolin. Et puis après, ben, c'est vrai qu'elle avait envie de rester un petit peu au ravitaillement. Puis moi, je me suis dit, je continue. Et voilà. Mais on a fait un dessus pour moi. Non, mais ça s'est très bien passé. Je suis contente. Et puis je suis contente qu'on ait fini presque ensemble. Vraiment. C'était un défi que vous êtes lancé pour vos 60 ans de faire Sierzinal. Voilà, c'est l'année des 60 ans que je l'avais jamais fait. Mon papa l'avait fait depuis des années, c'était une course mythique. Je suis venue la voir beaucoup de fois, et une fois de la vivre de l'intérieur, j'avais vraiment envie de ça cette année. Léa, j'imagine que vous êtes admirative du parcours de votre maman. Ah ben complètement, et j'espère avoir sa forme quand j'aurai 60 ans. Je l'espère en tout cas. Non, je suis qu'admirative, et non, c'était magique de le vivre ensemble. Et moi je suis fière qu'elle soit avec sa maman, qu'elle accepte de courir avec sa maman. Eh ben, très joli moment qu'on a pu vivre sur cette ligne d'arrivée, Pierre. Et puis toutes nos félicitations à cette belle famille. Et puis surtout, bonne récupération maintenant, hein, c'est l'heure. On va retrouver le reste de la famille maintenant. Merci beaucoup. Bravo encore. Annick Méraud, forcément, cette course a évolué tout au long des années. Mais il y a des choses qui ne changent pas. Et ça ne change pas. Vous évoquiez tout à l'heure la chaleur des retrouvailles. Il y a la chaleur, forcément, qui nous est offerte par le soleil. Et puis, il y a la chaleur qu'on rencontre tout au long du parcours. Ça porte. Oui, oui, ça porte. Ça porte. Et puis, moi, ce que j'aimais dans les courses de montagne, c'est qu'on avait... On ne pensait pas tellement d'abord à la douleur. Il fallait d'abord chercher son chemin. Et ça, la tête, elle était occupée finalement. À savoir, on allait poser le pied. J'ai aussi couru du marathon.
mais je trouvais ça très monotone et vraiment par rapport aux courses de montagne, je n'hésitais pas à mettre les courses de montagne en priorité. Pierre-André Gobet, vous êtes monté sur ce plateau, sur ce podium, en souriant lorsque l'on voit la première femme traverser Chandolin. Mathieu, la Roumaine, Madalina Florea, effectivement, qui vient passer au temps intermédiaire de Chandolin, avec un temps de 1h20 et 13 secondes, à 2 minutes à peu près du record établi par Maud Matisse en 2019. Et pour l'instant, elle est en tête, c'est une surprise, la Roumaine. On reviendra avec la tête de course à Tignoussa, Pierre-André Gobet. J'évoquais le sourire qui ne vous quitte pas depuis que vous êtes monté sur ce plateau. On a vu votre sourire tout à l'heure lors de vos arrivées en 1988 et en 1989, il ne vous quittait pas non plus. Est-ce que c'est un sourire prémonitoire de la future victoire d'un autre fribourgeois, gruyérien, Rémi Bonnet? J'imagine que vous l'appelez de vos voeux. Oui, absolument. Du reste, hier, j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence de presse des favoris. Et j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec Rémi et je lui ai quand même mentionné le fait que ça me ferait plaisir qu'ils battent le record gruyérien. Ah, vous êtes toujours détenteur du record gruyérien? Évidemment. Vous pouvez nous le rappeler, ce record? C'est 2:33.15, je crois. 2:33.15, Julien? Intéressant d'entendre M. Gobet parler de ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs de différents pays qui viennent ici pour essayer de battre leur record national, étant donné que le parcours n'a jamais changé depuis le début de Sierzinal. En tout cas, on peut se fier quand même à ces chronos-là et c'est assez joli de voir. C'est vrai que peut-être que Rémi Bonnet arrivera finalement à battre ce record aujourd'hui. Parce que le record gruyérien est un record national. Quasiment. Il y a une période, ça l'était, quoi. Merci, en tout cas, Pierre-André Gobet, Annick Méraud, d'être venu partager avec nous non seulement votre expérience, mais surtout, et je crois que c'est le plus important, votre émotion. Je crois que la réunion de tous les anciens vainqueurs ici pour cette 50e édition était, Annick, définitivement une excellente idée. Ah oui. On ne peut que les remercier. Alors encore un grand merci aux organisateurs, ils vont commencer à avoir les oreilles qui sifflent avec le nombre de remerciements qu'ils ont reçus depuis le début de cette retransmission. Mathieu, Julien, on va faire un point sur la course, on va attendre gentiment le passage des premiers coureurs à Tignoussa et on entamera ensuite la troisième décennie sur ce plateau avec le directeur adjoint de Sierzinal, Valentin Genoux, et une véritable légende vivante, n'ayons pas peur des mots, de Sierzinal, Pablo Vigile, qui va nous rejoindre ici sur ce plateau. A tout de suite, merci Pierre-André, merci Annick. Merci. Le point sur la course, on est au point de Chandolin désormais, Julien, et on ne va pas doucher les espoirs d'une nouvelle victoire suisse sur Sierzinal depuis 2013, mais c'est pas très bien parti pour Rémi Bonnet. Ouais, ça s'annonce difficile là pour Rémi, qui est pour l'instant à 2 minutes 31 de la tête de course. Faut quand même le dire, les Kenyans font vraiment, vraiment forte impression, hein, puisqu'on a 3 Kenyans aux 3 premières places avec Patrick Kipengeno, Philemon Kiriago et Njeri. 3 coureurs de l'équipe Run Together, important de préciser aussi, c'est cette équipe autrichienne et qui accueille des coureurs kényans, et les Kenyans là vraiment qui font très forte impression. Chez les femmes, la surprise, Florea, la Roumaine, qui est passée en 1h20 et 13 secondes du côté de Chandolin, 37 secondes d'avance sur la Kenyane Kisang. Et direction Tignoussa pour le passage du premier homme avec Anna. Effectivement, Pierre, on voit Patrick Kipengeno qui est en train d'arriver sous les applaudissements. Il tient toujours la tête de cette course avec ce trio de tête qui était donc au point de Chandolin, comme vous l'avez dit, mené par les Kenyans. Donc voilà, sous les applaudissements du public qui est ici en masse, ici à Tignoussa. Il y a une très belle ambiance avec la musique des fifres et tambours de Borzouat que vous entendez. Ouais, Julien, on attendait Patrick Kipengeno. Voilà, on attend de voir. On l'a et petit point sur le record de Kylian, il revient à 1 minute du record. Donc clairement, Patrick Kipengeno n'a pas de défaillance, hein, malgré son petit souci de ravitaillement à Chandolin, on voit qu'il est là. Le deuxième de l'an passé, il avait connu un moment difficile après 2 heures de course. Peut-être qu'il est un petit peu plus en gestion. Ouais, ça va être le point d'interrogation aussi. Comment il va gérer sa fin de course? L'année dernière, il avait vraiment souffert sur la fin de course. Il a dit qu'il s'était préparé exprès pour ça. Donc on peut lui faire confiance, mais voilà, ça va être le point d'interrogation sur la deuxième partie de course.
droit à la pierre pour le premier passage de Patrick Kipengelo. On attend désormais l'autre Kenyan, Philemon Kiriago, ainsi que Rémi Bonnet un petit peu plus loin. Il était quatrième à Ponchette avec bien un retard assez conséquent pour le Fribourgeois qui rêvait de remporter Sierzina. C'était vraiment son rêve, hein, on le disait. N'utilisez pas le passé, s'il vous plaît, Mathieu. C'est vrai, rien n'est terminé, et on va dire que rien n'est terminé, puisque l'année passée, André Ublanès, souvenez-vous, l'Espagnol, il était 21e du côté de Ponchette, à plus de 4 minutes d'un certain Kipengelo. Donc rien n'est fait, c'est vrai, mais tout de même, là, on peut le dire, Kipengelo très bien parti, et il connaît la course désormais. Et il est bien parti, mais vraiment, on n'est pas à l'abri d'un retour, exactement, et je pense vraiment qu'il faut... Il faut vraiment, vraiment ne jurer de rien sur ces Sierzinales. Et puis d'ailleurs, un petit mot sur la course féminine, Mathieu, si je peux, parce qu'on a vraiment quatre femmes là qui sont en 1-16. Donc vraiment une densité dans cette course féminine qui va être très, très intéressante à suivre avec la Roumaine, donc la surprise Madalena Florea en tête. Madalena Florea qui a fait 6e au championnat du monde en juin à Innsbruck, championnat du monde de course en montagne. Donc voilà, c'est quand même une belle surprise. Et puis pour reprendre les paroles d'un célèbre philosophe français, par ailleurs ex-international de football, on espère, messieurs, que la roue tournera. Effectivement. On espère. Franck Ribéry. Oui, bravo. Bah oui. Vous avez bien deviné. Non, mais on a eu Jean-Claude Pont tout à l'heure sur le plateau qui nous a abreuvé de quelques très, très jolies phrases. Je pense qu'il fallait être largement à son niveau. Alors, petite hésitation là. Est-ce qu'on attend le passage de Rémi Bonnet à Tignosa? Est-ce qu'on lance la petite page de pub que l'on doit lancer? Mathieu, on me dit dans l'oreillette qu'on attend. On attend Rémi Bonnet. Donc peut-être l'occasion de parler du profil de cette course, oui. Qui est très spécifique. Et d'ailleurs, on voit à la troisième place chez les femmes l'américaine Sophia Laocli. Et elle vient du ski de fond. Et on a des athlètes qui viennent du ski de fond, qui viennent de la course d'orientation, qui viennent du ski alpinisme. Pourquoi ? Ouais, c'est la particularité de Sierzinal. Hein. Sierzinal, c'est un parcours, on l'a dit, avec une grosse montée dès le départ, donc il peut vraiment favoriser des coureurs qui aiment grimper, hein, et notamment du ski alpinisme. Et puis ensuite, cette longue partie plus roulante, hein, à partir de Tignosa, justement, où là, ça va favoriser les rouleurs, notamment des marathoniens aussi. Et puis, cette dernière descente qui est plutôt à la faveur des orienteurs, par exemple, hein, Marc Lauenstein, quand il a gagné en 2013, c'est au bénéfice de la course d'orientation. Donc c'est vraiment, ça convient finalement à tous ces types de coureurs. Avec le passage du troisième homme du côté de Tignosa, et ce n'est pas Rémi Bonnet, ce n'est pas non plus Ngeri, mais c'est le jeune Kenyan Kevin Kibet qui est passé du côté de Tignosa désormais. Kipengelo qui avait une avance de plus d'une minute sur son premier poursuivant Kiriago, plus de 3 minutes désormais sur le troisième Kevin Kibet. Et Rémi Bonnet, eh bien, il n'est toujours pas passé. On va encore l'attend avant la pub, Pierre, mais il devrait surgir. Avec un nouvel homme du côté de Tignosa. Et là, c'est un petit peu bien redistribuer toutes les cartes. Est-ce que Rémi Bonnet est peut-être parti un peu fort en essayant de suivre? Ouais, là, je crois que c'était justement l'Ukrainien, hein, Vitaly Chafar, qu'on disait, il était déjà bien placé, je crois, sur Ferrara Ponchette. Il est toujours là dans le top 4. Donc, à voir où se situe maintenant Rémi. À 3,52, Vitaly Chafar. Et pour revenir sur le profil de l'américaine Sophia Laocli, Pierre, elle a tout de même participé aux Jeux Olympiques en 2022 en ski de fond. Et là, elle est sur Sierzinal et elle espère gagner. Elle était du côté de Chandolin, à moins d'une minute de la leader, la Roumaine Florea. Alors moi, ce que je vous propose, hein, c'est de poser maintenant cette petite pause pub. Si Rémi Bonnet passe à Tignosa pendant la pub, évidemment, on vous le clippera, on vous le montrera. Mais marquons cette petite pause et on revient ensuite sur cette 50e édition de Sierzinal. On a notamment du très, très beau monde qui est encore attendu sur ce plateau. À tout de suite.
Retour plateau. Retour plateau avec l'air d'arrivée où les arrivées se succèdent, les populaires qui continuent à arriver. Mathieu, Julien, un petit point sur la course, on a eu des nouvelles de Rémi Bonnet. Oui, effectivement, du côté de Tignoussa, Julien, et les nouvelles, elles ne sont pas forcément réjouissantes. Ouais, c'est compliqué, hein. Rémi Bonnet qui est déjà à plus de 5 minutes de la tête de course. Donc là, on voit l'image. Voilà, c'est exactement, on le voit passer à Tignoussa, c'est compliqué. Et d'ailleurs, juste derrière lui, il y a un deuxième Suisse, hein, c'est Roberto De Lorenzi aussi, qui a fait deuxième à la Dolomites Run il y a presque un mois. Donc Roberto De Lorenzi juste derrière Rémi Bonnet. Ouais. Ça va être compliqué. Domination Kenyan Pierre sur ce Cierzinal 2023. On s'y attendait un petit peu tout de même avec Patrick Kipengeno. Maintenant, la course est encore longue. Il y a encore des possibilités d'avoir des coups de mou, de s'être mal ravitaillé et puis peut-être d'avoir un coup de moins bien en fin de course. On l'a vu l'an passé avec Kipengeno. Exactement, et l'exemple, c'est parfait, c'est Blanes. Hein. Blanes, l'année dernière, qui était vraiment pas dans le groupe de tête et qui finalement a fait une fin de course sensationnelle et qui a remporté la victoire. Donc, vraiment 7e Wayson, Andrew Blanes, l'année passée. Et puis on le rappelle, hein, cette stat quand même assez étrange. Aucun Kenyan n'a jamais gagné Cierzinal, il gagne à peu près tout, que ce soit sur la route en longue distance, mais pas Cierzinal. Alors, chez les hommes, chez les femmes, il y a eu Lusu Muriji, mais chez les hommes, effectivement, il y a eu la victoire l'an passé, on s'en souvient, de Marc Ngogo, qui a été ensuite disqualifié pour des questions de dopage. Et d'ailleurs, on peut ouvrir cette question du dopage qui intervient. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, pas de problème. On en parle dans un moment, donc, effectivement. C'est peut-être la première victoire kenyane sur Cierzinal. Mais encore une fois, l'utilisation du peut-être est extrêmement importante. Voilà, merci d'être avec nous. Je le rappelle, hein, en direct sur la RTS et sur Canal 9, opération conjointe entre nos deux télévisions. Important pour nous d'être présents ici à Cierzinal, parce que certes, les RTS, ce sont ces grands événements que vous connaissez, ce sont les Jeux Olympiques, ce sont les grands matchs de l'équipe de Suisse de football, de hockey sur glace, etc. Mais il est également dans l'ADN de la RTS d'être présent à Zinal pour ces courses éminemment importantes qui ont un retentissement mondial, mais qui ont aussi un retentissement populaire, et la chaleur de l'accueil ici à Zinal ne le dément pas. Nous allons maintenant attaquer la troisième décennie de la course, une décennie qui nous mènera de 1994 à 2003 avec quelques grands noms. Ricardo Mejía, Isabella Moretti, triple vainqueur de l'épreuve chez les dames. Jonathan Wyatt, le néo-zélandais, qui est resté pendant très longtemps le recordman de Cierzinal. Angela Mudge également. Troisième décennie que nous compte Cédric Moret. Dans les années 90, l'Amérique centrale est un vivier de rois pour Cierzinal. Après la domination colombienne, c'est le Mexicain Ricardo Mejía qui marque la course de son empreinte avec la première de ses 5 victoires en 1998. Oui, je suis très content d'avoir gagné Cierzinal. Je voulais faire une carrière en Europe et en Suisse. Depuis 5 ans, j'ai entendu parler de cette course et je voulais absolument y participer. Petit par la taille, 1m58, Mejía attrape le virus de la course à pied en voyant son frère quitter leur village et rejoindre la ville de Oaxaca à la force du mollet. En Valais, le Mexicain partage, même avec les concurrents, certains secrets. Moi, beaucoup de choses j'ai appris dans lui, à manger plus végétarien. C'est bien pour l'alimentation sportive. Avant le départ, Ricardo Mejía mange une demi-pomme, un peu de miel, du chocolat et des jus de fruits. Et d'autres produits pour courir plus vite. Je ne consomme que de l'eau et du thé pendant la course. Et avant, beaucoup de jus de fruits, mais rien de pharmaceutique, rien du tout. La recette est un peu différente pour Jean-Pierre Épinay, un habitué de l'épreuve. Tant qu'il y a à boire sur le parcours, un peu d'eau, puis de temps en temps un verre fendant, puis ça va. Les années 90, c'est aussi la Valaisanne Isabella Cretenon Moretti. Celle qui gagne plusieurs fois le Grand Raid en VTT, réussit un fantastique triplé entre 1995 et 1997, même en étant parfois diminuée dans sa préparation. J'avais un peu peur parce que j'étais malade les semaines arrière, mais pour finir, en partant pas trop vite, j'ai bien géré la course et je suis arrivée dans très bonnes conditions. Si certains, au niveau planétaire, craignaient le bug de l'an 2000, celui pour Cierzinal tombe le 11 août 2002.
pour la première et unique fois de son histoire, la course doit être raccourcie. Il a commencé à neiger vers 13h, 13h30 et en 2h, il y avait 20 à 30 cm sur les parties les plus hautes du parcours. C'est mal plat, caillouteux, avec de la neige là-dessus, c'est très glissant, on perd le chemin. L'arrivée est fixée à Chandelin avec le premier des deux succès pour le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt. Dans des conditions dantesques, ce n'est pas Tarsis Anset qui dira le contraire. Dur, glissant, mais puis froid, un peu les mains gelées. Mais sinon, c'était super. Enfin, si l'histoire se souvient seulement de ce genre de moments et des grands champions, nous, on a retrouvé dans les archives de la RTS, en 1997, le vrai défi que représente cette mythique course des 5-4000. Le plus dur à Sierzinal, c'est de retrouver le sac à Zinal, je crois. Voilà, retour ici en plateau avec ces superbes images datant de la troisième décennie. On va parler de cette troisième décennie dans un moment, mais avant cela, j'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir sur ce plateau Pablo Vigil. Pablo, merci d'être ici. Thank you to come here. Thank you to be here. Merci d'être ici à Zinal, in Zinal. À vos côtés, Valentin Genoux, directeur adjoint de Sierzinal. Valentin Genoux, la présence de Pablo Vigil ici pour vous cette année est extrêmement importante. Your presence here in Zinal this year is so important because you are a true legend. Parce que vous êtes une vraie légende, Pablo, c'est une vraie légende de Sierzinal que cet homme-là, vainqueur, on le rappelle, en 79, 80, 81, 82, Sierzinal et Pablo Vigil, Valentin, c'est quelque chose. Oui, c'est incroyable. Après, pour la petite anecdote, Pablo, on l'invite depuis plusieurs années. C'est un fidèle qui vient animer aussi l'ambiance et puis faire un lien avec les élites actuelles. Et puis, depuis 2015, on a loué des liens. Donc, c'est un peu à hasard qu'on se retrouve sur le plateau. Mais on est très heureux parce que j'ai pu aller aussi chez lui au Colorado pendant 2 mois. Donc, on tisse vraiment des liens qui sont extraordinaires. Pablo, why is it so important for you to be here in Zinal? Each year, pourquoi est-ce aussi important pour vous, Pablo, d'être ici à Zinal tous les ans? I discovered early on in 1979 when I came to Sierzinal that this was one of the most beautiful places in the world and one of the most challenging mountain races in the world. At the time, it was the biggest mountain race in the world, and it continues being one of the best mountain races in the world. Great competition, quality. Jean-Claude Pont did a great job from the beginning. 50 years later, it continues. So why would I not want to come back here? Ouais. This is like my home away from home. I love it here. Il répond par une autre question, finalement, à ma question. Pourquoi ne reviendrai-je pas? En 1979, j'ai découvert ce lieu qui est un des plus beaux au monde. J'ai découvert cette course qui, à l'époque, était la plus grande course de montagne du monde et qui demeure aujourd'hui une des courses les plus importantes du calendrier. Alors, pourquoi ne pas revenir? OK, you come back each year and you run also. You could be here and be quiet. Why do you want to run? Pourquoi est-ce que vous voulez continuer à courir et pas seulement être tranquille sur la ligne d'arrivée? Well, this year, you know, it's the 50th anniversary of Sierzinal. So I told myself, I have to run. If I have to run, walk, crawl, jump over cows, jump over sheep, whatever, I will be here for the 50th anniversary and I will run. And I just finished... just about 30 minutes ago, and of course it was more than 7 hours, but I had a great time, and I'm very, very blessed to be here with everybody. Voilà Pablo hein, qui raconte qu'il a dit à son fils qu'il devait être ici, peu importe s'il devait sauter au-dessus de veaux et de moutons, il allait courir cette 50e édition parce que pour lui, c'était évidemment extraordinairement important. Il a terminé la course il y a une trentaine de minutes de cela en un peu plus de 7 heures. Évidemment, c'est loin de ses temps lorsqu'il gagnait, mais quelle importance, et on le voit dans son sourire. We can see in your eyes that it was a big pleasure for you. On peut voir dans vos yeux que c'était un immense plaisir pour vous. Well, it really was. It was a wonderful time, but I...
I think the course is not the same course when I ran in 1979, 80, 81, and 82. This time, the course seemed much longer, much steeper, more rocks, more cows, more sheep. I don't remember the course being like this. This is a totally different course. Je traduis ce que Pablo vous dit dans un instant. Mais avant cela, un point sur la course, messieurs, la première dame Atinyuza. Effectivement, la première dame Atinyuza. Et c'est toujours la Roumaine Madalina Florea, Julien. Exactement. Apparemment, donc, la Roumaine qui garde la tête, qui garde pour l'instant son rythme. Donc, on va voir dans quel temps elle passe Atinyuza. Mais effectivement, elle confirme pour l'instant. Quoique. Donc apparemment il y a Sofia Lauki si je m'en Effectivement Sofia Lauki qui lui a juste passé devant. On a vu le dépassement en direct. Hein. Effectivement, comme ben, c'est mélangé avec les populaires également, c'est parfois difficile à voir, mais effectivement, devancé par Sofia Lauki, la spécialiste de ce qu'ils font, qui a participé au jeu de 2022, qui au dernier temps intermédiaire eh bien, était à 52 secondes de la Roumaine, et bien désormais l'américaine a pris l'ascendant. Exactement, et je pense qu'on peut même voir qu'il y a la Kenyan Njeru, Joyce Njeru, qui a gagné Tion Dixon la semaine dernière, qui est en troisième position hein, juste derrière, donc on va vraiment avoir ce serré. Ah, pour le suspense, c'est chez les femmes, effectivement, on est à mi-parcours quasiment. Chez les dames, effectivement, pour l'instant, c'est serré. Les dames, Atinyuza, les messieurs, bientôt au Valsorn. On revient sur ce que nous disait Pablo Vigile, qui nous expliquait que la course n'était certainement pas du tout la même qu'en 1979, qu'elle était beaucoup plus longue, beaucoup plus difficile, qu'il y avait beaucoup plus d'obstacles. Valentin Genoux, vous tenez évidemment à démentir ces propos de Pablo Vigile. C'est aussi le sel finalement de Sierzinal d'être parvenu finalement à maintenir ce parcours à deux ou trois petites adaptations près. Mais on le rappelle, on est sur la même course que la course d'origine. Oui, exactement. Et c'est ce qui fait aussi la particularité et cet ancrage historique de Sierzinal, c'est que le parcours n'a jamais été modifié. Puis comme on l'avait dit hier en conférence de presse, les athlètes ne sont pas là forcément pour faire un podium, un top 10, mais ils sont là pour réaliser un chrono. Et ce chrono, on peut le comparer à des anciennes gloires, à l'image de Pablo. Et c'est vraiment à l'image du marathon. Donc, si on se rapproche du 2h à Sierzinal, si on se rapproche de 2h30 ou qu'on passe sous la barre des 2h30, c'est qu'on a fait vraiment un exploit considérable, notamment pour les hommes. Et chez les femmes, si on passe sous cette barre des 2h50, ça reste un exploit. Ouais. L'évolution pour Sierzinal, ça n'est pas tant au niveau du circuit que dans l'importance que cette course finalement a pris à l'époque. Il n'y avait pas de course de montagne en Suisse ou très très peu. Sierzinal est un précurseur. Aujourd'hui, Sierzinal fait partie des deux plus gros circuits de trail au monde, le Golden Trail Series et la Coupe du Monde. Sacrée évolution pour les courses de montagne et pour Sierzinal, Valentin. Oui, sacrée évolution, surtout qu'à l'époque, Sierzinal a été un modèle par rapport à ce défi qui était hors norme. Et puis maintenant, on aimerait continuer d'amener Sierzinal en tant que modèle à l'international. Et puis par rapport à tout ce qui a été fait par le passé, le but c'est d'entretenir toutes les valeurs tout en restant au top au niveau international. Ce qui fait c'est que ça plaît à la Coupe du Monde, ça plaît à la Golden Trail Series. Donc on arrive à mélanger vraiment des athlètes de tout horizon et ça crée un plateau exceptionnel depuis plusieurs années. Ouais. Messieurs, on revient vers vous dans quelques secondes. Retour sur la course des messieurs. Avec vous, Mathieu et Julien, les premiers garçons s'approchent du Valsorn. On va pouvoir vivre ça en direct avec vous, ainsi qu'avec Romain qui est là-haut devant l'hôtel. Oui, Julien, passage du Valsorn pour Patrick Kipengeno, le Kenyan en tête de la course. Passage mythique. Allez, Patrick Kipengeno arrive à un passage mythique de la course, hein, à 2337 mètres d'altitude. Voilà, on le voit arriver. Patrick Kipengeno, donc là, qui est au bout de la dernière grosse difficulté en termes de montée. Il y a encore une petite montée derrière le Valsorn, mais on va dire que là, il a fait vraiment le gros du dénivelé positif. Et puis, on voit d'autres coureurs qui arrivent derrière. Romain Boisset, on vient vers vous. Vous êtes au Valsorn, vous les voyez passer devant vous. Oui, Patrick Kipengeno qui vient de passer ici à ce poste du Valsorn à 2337 mètres d'altitude. On est quasiment au sommet de cette course. Et là, je vois le suivant qui arrive. Il s'agit du numéro 14. Eh bien, c'est Philemon Kiriago, le Kenyan, avec approximativement 40 secondes de retard par rapport au premier de cette course. Patrick Kipengeno, il va passer devant nous ici au ravitaillement, le Kenyan. L'air concentré, il se rafraîchit au passage. Et il continue en direction
du sommet de cette course. Hein, c'est à quelques minutes d'ici avant d'entamer cette descente sur Zinal. Je me retourne, j'attends la suite. Alors là, non, ce sont deux coureurs amateurs apparemment qui... Ah, il va falloir patienter un petit peu là, pour la suite vraisemblablement, mais c'est déjà une très bonne indication, merci Romain. Mais Patrick Kipengeno donc premier au Weisshorn avec 47 secondes d'avance seulement sur Kyriago. Le suspense c'est chez les femmes et chez les hommes aussi. Ah, totalement, hein. Là Kyriago aussi qui va bien au plat, hein, finalement, hein. On sait que c'est un très bon grimpeur et au plat en fait il suit le rythme de Kipengeno, donc les deux se connaissent parfaitement bien et la course n'est de loin pas finie chez les hommes. Ça devrait se gagner en moins de 2h30. On rappellera quand même, hein, que lorsqu'il gagna, Pablo Vigil a couru cette course en 2h33. Your best time here in Sierzinal, Pablo, is 2 hours and 33 minutes. Not so far from the best time ever. So things have not changed so much. Les choses n'ont pas tellement changé. Everything has changed. I mean, back then, running was very simple. Now, everything is very high-tech, high-tech shoes, high-tech clothes, special drinks, special fuels, special watches. Running used to be very simple when I was running at my best. Now, it seems to be very complicated, very complex, which is okay, too, but it was never that way. It was better before? I think it was. It was more. It was authentic, pure, yeah. More authentic. It was more pure. Now it's there are too many factors that are. You're happy to have run before, not now. I'm very happy to have run when I did, but I'm very happy to see the evolution of the sport from. 56 years ago, yeah, 57 years ago until now. It's an amazing change, and that's good too. Voilà Pablo Vigil, hein, qui tient finalement ce double discours avec quelque part le regret de voir ce sport peut-être un peu dénaturé. Il était pur à l'époque, il est semble-t-il devenu un peu plus compliqué aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, mais c'est aussi, dit-il, l'évolution des choses, et il est heureux de voir à quel point ce genre de course reste éminemment populaire. Valentin, vous, cette évolution, vous l'avez aussi vu, les côtés peut-être un peu moins sympas de l'évolution, c'est notamment tout ce qui est lié au dopage. On l'a dit tout à l'heure, le vainqueur de l'an dernier a été déclassé pour usage de produits dopants. Que peut faire Sierzinal pour se prémunir contre ce genre de mésaventure? Donc, pour revenir sur ce que disait Pablo, c'est vrai qu'on a une telle évolution du sport au niveau technologique, mais il faut quand même bien se rendre compte qu'on a 8 minutes d'écart sur une épreuve qui est qualifiée de courte comme Sierzinal. C'est quand même imposant, 8 minutes. Donc, on est dans une phase où le trail running, la course à pied en montagne se professionnalise. Donc il y a de plus en plus d'enjeux, et puis ces enjeux, ben, si on veut être devant, à l'image d'autres sports, il y a la tricherie qui peut rentrer en ligne de compte. Donc Sierzinal est très très attentive, et puis on l'a dit avant, on veut rester un modèle, donc on veut être précurseur, donc on lutte clairement contre le dopage. Valentin Genou, même question qu'à Vincent Tétat tout à l'heure, vous êtes, je le rappelle, hein, le directeur adjoint de Sierzinal. Que souhaitez finalement à votre course? Oui, elle est piège cette question. Hein. En termes de dopage d'élite, non, ou de manière générale? Que souhaiter à votre course? Ce qu'on peut souhaiter, c'est avant tout des sourires à l'arrivée. Je crois que c'est le plus important, que ce soit les populaires, les bénévoles, les partenaires, les élites. Je crois que ça, c'est le plus important. Et c'était la réflexion 2022 où on a pu aussi rouvrir les vannes après ces années compliquées de Covid, où on se retrouve, c'est les gens, c'est les échanges, c'est ce côté familial. Ouais. Pablo, it was really a pleasure for me to have you here. Pablo, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. I guess you'll be back for the 60th. Je suppose que vous serez de retour pour la 60e. Knock on wood, as they say, you know. J'espère, hein. On verra, hein. Et il parle français. Bien sûr qu'il parle français. Mais il parle français. On aurait pu faire l'interview en français. Non. En espagnol, mejor o en English. En espagnol, mais vous avez vu, hein, il nous gratifie quand même de ces quelques mots en français. Valentin, vous aviez des yeux d'enfant quand vous êtes à côté d'un gars comme lui.
Oui, c'est vrai que j'admire Pablo Vigil. Il m'a beaucoup appris aussi dans cette transition entre l'avant, l'après Jean-Claude Pont. Et c'est ce qui a permis aussi de lier puis de toujours garder en tête cet ancrage, ces valeurs historiques qu'on a envie de continuer sur le long terme. Donc c'est aussi grâce à des gars comme Pablo Vigil qu'on peut garder cette ligne. Voilà, merci infiniment. Je le rappelle, Pablo Vigil, quadruple vainqueur de Sierzinal en 1979, 1980, 1981, 1982. Merci à tous les deux. Merci infiniment d'être revenus sur ce plateau. Et avant de retourner sur la course, on vous retrouve, Odessa, sur la ligne d'arrivée avec un papa et son fiston qui en ont fini avec ce Sierzinal version 2023. Exactement, c'est en direct. Là, en ce moment, on est en live avec Adrien et Julien qui viennent de terminer cette course. Adrien, c'est ton premier parcours pour adulte. Tu as seulement 10 ans. Raconte-nous cette expérience. Bah, ça a été bien. Après, dans la descente, à la fin, j'ai quand même souffert aux jambes. Et puis, sinon, ça a été dans la montée du Weisshorn, c'était aussi un peu dur, mais sinon, ça a été. Félicitations Adrien. En tout cas Julien, visiblement Sierzinal c'est vraiment une histoire de famille. Tous vos enfants y sont passés? Oui, c'est une histoire de famille. Ça c'est le troisième qui fait Sierzinal. En plus on a la chance d'avoir un chalet à Dinal. Donc on est tous très attachés à cette course et à cette vallée. Et puis pour moi c'est très une émotion et une fierté comme vous pouvez le voir maintenant dans ma voix. Et puis voilà, c'est une boucle un peu bouclée que mon troisième fils fasse le parcours. Maintenant ils peuvent faire tout seul. Voilà. On ressent en tout cas votre émotion, Pierre, c'est ça aussi justement, Sierzinal, c'est toujours des belles histoires et des moments importants pour les familles notamment. Les belles histoires de Sierzinal, on le rappelle, hein, c'est un peu la thématique du livre qui a été édité pour cette 50e édition « Petites anecdotes et histoires ». De Sierzinal et on espère pouvoir encore vous en compter quelques-unes d'ici la fin de ce direct. Ah bah tiens, je propose qu'on commence tout de suite à vous raconter de belles histoires. Encore le plaisir d'accueillir sur ce plateau un ancien vainqueur de cette course. Bonjour Tarcis Sancet, vainqueur en 2006. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Mais c'est un plaisir, bonjour tout le monde. Tarcis, Sierzinal et vous, c'est quand même aussi... voilà, il y a ça. C'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire presque. Je pense qu'avant la star, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est une histoire qui a commencé depuis maintenant de nombreuses années, quand j'habitais le Val d'Anniviers. Et c'est une histoire qui me trotte dans la tête, dans ma peau, tous les jours, que ce soit à mon travail, que ce soit... C'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a tellement apporté qu'aujourd'hui, c'est un réel plaisir, un honneur d'être là parmi tout ce monde. Tarcis, on l'a dit, vous l'avez gagné en 2006. On va avoir l'occasion d'en reparler, de revoir des images de cette victoire. On parlait de belles histoires, de transmission, de plaisir à transmettre. Vous, ce plaisir, vous le transmettez en accompagnant des populaires. Et vous êtes venu, présentez-nous finalement avec qui vous êtes venu. Alors, c'est vrai que j'accompagne beaucoup de gens, beaucoup de personnes, que ce soit au niveau de l'élite ou au niveau populaire. Je viens également de voir l'arrivée des premières junior filles et je suis très fier de voir que ma fille a terminé pour la première fois un Chandelin Zinal et puis avec les larmes à l'arrivée et ça me chamboule la tête. Mais aujourd'hui, si je peux vous présenter quelqu'un, ben c'est quelqu'un que je coach depuis maintenant une année, qui ne faisait pas forcément de la course, mais qui maintenant s'est mis à fond là-dedans. Il a une passion née sur le tard, mais qui vit à 300 000 km/h. Et je vous laisse poser la question directement à Serge. Serge Cofora de Parti, c'est juste, hein, je n'écorche pas votre nom. Ouais, Serge, c'était votre premier Sierzinal? Alors, c'est mon premier Sierzinal et je voulais absolument le faire. Le faire? Racontez-nous cette expérience. En fait... J'ai commencé à courir il y a à peu près... C'était en 2015. Est-ce que c'est une injure que de vous demander votre âge? 64 ans. Donc vous avez commencé juste avant les 60 ans? Ouais, j'ai commencé à 55 et j'ai démarré. Depuis, j'ai fait presque 20 000 km de course à pied au début du marathon et je me suis installé dans le Valais depuis 4 ans à Champélac. Et là, maintenant, je suis à fond sur le trail. Donc on peut commencer à courir à 55 ans, faire du marathon
puis cette joyeuse plaisanterie qu'est Cierzinal. Mathieu, un point sur la course. Je vous interromps puisqu'on voit à l'image Rémi Bonnet en défaillance totale. On ne le voyait pas apparaître au temps intermédiaire du Weisshorn. Et bien on a la réponse, Rémi Bonnet est en difficulté. Voilà, clairement, hein, je pense que c'est clairement terminé pour Rémi. Alors à voir s'il va continuer, hein, mais voilà, c'est la grosse surprise. Tarsis, hier à la conférence de presse, vous avez posé une question à Rémi Bonnet. Vous souhaitiez qu'après vous, qu'après Marc Lowenstein, il y ait de nouveau un vainqueur suisse à Cierzinal. Ce ne sera pas le cas. Oui, ben, je vois les images en même temps que vous. C'est un gros coup dans le cœur, surtout parce que j'espérais vraiment que Rémi puisse, comme je l'ai fait en 2006, comme Marc l'a fait il y a 10 ans déjà, hein, ça passe vite, de remporter cette course. Et je suis vraiment triste, mais je sais que Rémi, c'est quelqu'un qui est encore jeune, qui a du potentiel énorme et qu'on va le retrouver très certainement déjà l'année prochaine. Après Tarsis, Roberto De Lorenzi qui est sixième pour l'instant, donc à voir, hein, il est pas loin. Bon, résultat suisse, effectivement possible. Je propose qu'on aille au Weisshorn. Romain Boisset, vous l'avez vu passer devant vous, donc vous pouvez nous apporter le témoignage de ce que vous avez vu concernant Rémi Bonnet. Oui, Rémi Bonnet à la peine, qui est arrivé ici, qui a marqué le pas, qui s'est presque arrêté pour reprendre son souffle. Je l'ai chronométré, hein, 10 minutes de retard environ par rapport à la tête de course, hein, à Kipengeno qui fait la course en tête, qui est suivi de Kiriago. Et puis vous indiquez aussi qu'à 3 minutes 30 du premier tête, eh bien, il y avait l'autre Kenyan, Kibet, qui forme donc ce trio tête, qui le complète. Mais effectivement, Rémi Bonnet en difficulté ici au passage du Weisshorn. Mathieu, petite question pour vous, Tarsis. Vous en avez parlé hier à la conférence de presse. Rémi Bonnet, il avait les jambes pour faire moins de 2,30, il le savait. C'est quoi, c'est la pression aujourd'hui qui a coûté cette performance? Non, je pense pas. La pression, avec le palmarès qu'il a au niveau du ski alpinisme, c'est clairement pas la pression. Il a certainement une défaillance au niveau de l'alimentation, au niveau de la chaleur. On sait que Rémi Bonnet, c'est quelqu'un qui fait du ski alpiniste l'hiver, qui est extrêmement fort, surtout dans les verticales. Il devait creuser l'avance quasiment à Chandelin pour espérer gagner quelque chose aujourd'hui. Et je pense quand même, je ne l'ai encore pas dit, mais pour que Rémi puisse gagner un jour Cierzinal, il va devoir faire des sacrifices. Et un des sacrifices pour gagner Cierzinal, c'est de mettre de côté un petit peu sa carrière de ski alpinisme pour se consacrer déjà durant l'hiver à la préparation de la course à pied. Peut-être trop de lièvres à la fois, c'est ce que vous nous dites? Oui, alors avec mon ami Jean-Yves Ray, on en a souvent parlé parce que Jean-Yves, c'était son rêve aussi de gagner la Patrouille des Glaciers et Cierzinal. Il a toujours fini souvent sur le podium en deuxième position, mais malheureusement, il n'a jamais gagné ni l'un ni l'autre. Pour peu, et je pense que ça, à part Kylian qui le fait extrêmement bien, qu'il a réussi à le faire, d'être fort dans les deux disciplines, il faudra faire un choix. On a toujours ces superbes images, hein, effectivement, tout au long du parcours, avec superbe travail de nos caméramans, des caméramans Trade Series, et également Mathieu. Il me semble qu'on est en train d'assister à un changement de leader, là, en tête de la course. Si on est bien avec Patrick Kipengeno et son poursuivant Philemon Kiriago, et c'est Philemon Kiriago, Julien, qui semble prendre les devants. Exactement, là, on a vu le dépassement en direct, hein, Kiriago qui a dépassé Kipengeno, et à nouveau Kipengeno qui bloque un peu, hein, sur cette deuxième partie de course, comme l'année dernière. Donc voilà, de nouveau, c'est pas terminé, hein, et là il est à hauteur de Navaille, il faudra voir après dans la descente, mais voilà, Kiriago a dépassé donc le grand favori Patrick Kipengeno. Et Pierre, on va souligner quand même l'excellent travail de réalisation, parce que c'est extrêmement difficile de montrer tous les endroits de la course, et pour l'instant on n'a raté aucun moment fort de cette course. Ah ben, on va citer le réalisateur Yannick Reinen, effectivement, pour la réalisation de cette course. Serge Coffort est parti, on le rappelle. Vous avez couru et terminé à plus de 60 ans votre premier Cierzinal aujourd'hui. Finalement, quelle impression vous avez ressenti? Comment vous êtes senti tout au long de ce parcours? On vient de voir la souffrance de Rémi Bonnet. On voit le sourire qui barre le visage de celles et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Vous avez navigué entre les deux. Je crois que la montée, ça allait jusqu'à Chandelin. Après, un peu difficile pour arriver au Weisshorn. D'ailleurs, j'ai vu Romain qui m'a interviewé. Oui, là-haut. Okay. Exact. Et ensuite, sur le plat, c'était bien, mais j'étais pas au mieux de ma forme. Donc, je me suis arrêté au massage, d'ailleurs. Tarsis, l'œil du coach sur son élève. C'est ce que je redoutais le plus, c'est que Serge se fasse arrêter par les journalistes à l'hôtel Weisshorn. Et pour moi, c'est quelque chose de pas supportable. Serge m'a envoyé une photo et j'ai dit, mais on s'arrête pas pour faire des photos quand on court, quand on a un dossard, on court.
direction le Weisshorn. Romain Boisset, vous nous confirmez, c'est terminé pour Romain. Pour Rémi Bonnet, pardon. C'est terminé pour Rémi Bonnet, effectivement, je vous le confirme, on vient de le voir, je ne sais pas si vous l'avez eu à l'image, hein, il s'est assis ici à côté de nous, entouré par des personnes qui se trouvaient autour de lui. Là, il s'est dirigé du côté de la tente médicale, visiblement en mauvais état. C'est un abandon clair et net pour Rémi Bonnet. Ouais, une énorme déception tout de même, il rêvait de succéder à Marc Laurenstein, le dernier Suisse vainqueur ici en 2013. Tarsis, il a raison, cela dit, il faut savoir écouter son corps. Oui, je pense qu'à son niveau, ça ne sert à rien d'essayer quelque chose quand on n'est pas bien, quand on n'a pas les jambes. On passe à l'hôtel Weisshorn, on sait que si on n'arrive pas à relancer directement après l'hôtel, la course est terminée. Par contre, en principe, quand on passe à l'hôtel Weisshorn, on va dehors, de toute façon finir la course, parce que le chemin le plus court pour venir à Zinal, eh bien, c'est le parcours de la course, ou alors quelqu'un l'attend pour le ramener. Je pense que ce sera même plus judicieux pour une fois qu'ils prennent une voiture pour descendre tranquillement sur Zinal. Julien ? Ouais, on sait aussi qu'il y a souvent son fans club hein, qui se met aussi dans cet endroit-là, donc il ne va pas être tout seul, mais voilà. On a l'image. Voilà, exactement. Hein. On a l'image de Rémi Bonnet. C'est terrible. Hein, ça parce doit être dur. Hein. On l'a vraiment senti hier en conférence de presse. Hein, il était déterminé, hein, même s'il disait « Voilà, je vais faire ma course, j'ai pas de pression. » On se disait « Cette année, c'est pour lui. » Et malheureusement, ben non. Hier, à la conférence de presse, je ne sais pas si Tarsis, vous avez eu le même sentiment, on avait l'impression d'être dans une conférence de presse avant un combat de boxe entre Patrick Kipengeno et Rémi Bonnet. Et puis chacun répondait un petit peu, donnait des informations, mais pas trop. Et bien là, il faut le dire, pour l'instant, c'est Patrick Kipengeno, même s'il est devancé par son collègue Kyriago, bien qui a remporté un petit peu C'est pas un combat, mais c'est un petit peu psychologique tout de même aussi. C'est clair qu'on voit Patrick qui se fait passer à ce moment-là de la course. C'est un moment crucial, je dirais. Parce que là, il peut psychologiquement gagner la course avant d'attaquer la descente. On sait que c'est quand même un descendeur hors pair. Pour moi, Patrick, ce sera difficile pour lui de revenir. Avec à l'image, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, l'écart entre Kyriago et Kipengeno. Il n'y a vraiment pas grand-chose. On va arriver progressivement du côté de Barnoza. Suspense chez les hommes, suspense chez les femmes également, avec l'américaine Laocli en tête, avec deux petites secondes d'avance au dernier temps intermédiaire du côté de Tinuza. C'est vrai qu'après, on a vu hein, entre Tinuza et le Weisshorn, Sophie Laocli qui semblait avoir pris un petit peu d'avance sur la Roumaine. Et regardez le monde hein, tout au long de ce parcours. Serge, on va prendre congé de vous. Tarsis, restez avec nous. Juste une question encore, Serge. Vous revenez l'an prochain ? Bien sûr. Quand on y a pris goût... On n'arrête plus. On n'arrête plus. Ok. Bah alors rendez-vous l'année See prochaine. See you next time, bye. Et puis on voit que c'est confirmé par Tarsis qui opine du chef. Hein. Alors je dois dire que Serge, lui c'était son objectif, c'était sa ultime et dernière saison de course de montagne. Mais je crois que quand on goûte à une ambiance comme ici à Cerdinal, c'est absolument impossible tant qu'on a les jambes. Et la santé, on reviendra. Allez, je vous propose de retourner au Weisshorn pour le passage de la première dame et ensuite Tarsis. On reste avec vous pour revivre les grands moments de votre victoire à vous en 2006. Romain, on revient vers vous. Le Weisshorn, le passage de la première féminine. Passage mythique, presque le point culminant de cette course. C'est la première femme qui devrait arriver d'ici peu. Je ne la vois pas encore, j'entends l'hélicoptère de la réalisation et vous voyez peut-être les images aériennes de mon collègue Yvan Illy. J'en déduis donc qu'elle devrait arriver rapidement. Je ne les ai pas en vue encore à l'heure actuelle. Ce que je peux vous dire par rapport à Rémi Bonnet, c'est qu'il est toujours ici à côté de nous dans cette tente médicale. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. On va aller voir après comment il va évidemment. Et là, je vois un groupe qui arrive, mais je ne vois que des hommes. Je vais rester attentif. Alors Mathieu et Julien peuvent peut-être vous aider. On voit des hommes. Alors et là, alors c'est bon. Alors c'est bon. Je vois la première femme arriver. La première dame, et c'est Sophia Laocli, l'américaine, qui passe là devant le ravitaillement, qui cherche sa gourde. Et qui passe devant nous. Ouais, les ravitaillements sont cruciaux hein, à ce niveau-là. On peut pas se louper. Et on l'a vu d'ailleurs avec Kipengeno à Chandolin. Et là, Sophia aussi qui perd quelques secondes. Ouais. Quelques secondes par rédhibitoire. On va attendre sa première poursuivante. Il y avait seulement 2 secondes d'écart au dernier temps intermédiaire. Elle a creusé un petit peu par rapport à la Roumaine Florea, voire peut-être Giroud qui l'a devancé. Mais ça, eh bien Romain, c'est vous qui allez le constater. Et on la voit arriver. On la voit arriver la poursuivante Giroud, la Kenyane. Alors qui est un peu distancée, hein. Elle est quasiment à 1 minute de Sophia Laocli qui est passée ici devant nous. Ouais, une cadence aussi, Julien, un petit peu différente.
Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Hein. Sophie Laucli, vous l'avez dit, Mathieu, elle vient du ski de fond, donc là, elle peut vraiment dérouler. Et aussi, une autre réponse qu'on a eue, c'est que la Roumaine Florea était clairement partie sur un rythme trop élevé. Et là, on verra combien elle va se situer au passage du Weisshorn. Un petit temps également sur les records, 2h03.49 secondes pour Sophia Laucli du côté du Weisshorn, 2h00.42 secondes pour Maud Matisse. Le record devrait tenir, c'est également le cas pour les hommes avec 1 minute et 35 secondes de retard au dernier temps intermédiaire pour Patrick Kipengeno qu'on attend. On attend les hommes du côté de Barnoza. Oui Pierre ? Non, je dis, on voit ces images complètement incroyables. On a effectivement... les élites et puis les populaires qui continuent à se croiser sur ce plateau. Et puis l'œil d'expert de Tarsis qui suit ça avec beaucoup d'intérêt. Vous préférez là maintenant tout de suite Tarsis être à votre place ou à la leur ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que ça me remet dans des conditions d'il y a 10-16 ans en arrière où c'est que je passais à l'hôtel Weisshorn main dans la main quasiment avec Ricardo Meria. Et puis depuis là je ne me suis plus retourné. Et c'était seulement à 200 mètres de l'arrivée qu'on me dit « Mais Tarsis, tu as 2 minutes d'avance !» Et j'ai pas cru. Et je l'ai recroisé, cette personne qui m'a dit ça quelques semaines plus tard. Il m'a dit « Non, mais à l'hôtel Weisshorn, vous étiez roue dans roue, c'est bon !» Mais en réalité, il savait rien du tout. Il savait pas s'il était quelques mètres derrière moi ou pas. Et du coup, j'ai bien fait quand même de garder mon rythme jusqu'à la fin. On va revoir évidemment dans quelques instants les images hein, que vous évoquez de 2006. On va simplement attendre le passage du peloton masculin, en tout cas des premiers hommes à Barnoza. C'est imminent, Mathieu et Julien, ça peut-être se dessine. Un petit mot sur le parcours ouais. Maintenant qui nous attend, ouais. Qui attend les coureurs maintenant. On a eu cette partie vallonnée. Et maintenant, qu'est-ce qui les attend Exactement. Là, on est de la partie vallonnée. Maintenant, ils vont passer gentiment à Barnoza. Et là, on va rentrer donc, dans les 5 derniers kilomètres. À partir de Barnoza, encore 2 kilomètres avec un faux plat descendant. Et après, par contre, c'est les 3 derniers kilomètres. C'est les quadriceps. Il faut avoir les quadriceps bien accrochés pour cette fin de course. Tarsis, parlez-nous justement de ces 3 derniers kilomètres. C'est quoi c'est... Il faut aller tout droit. Alors, il y a des anecdotes assez intéressantes là-dessus. D'ailleurs, une année, Albrecht Moser passe à la ligne d'arrivée, il était sûr d'avoir gagné, mais il n'a pas vu passer tellement vite Pierre-André Gobet qu'il a fini deuxième derrière Pierre-André Gobet. Et on dit aussi que dans cette dernière descente, quand tu tombes, tu gagnes 2 rangs. Alors ça, c'est aussi des anecdotes qui font partie du mythe de Sierzinal. Mais voilà, c'est vrai que la dernière descente, le problème qu'il y a, c'est que pendant presque 40 à 50 minutes, on est sur un parcours vallonné, voire un petit très, très, très rapide. Et tout d'un coup, les muscles changent de force et on est vraiment sur la résistance avec des pourcentages qui sont très négatifs. Et là, c'est très dur parce que c'est souvent les crampes qui sortent les unes après les autres. Et il faut gérer ça, laisser aller, reprendre. Et je me souviens l'année que j'ai terminé juste derrière Kylian Jornet. À un moment donné, juste avant le tunnel, j'ai dû m'arrêter, me faire marche arrière. Et puis, je suis surveillé s'il y avait le troisième qui arrivait, pour, juste en me faisant passer une crampe, parce que celui qui termine ce bout-là sans les crampes, c'est parce qu'il n'a pas tout donné. Et parlez-nous des heures et des jours qui suivent, Tarsis. Alors, pour moi, si tu gagnes une course comme ça, les jours après, ça va. Tu es sur un nuage, et puis plus rien n'a d'importance. Mais pour quelqu'un qui termine une course comme aujourd'hui, pour les 6000, passer 6000 coureurs, les 2 jours suivants, ils sont assez importants parce que c'est là qu'on doit remettre les fibres musculaires en place et puis se donner de l'hydratation. D'ailleurs, je vous recommande, il y a de la bière et de l'eau sous la cantine. Et puis surtout non, mais l'hydratation, c'est quand même mieux l'eau dans un premier temps. Hein. Ça dépend pour qui. Je vous le garantis. Dans un premier temps, c'est mieux l'eau. Après, on discute ouais, pas. Mais c'est clair que c'est du soin. On a usé sur la machine, on a tiré sur la machine. Il faut aussi lui donner un petit sucre. Alors, d'aller se faire masser, d'avoir des soins, d'aller dans les bulles, ça, c'est un truc qui est hyper important pour justement se dire, voilà, maintenant, on a fait ça. L'année prochaine, on fera mieux. Merci. C'est peut-être une question pour toi. Hein. Pierre nous a dit avant que 2025, il était prêt à courir Sierzinal. Julien, je vous interromps. On va à Barnoza. On retrouve Didier Binder avec la tête de la course masculine, Didier. Alors, la tête de la course masculine, un Kenyan en tête. Il est en train de passer le poste de Barnoza. Vous allez bientôt le voir à l'image. Concentrez-vous, ça va vite, très vite par rapport au populaire qu'on a vu jusqu'à maintenant.
d'ici 2-3 secondes, on va le voir à l'image, avec une foulée. Et voilà, il apparaît dans votre image maintenant. Ouais, c'est Philemon Kyriago, regardez-moi ça. Ça laisse rêveur. Philemon Kyriago, une foulée incroyable par rapport à... Oui, ça laisse rêveur. Ça va vite, hein, ça va très vite, incroyable. Je peux vous dire. Exactement, là il va vraiment. Et on pouvoir, le voit, on le voit pas dévouer. Ralentir, hein, on voit des enfants. Des enfants qui vont à sa rencontre et ça court. Avec une aisance, alors c'est. Ça fait mal hein, pour tous les trailers qui ont souffert tout à l'heure. Il jette un coup d'œil derrière lui pour voir où il en est. De ce point de passage, il voit vraiment où est le concours en suivant. Donc c'est très bien pour lui à 5 km de l'arrivée. Il voit beaucoup d'encouragement. Il regarde beaucoup ce qui se passe derrière lui. Très concentré à 5 km de l'arrivée. Le 14, Kyriago en tête de la course. Et on ne voit toujours pas au poste de Barnoza. Au poste de Barnoza passe le deuxième, Kipengeno. Ce qui veut dire, messieurs, vous allez que le rien revoir à l'image maintenant, le deuxième. Julien, rien n'est fait. Non, c'est avec pas fini. Un écart pareil. Il doit y avoir une cinquantaine de secondes entre les deux premiers, entre Kyriago et Kipengeno. Que l'on voit à l'image. Voilà, après, à voir comment Kipengeno va gérer la descente. Hein. C'est vrai que. Il l'a pas bien fait l'an dernier. Il a chuté l'an passé. Effectivement. Messieurs, on va entrer gentiment vraiment dans la phase décisive de la course. Je propose qu'avant cela. On revoit ce dont on parle maintenant depuis de longues minutes. Cette quatrième décennie, 2004-2013, Angéline Jolie, Anna Pichterova, la naissance de Kylian Jornet à laquelle vous avez été témoin Tarsis, Marco De Gasperi et aussi forcément Tarsis Ancet. C'est David Lemos qui nous compte cette époque. Au moment d'entamer sa quatrième décennie, Sierzinal sort de 6 éditions sans Suisse ni Suissesse au palmarès, une première dans l'histoire de la course. Surgit alors, telle une héroïne de cinéma, Angéline Jolie. La Jurassienne gagne en 2004 et en 2005, année où elle bat le record de l'épreuve. Ouais, disons que c'est mon jour, c'est plus que du bonheur pour moi. Et puis, je dirais que c'est une course où j'ai même pas souffert tout le long, tellement j'ai bien géré cette course. Ouais. 2004-2005, ce sont aussi les deux derniers des cinq triomphes, un record à l'époque, du Mexicain volant Ricardo Mejía. L'homme qui, au pays, travaille 10 heures par jour avant de partir s'entraîner, laissera une marque indélébile dans l'histoire de Sierzinal. 14 août, 6 est un jour plus vieux. Jusqu'à la veille, il a hésité à raccourcir le tracé. Parmi les courageux qui prennent le départ, un homme, l'enfant du pays, sent que c'est son jour. Allez Tarsi, go! Tarsis Ancet, la Nivea, qui connaît chaque pierre de chaque secteur, triomphe à Zina. Je crois que je l'ai rêvé 1000 fois, cette victoire. Aujourd'hui, ça se réalise. Et c'était comme dans un rêve, c'était vraiment formidable d'avoir des jambes jusqu'au bout. Pourtant, j'ai dû vraiment faire attention, j'avais l'impression que j'avais les crampes qui me sortaient après chaque caillou. Et ça a tenu, et aujourd'hui c'est vraiment extraordinaire. Il reste à ce jour le dernier vainqueur valaisan de la course. 2006 est aussi l'année où débute la domination dans l'épreuve féminine d'Anna Pichterová. Grande dame des épreuves de montagne, la Tchèque s'impose 4 années de suite en battant deux fois le record de la course. Mieux, en 2007, elle y parvient quelques mois après un accident de voiture et alors qu'elle s'est brièvement trompée de chemin durant la course. La fin de la décennie 2000 est marquée chez les hommes par un duel de génération. L'Italien Marco De Gasperi gagne 3 fois entre 2008 et 2012. Mais à ce moment-là, un jeune homme a déjà pointé le bout de son nez. Il vient de Catalogne et lorsqu'il gagne pour la première fois en 2009, à 22 ans, il ne connaissait pas le parcours. Son nom est Kylian Jornet et il pense déjà à son futur record. Pour essayer d'être en dessous de 2h30, il faut être au 100% et puis que la course, ça parte très rapide depuis le début. 2013, Sierzinal fête sa 40e édition et est en direct sur la RTS. Cette année-là, magnifiée par la réalisation TV, la course vit un scénario exceptionnel. Le Neuchâtelois Marc Lauenstein, spécialiste de course d'orientation, part de derrière pour avaler un à un tous les favoris dans la descente. Et regardez Marc Lauenstein qui a passé. Quel rebondissement incroyable! À la sortie de la forêt, la victoire est à lui. Et à la fin, j'avais presque les larmes aux yeux quoi,
de gagner ça. Pour moi, Cerzinal, c'est un mythe. Ouais, je sais pas, c'est... Ouais, j'y crois pas, honnêtement, c'est... Si, si, vous l'avez gagné. Et on le rappelle, hein, sauf invraisemblable retournement de situation, Marc Lowenstein restera encore cette année le dernier vainqueur suisse de Cierzinal suite à l'abandon tout à l'heure de Rémi Bonnet, l'avant-dernier vainqueur de Cierzinal en ce qui concerne la Suisse. Chez les garçons, c'est vous, Tarsis Sensei. Qu'est-ce qui reste finalement de cette victoire de 2006 ? Beaucoup, beaucoup de satisfaction. C'était un rêve pour moi de réaliser ça. Et puis de voir l'évolution de la course Cierzinal après ma victoire. C'est clair que quand je vois, j'ai envie de remettre les chaussures et puis de retourner courir. Mais malheureusement, des problèmes de santé m'en empêchent. Mais c'est toujours un plaisir de venir, de rencontrer des gens comme Kylian, comme Maud. Et puis tous ces anciens comme Stéphane Solaire que j'avais plus revu depuis très longtemps. Pour moi, c'est un cadeau. Et puis c'est vrai qu'on en discutait encore hier avec Marc Lowenstein. Ça fait déjà 10 ans, 16 ans qu'on a gagné et on regarde avec les yeux d'enfant de voir tout ce qui se passe autour de cette course, toute l'énergie qui est mise par ce comité qui est absolument incroyable, qui font un boulot de malade, de titan et qui ont rendu cette course comme la course la plus incroyable au monde. Et ça, on peut le dire sans être trop chauvin. Merci beaucoup Tarsis, je crois que ce sera votre mot de la fin. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous sur ce plateau cette passion. Et si je vous parlais de vous il y a quelques instants comme l'avant-dernier vainqueur suisse chez les garçons, la précision est extrêmement importante parce qu'à vos côtés a pris place la dernière vainqueur suisse chez les dames. Bonjour Maud Matisse. Bonjour. Maud, on va évidemment évoquer vos victoires dans quelques minutes. On va assez vite revenir sur la course, mais juste en un mot, vous n'êtes pas là cette année parce que vous êtes blessé. Vous êtes venu clopin-clopant sur le plateau, sur vos béquilles. Ça vous fait quoi d'être sur le plateau et pas dans la course, Maud ? Ben, c'est aussi un plaisir. Je disais avant, ben, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir de courir, de profiter de l'ambiance de la course en tant que coureuse. Mais là, je le vis totalement autrement et c'est la première fois que je reste à l'arrivée durant toute la course. Et ça me fait tout autant plaisir. Et nous avons donc sur ce plateau en même temps les deux recordman et woman de Cierzinal, Maud Matisse et Kylian Jornet. Kylian Jornet, ne nous mentez pas, vous préféreriez être là qu'ici. C'est sûr, mais on est bien ici aussi à regarder sur les écrans de la course. C'est quand même une belle bataille aujourd'hui qu'on voit. C'est beau de voir ces coureurs faire la lutte, même si je pense que Maud et moi, on aimerait être là. Peut-être l'année prochaine, on va essayer d'arriver en meilleure santé pour faire partie du spectacle de l'autre côté. Kylian Jornet blessé également. Ben Kylian, Maud, je propose qu'on vive ensemble la fin de la course avec Mathieu, avec Julien. Messieurs, il n'y en a plus que pour quelques minutes. Il n'y en a plus que pour quelques minutes. On est dans les derniers kilomètres de la course. Et quel privilège finalement de vivre ces derniers moments en compagnie de Kylian Jornet, 9 fois vainqueur de Cierzinal. Maud Matisse, 4 fois vainqueur de Cierzinal avec les deux records. Les records qui vont très vraisemblablement tenir aujourd'hui. Mais Julien, c'est un duel 100% kényan. Duel de génération, Kyriago face à Kipengeno. Exactement, exactement. L'expérience de Kyriago face à la jeunesse de Kipengeno, donc dans la descente direction Cierzinal. Je pense qu'on peut le dire, hein, le record de Kylian, en tout cas, ne sera pas battu. Donc vraiment, maintenant la question c'est... Ah, il n'est pas sûr. C'est vrai, parce qu'il a fait une fin de course en 2019, Kylian, qui était tout simplement exceptionnel. Ouais, c'était une belle course, mais on voit qu'aujourd'hui ils ont couru très rapide. Je pense que la bataille entre les Patrick et Philemon, ça les a poussés jusqu'à l'arrivée. Ouais. 2 minutes de retard sur votre corps à Barneza, ça devrait tenir quand même, ça devrait tenir. Et on sait que vous êtes plutôt à l'aise dans la descente. Justement, Kylian, parlez-nous de cette spécificité de la descente. Vous êtes extrêmement à l'aise de cette descente. Et l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous avez dépassé celui qui est en tête en ce moment, Kyriago, dans la descente. Il avait chuté. On avait fait une belle descente, on était avec Mamou et Philemon dans la descente, tous les trois ensemble. Et c'est vrai que Philemon, je pense, c'est l'un des plus forts des Kenyans en descente. Et on le voit aujourd'hui, comme il a dépassé Patrick. Mais moi, c'était toujours un endroit où je me sentais plus à l'aise. Hein. 50 secondes au dernier temps intermédiaire à Barneza. Est-ce que la course, Kylian, est jouée ?
La course, je pense que surtout en voyant comment il court là, Philemon, mais jusqu'à la ligne d'arrivée, on n'est pas sûr parce que c'est très technique, on peut toujours shooter comme il a fait l'an dernier, on peut se faire une cheville, donc j'ai dit jusqu'à... Au moins l'an dernier, j'ai perdu ma quatrième place à 2 cm de l'arrivée, donc il faut tenir, il faut pousser jusqu'à la fin. Kylian, vous êtes un petit peu emballé l'an passé, hein, Petro Mamou qui vous a devancé alors que vous étiez en train de saluer le public. Oui, mais c'est pour ça il faut pas penser que rien s'est gagné jusqu'au dernier seconde. Un petit mot sur les deux leaders de cette course. On va peut-être juste comprendre qui ils sont. Philemon Kyriago, il n'a que 20 ans. Il était 5e de Cierzinal l'an dernier, mais il était 2e à Barneza avant de totalement s'effondrer dans la dernière descente et notamment victime d'une chute avec Kylian Jornet. Quant à Patrick Kipengeno, eh bien, il a 30 ans, 2e de Cierzinal l'an dernier, mais il était premier jusque dans les tout derniers mètres. Il a été dépassé par votre compatriote Andreu Blanes l'an dernier. C'est pas une surprise de les voir les deux? Ouais, c'est pas une surprise. On savait qu'ils avaient été des plus forts et ça le montre que c'est des coureurs aussi qui sont très réguliers. Toutes les courses qu'ils font, ils sont là devant. Et c'est ça, je pense, l'exceptionnalité, c'est que chaque fois, il performe à un niveau incroyable. Et Kyriago qui a remporté Tchondixens la semaine dernière, donc il est particulièrement en forme. Ouais. Mot d'un mot sur ce qu'on voit là à l'image. On voit le leader Philemon dépasser des populaires qui eux sont partis plusieurs heures avant. Ça se passe comment ce rapport? Comment vous signalez votre présence? Ça se passe par la voix? Non, alors c'est une course où il y a un superbe mélange entre les populaires et les élites et tout le monde est fair play. Et c'est vrai que quand on est en descente comme ça, on souffre. Le souffle, il est assez fort. Donc, ils nous entendent de loin et les pieds aussi, les graviers. Donc, on n'a même pas besoin de s'épuiser à demander la place. C'est vraiment une cohabitation qui se passe à merveille. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait aussi la magie de Cierzinal. C'est le mélange de tout le monde. Mathieu, Julien, Kylian, fin de cette course. Un petit mot, Kylian, peut-être sur les écarts. Là, Kyriago qui a 50 secondes d'avance au dernier temps intermédiaire. Est-ce qu'il sait qu'il est en avance? C'est difficile de savoir l'avance quand tu es dans la course parce qu'il y a toujours des virages, il y a toujours des arbres, donc tu ne vois pas ceux qui sont devant ou derrière. Donc même si tu as beaucoup d'avance, tu le sais jamais, donc tu es toujours inquiet. Alors là que derrière, c'est en train de monter, là, l'ambiance avec le speaker qui est en train de chauffer pour cette 50e édition. Cette domination kenyane, Maud, comment est-ce que vous la voyez arriver? Ça fait quelques années déjà qu'on l'attend. Sur route, ils dominent. Et puis, on savait que tôt ou tard, ils allaient venir sur le trail. Moi, je vois ça de bon oeil. Tout le monde a le droit de faire de la course de montagne. Et puis, si on s'entraîne en descente, on s'entraîne dans les montées, avec les capacités physiques qu'ils ont, je pense que de plus en plus, ils vont dominer le trail. Oui, et puis on rappellera que l'an dernier, le vainqueur, celui qui a franchi la ligne en premier était Kenyan. Il a été déclassé à cause du dopage. Et on a effectivement eu la confirmation que la lutte s'intensifiait, que les organisateurs mettaient en place de plus en plus de pare-feux. Alors on ne peut évidemment être jamais certain de rien, mais on ne peut qu'admirer pour l'instant la performance de ce jeune athlète. Il est jeune. Gagner une course de montagne, il va la gagner probablement. Philemon Kyriago, à cet âge-là, c'est jeune Kylian. Bon, vous l'avez gagné en 2009, on l'a vu tout à l'heure. On avait l'impression d'avoir de baby face, la phase de bébé. Comment peut-on être prêt pour gagner ce genre de course à cet âge-là? Bon, je pense qu'au niveau physiologique, c'est l'âge où on est le plus fort. Donc, c'est là où on a le plus de force quand on est jeune. Après, je pense que beaucoup de fois, on le voit, ça se gagne sur l'expérience, ça se gagne sur la gestion de course. Mais quand on est dans des jours comme Philemon il est là, où il est capable de courir très vite, de ne pas sentir la fatigue, entre guillemets, je pense que là, c'est quand tu es jeune, tu as beaucoup plus de stamina, d'énergie. Mais après, souvent, on fait des erreurs au niveau tactique. Et avec l'âge, peut-être, on est un peu moins fort, mais on est capable de mieux courir. Pour rappel, on est dans la dernière descente vers Cierzinal, dans la foulée de Philemon Kyriago, le leader de cette course, pour pourquoi pas une première victoire kenyane sur Cierzinal. Maud, qu'est-ce qui attend Kyriago maintenant dans ses derniers mètres de course? C'est des émotions là. Comme Kylian l'a dit, il n'est pas sûr de gagner parce qu'on ne sait jamais si le deuxième revient derrière. Mais là, c'est vraiment ça. On entend la foule qui nous acclame. C'est les émotions qui montent, on,
on sait qu'on arrive au bout, on a la souffrance. C'est vraiment des moments magiques et c'est cette dernière descente qui reste dans les esprits. Et la dernière ligne droite avec la foule qui est juste incroyable. Ouais, elle est encore incroyable aujourd'hui. Exceptionnelle l'ambiance et ça fait vraiment repenser à 2019 avec vos records respectifs. C'était une année incroyable. J'ai eu la chance d'interviewer à la fin et c'était... Qu'est-ce qu'il y avait de spécial aussi en cette année 2019? Je pense qu'on était bien, ces jours, dans mon cas, c'était un des séjours que tu te sens bien, tu t'es bien préparé et la course, ça se passe comme tu veux. C'est des jours que tu voles et c'est magnifique et surtout dans une course comme ici qu'il y a tellement de spectateurs, de coureurs qui t'amènent et ça, c'est juste des jours spéciaux. Ouais. 2h25 minutes, 29 secondes. Kylian, votre corps, je crois qu'il est tranquille. C'est juste. Ah, mais bon, ça, j'ai roulé, j'ai pensé que cette année, ils allaient battre. Comme ça, ça donnait un peu plus de motivation pour l'année prochaine. Ah, donc il n'y a plus de motivation, là. Ouais, non, ça reste quand même. J'ai participé 12 fois ici. C'est pas par hasard. Donc, c'est une course on aime de revenir. On entend les gens, on voit les belles montagnes. Donc, c'est ça qui fait qu'à toutes les années, on a envie de revenir. Et j'espère que les téléspectateurs de la RTS ont bien conscience de l'immense privilège qu'on a de pouvoir vivre les derniers mètres de cette course en compagnie de Kylian Jornet, 9 fois vainqueur sur Serginal, légende, méga star du trail, et Maud Matisse, et bien 4 fois vainqueur également. Oui, 13 victoires à eux deux. Hein. Ouais, 13 victoires à eux, juste ça. Voilà, rendez-vous juste compte, ça. Et là on est dans la partie, et bien dans la dernière partie, avec le public qui maintenant, ça va gagner en intensité, et on va encourager Kyriakou pour cette fin de course. Et là, racontez-nous un petit peu les émotions. Difficile hein, parce que moi c'est des émotions personnelles, mais on sent plus ses jambes, On a mal, Maud, à ce moment-là. Non, on a mal quand on arrive sur le goudron, mais après on est focalisé sur l'arrivée et je crois qu'on oublie la douleur. C'est un mélange entre la douleur et plus de douleur et cette adrénaline, c'est regardez la communion avec le public, c'est génial. Ouais, là, c'est des beaux moments. Il a compris qu'il a gagné. Philemon Kyriago, 5e l'an dernier, il n'a que 20 ans. Dans un dernier virage, encore quelques mètres là pour le Kenyan, pour la première victoire kenyane ici à Serginal. Philemon Kyriago qui aura réussi bien à dompter ce parcours et à dompter également Patrick Kipengeno. Un mot peut-être sur le chrono, 2h27, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà pour le chrono de Patrick Kipengeno. Kylian Jornet, quelle course, mais ça ne suffit pas pour battre votre record. Il faudra encore aller plus vite. Et c'est quand même un chrono d'exception. Je pense que c'est le troisième meilleur temps de la course. Donc on voit que la qualité qu'ils ont, ces athlètes. On a vu pendant toute la course la bataille qu'il y a eu avec Patrick, avec Rémi au départ. Donc on voit que la course est de plus en plus serrée. Et ouais, ça reste quand même des super beaux temps. Kylian, il faisait chaud. Est-ce que ça peut expliquer pourquoi le record n'est pas battu? C'était peut-être un peu trop chaud. Oui, aujourd'hui, il faisait chaud, mais après, il y avait un peu de vent en altitude. Donc, ça a aidé. Je pense que les conditions étaient bonnes. Et c'est pour ça qu'on voit quand même deux personnes sur les 29 minutes. C'est quand même exceptionnel. Ouais, Kipengeno. On va se retourner justement pour l'arrivée de Patrick Kipengeno, de la même équipe que Philemon Kyriago, Run Together. Lui, il a 30 ans, il avait terminé deuxième l'an dernier, dépassé dans les derniers mètres par l'Espagnol Andreu Blanes. Eh bien, une nouvelle fois deuxième sur Serginal. Serginal qui se refuse, Kylian, pour l'instant, à Patrick Kipengeno. Oui, ça lui refuse, mais quand même deux fois deuxième avec ses chronos. C'est quand même un coureur qui... moi, je suis que admiratif de Patrick. Toutes les courses qu'il fait, il est dans un niveau qui est... ça fait rêver. Oui, parce qu'il va une nouvelle fois passer sous la barrière des 2.30 et c'est une barrière qui est importante sur Serginal. Courir sous les 2.30, c'est incroyable. Oui, il y a juste quelques années, il n'y avait que Jonathan Wyatt qui l'avait fait. Et on voit que c'est quand même des marques qui sont très, très difficiles à atteindre. Ouais. Regardez, ça se passe de tout commentaire. Là il souffre, ouais. Mais je pense qu'il est tellement satisfait de sa course. Il a de quoi. Là souvent, c'est après la ligne d'arrivée qu'on se dit « Waouh, purée, cette fois, j'ai vraiment poussé. » Un mot sur cette course avant d'attendre le troisième qui va arriver d'ici 4-5 minutes. Kevin Kibet, les mots de Matisse, un mot sur Rémi Bonnet. Hier, on l'a vu en conférence de presse.
Il avait envie de gagner ce Cerdinal. C'est un Suisse, ici, 10 ans après Marc Lauenstein. La déception doit être immense. Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour Rémi Bonnet? Alors, je ne sais pas. J'ai pas tout suivi la course. J'ai pas vu où est-ce qu'il a abandonné. Je sais qu'il était prêt. J'espérais vraiment qu'il gagne aujourd'hui. Il le mérite. Il s'est entraîné dur. C'est vraiment dommage. Je pensais que c'était pour lui aujourd'hui. Alors, je propose qu'on l'écoute, Rémi Bonnet. Parce que aussi le signe à quel point vous êtes tous et tous des grands champions, c'est d'être capable d'accorder une interview malgré cette immense déception. On l'écoute tout de suite. Rémi Bonnet. Avec Rémi Bonnet, ici à l'hôtel Weisshorn, où il a abandonné. Rémi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette course? Ouais, c'est compliqué à expliquer, des sensations vraiment pas terribles. Et puis en haut, la montée, j'ai commencé vraiment à avoir un peu froid alors qu'il faisait vraiment chaud. Et puis c'était un peu bizarre, après j'ai eu du mal à respirer. Je sais pas si j'ai attrapé un virus les derniers jours ou quelque chose, mais ouais, c'est vraiment beaucoup de déception et comme ça. On sent votre émotion, c'était l'un de vos objectifs, cet abandon aujourd'hui, ça fait particulièrement mal. Ouais, c'est pas facile de décevoir tout le monde, mais c'est le sport. C'est le sport, il y en aura d'autres. Vous retenterez l'expérience, Cerzinal? Oui, je vais revenir jusqu'à ce que je la gagne une fois. Qu'est-ce qu'il faudra faire, vous pensez? Alors vous êtes très engagé aussi sur le ski alpinisme, c'est aussi fatigant. Est-ce qu'il faudra améliorer peut-être l'entraînement pour aller jusqu'au bout de cette course? Ouais, je me sentais vraiment prêt cette année pour la gagner, mais après c'était, comme je disais, peut-être un virus ou vraiment une journée qui n'était pas bien pour moi. Et j'espère que ce sera la dernière fois que j'ai des sensations comme ça. On l'a compris, ce n'était pas votre année. Merci beaucoup Rémi Bonnet d'avoir été quelques instants avec nous. On va vous laisser redescendre en voiture du côté d'Ozinal. Merci. Waouh, Maud, on ne peut être qu'admiratif de la lucidité de Rémi Bonnet. Oui, il m'a presque fait pleurer. C'est vrai que c'est, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Mais voilà, je pense que ouais, il a une capacité à rebondir et puis il sait qu'il est capable de le faire. Et j'espère vraiment qu'un jour il pourra venir gagner cette course. Kylian Jornet, apprendre encore et encore de ses victoires et de ses échecs. Oui, surtout, c'est sûr que les moments qu'il vit à Rémi aujourd'hui, c'est difficile, c'est dur. Il était tellement bien préparé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la préparation qui lui manquait. La préparation qu'il a fait, c'était, on comparait un peu les entraînements et je pense qu'il était mieux que moi en 2019. Donc il était capable de faire ça. Après le jour, ça va passer comme ça, mais Rémi, ça reste un coureur d'exception et je pense qu'il va revenir plus fort et qu'un jour, je pense très bientôt, il va gagner cette course avec en montrant le potentiel qu'il a vraiment. Kylian, parlez-nous peut-être un petit peu de cette pas pression, mais il y avait des attentes hier à la conférence de presse, tout le monde parlait de cette victoire, on avait envie de voir un Suisse triompher ici 10 ans après Marc Lauenstein. Est-ce que ça peut jouer un rôle et comment est-ce que vous gérez vous cette pression? Et oui, la pression, c'est toujours forte. Et Rémi, en étant suisse, et aussi la pression interne qui se met de vouloir bien performer, parce qu'il a toujours fait des bons résultats ici, mais jamais la victoire. Et je pense qu'il a tellement envie et il faut... toute cette pression, elle peut jouer un rôle, peut-être avoir un peu plus de stress, à moins bien dormir la veille, et ça joue à la fin. On repart à Barneza parce que la première féminine est à votre portée, Didier Binder. La première féminine qui quitte le poste de Barneza. Alors on la voit, elle est en train de dépasser des concurrents qui sont partis bien avant elle. On imagine que c'est elle, hein, à voir le rythme et oui. L'écart entre les concurrents populaires et puis les vrais véritables compétiteurs. On a vu passer beaucoup, beaucoup d'hommes. Des très très bons coureurs. On voit cette foulée, hein. Elle est suivie du vététiste qui a de la peine à la suivre avec exactement, le monde. Didier, elle se ravitaille. Sophia Laoukli, exactement. Toujours Sophia Laoukli en tête. Ouais. Et on voilà, a le troisième prêts, à l'arrivée, la dernière petite messieurs. Montée avant. Ouais, le troisième qui sera également kényan, puisque c'est Kevin Kibet, lui aussi très jeune athlète, 21 ans. Avec son numéro 13, un membre de l'équipe du Genevois, Julien Lyon. Et bien pour ce premier Cerzinal, 2h34 minutes pour le Kenyan. Troisième, donc ce Cerzinal, domination parfaite des Kenyans. Ouais. 1, 2, 3.
dans l'histoire à plusieurs reprises. Les dominants ont changé de nationalité. Cierzinal a été suisse, Cierzinal a été italien, Cierzinal a été espagnol. Cierzinal est définitivement été américain, Cierzinal est définitivement kényan. Au Dessablant, on vous retrouve avec un homme heureux, Philémon Kyriago, vainqueur de Cierzinal. Exactement, a happy man today, only 20 years old. Congratulations for this beautiful victory. What does it mean for you to win Cierzinal? I'm feeling very happy to win Cierzinal. Today it's my birthday, so that I was excited when I was running. Because all over internet they was celebrating my birthday, so today I was focusing to run the podium. What is the win? I'm the winner. And you are the winner, exactly. Congratulations and happy birthday to you. It's a beautiful day for you. Thank you very much. Pierre, donc, il vient de nous dire que c'était son anniversaire. Et c'est ça qui l'a rendu heureux, qui lui a permis de courir aussi rapidement aujourd'hui. Forcément, une première victoire à 20 ans sur Cierzinal, ça signifie beaucoup pour lui. Il y a des histoires dans Cierzinal. On était ici en direct lorsque Mark Lowenstein avait gagné en 2013. Histoire incroyable. Aujourd'hui, elle l'est aussi. Julien a gagné le jour de son anniversaire alors que le quatrième là, franchit la ligne. Dossard 21. Exactement, Sylvain Cachard qui termine donc à la quatrième place. Mais oui, en effet, il n'y a que des belles histoires et celle de Philémon Kyriago, évidemment, aujourd'hui qu'elle l'est. Et je le répète, il fait le doublé après Tion Dixon. C'est une magnifique, magnifique histoire. On va peut-être revenir sur la course des femmes, Pierre, pour avoir... Comme vous le voulez, Mathieu. Avec ce pointage à Barnoza, dernier pointage de la course, avec le passage de l'américaine Sophia Laukli, toujours en tête, la spécialiste de ce qu'ils font. 2h33 minutes et 9 secondes. Maud Matisse en 2019 était passé en 2h29 minutes et 07 secondes. 4 minutes, ça va le faire, Maud. Le record va tenir. J'espère pour moi. Parce que pour moi, c'est toujours un plaisir d'avoir le record. Je me sous-estime chaque fois. Je me dis, il va être battu. Et puis, en fait, je me rends compte que il n'est pas si facile que ça à battre. Ça me fait plaisir. Ouais, on va trahir aucun secret. Hier, on vous a croisé sur une terrasse ici à Dinan. On vous a demandé est-ce que le record va être battu. Vous avez dit, ouais, je pense. Et surtout, Nienke Brinkman, la néerlandaise, là dans les jambes. Aujourd'hui, elle passe complètement au travers. Elle était cinquième au dernier temps intermédiaire. Comment expliquer la performance de Nienke Brinkman? Vous pensez capable de battre le record? Ouais, alors je pense qu'elle est capable. Elle a vraiment des capacités physiques hors normes. Elle a prouvé aussi que voilà, elle a dominé les autres courses. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je sais qu'elle avait une petite blessure à un ischio derrière la cuisse. Est-ce que ça l'a de nouveau dérangé aujourd'hui? Est-ce que. Ouais, voilà, c'est difficile à expliquer. Kylian, Maud, vous avez prouvé par le passé que c'était possible de gagner avec une énorme étiquette favori. C'est possible, mais elle est lourde cette étiquette. C'est difficile. On l'a vu aujourd'hui avec Rémi Bonnet et avec Nienke Brinkman. Alors, chaque athlète répond différemment. En tout cas, pour ma part, j'essaye de bien gérer la pression en relativisant, en me disant... bien sûr qu'on sent cette pression extérieure et intérieure aussi. J'essaye de me dire que si ça ne devrait pas bien se passer, que je ne suis pas une machine et puis que ça arrive à tout le monde de se planter. Donc j'essaye de faire baisser la pression comme ça. Mais avec l'expérience, je sais que voilà, pas tous les athlètes sont capables de le faire. Kylian, pour vous? Oui, c'est sûr que quand on est départ d'une course, on attend qu'on fasse des beaux résultats. Mais je pense que la pression qu'on se met la plus grande, c'est à nous-mêmes. Parce qu'on veut performer, parce qu'on s'entraîne, parce qu'on passe tous les jours à penser à ça. Et après, je pense qu'avec l'expérience, tu arrives à t'isoler de cette pression extérieure et juste à convertir la pression que tu te mets toi-même pour avoir plus de motivation. Je vous propose, en attendant effectivement que la course dames se décante un peu, peut-être de revivre tous les deux cette fameuse année 2019, l'année record pour tous les deux. Maud, on va commencer peut-être par vous, honneur aux dames. Qu'est-ce qui a fait de cette année-là, une année record? En plus, si je ne me trompe pas, c'est votre première victoire à Cierzinal. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Alors, c'était un jour où je volais, où je ne ressentais pas la fatigue. Je m'étais bien entraînée pour. Et paradoxalement, quelques semaines avant Cierzinal,
Je m'étais fait mal à la cheville. Et avec ça, ça m'a fait vraiment baisser la pression. J'étais même pas sûre de prendre le départ le matin même. Je me suis dit, vas-y, tu fais ce que tu peux, puis on verra bien le résultat. Et puis, on parlait de mental avant. Je pense que ça m'a beaucoup aidée en me disant, ben, de toute façon, je vais juste pour finir. Et la course s'est superbement bien passée. Tellement bien passée que vous signez ce jour-là le record de l'épreuve qui tient toujours pour l'instant en 2h49 minutes et 20 secondes. Kylian, vous, le même jour, 2h25-35. Alors vous, la différence, c'est que ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'était pas la première. Je pense que c'était la septième. Mais en fait, pour moi, c'était la première année que je m'étais préparé exclusivement presque pour Serginal. J'ai rêvé de ces jours-là. J'avais étudié un peu le temps de passage de Genoa. Et c'était un jour, normalement, j'ai joué toujours pour essayer de gagner la course, un peu à la tactique. Et cette année-là, depuis le départ, j'ai dit, je vais faire ma course. Je vais essayer de tout donner depuis le premier moment. Et je n'ai pas regardé si j'étais derrière, quel écart il y était, mais je voulais faire juste ma course. Et comme on le disait, c'est des jours que tu te sens fuir, que tu te sens voler et qui ne passent pas souvent. Mais les jours que tu les sens, il faut en profiter. Et ouais, c'est des moments, des souvenirs qui restent à toujours. Et ce record, ben, Julien, il va tenir, hein, parce que là, pour le coup, ça, on le sait. Maud, il y a encore un petit doute. Mais pour Kylian, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Voilà. Pour Kylian, 2,25-35, ça va rester. Ouais, et pour compléter ce que dit Kylian, c'est qu'en 2019, il y a Petro Mamou, deuxième, qui bat également le record finalement. Il est aussi sous le temps de Jono. Donc c'était vraiment une édition incroyable. Et il s'est peut-être fait tirer d'ailleurs par toi pour. Oui, exactement. Petro, en fait, il est revenu sur le plat. Il finit à 50 secondes. Donc cette année-là, on avait vraiment bolé tous les deux. Ouais, je pense que ça aussi, la concurrence aujourd'hui, voir ces coureurs qui font ces temps-là. Il y a quand même deux coureurs, Patrick et Philemon, sous les en 27 et 28 minutes. C'est des temps, bon, c'est le troisième et quatrième meilleur temps de l'histoire. Donc c'est voir cette concurrence, je pense que ça fait qu'on s'entraîne mieux, qu'on se prépare mieux. Et c'est ça qui fait que chaque année, on peut courir un peu plus vite. Le meilleur temps de l'épreuve, finalement, le premier vainqueur, Eddie Hauser, en 1974, le court déjà en moins de 2h40. Aujourd'hui, on est en moins de 2h30. Ça n'a pas tant augmenté que ça, finalement. C'est pas si loin, en fait. On voit, et même on voit ces temps-là, à l'époque, c'est des coureurs qui étaient quand même incroyables. Je pense aussi le parcours. Aujourd'hui, elle est un peu moins technique, sûrement, parce qu'avec le passage des... pas que de la course, mais des touristes. Il y a moins de cailloux qu'il y a 50 ans. Donc, ces temps-là aussi, aujourd'hui, je pense qu'ils arrivaient à courir plus vite. Et on voyait déjà que dans les années 80, ils couraient en 2h31-32. C'est quand même hallucinant d'y penser. On va retourner sur la ligne d'arrivée. Pas tout de suite. OK, on retournera sur la ligne d'arrivée plus tard pour voir le premier Suisse. On fait un point sur la course, Mathieu et Julien. Un petit point chez les femmes avec l'américaine Sophia Laukli. Donc désormais, Julien qui est en tête et qui semble avoir course gagnée. Alors elle est passée à Barneza avec 1 minute 50 hein, d'avance sur Joyce Njeru. Donc sauf grosse défaillance, je pense qu'on peut dire qu'elle va remporter cette 50e édition de Serginal. Messieurs, un point sur le classement des garçons avec le premier Suisse qui est arrivé. Le premier Suisse, effectivement, à la 5e place, Roberto De Lorenzi avec 7 minutes et 49 secondes de retard sur le vainqueur. Eh bien, il est sur la ligne avec Odessa Blanc. Dingue, hein? Ouais, c'est magique. Magique. Odessa, à vous. Exactement, avec le premier Suisse, vous l'avez dit, qui a terminé cinquième. Alors, je vais lui poser les questions en français. Il va me répondre en italien. Ça sera comme ça, tout le monde va bien se comprendre. Donc, premier Suisse, on attendait potentiellement Rémi Bonnet aux avant-postes. Finalement, c'est vous. Comment vous avez vécu cette course? Sì, allora, c'era Rémi davanti, infatti è partito molto, molto forte. Solo che a metà gara, un po' prima dell'Hotel Weisshorn, l'ho visto in difficoltà, l'ho superato, cioè non pensavo davvero, sono davvero super contento oggi. Mi immaginavo magari una top 10, se andava proprio alla perfezione, però davvero quinto posto oggi con tutta questa gente forte che c'era, davvero qualcosa di speciale, emozionante, sono davvero super contento. Et en plus, avec tous ces Kenyans aux avant-postes, ils sont en train de prendre un peu le pouvoir dans les courses de montagne, les Kenyans.
Ma sì, adesso ormai i keniani iniziano ad avvicinarsi anche al nostro sport, tra i run in corsa montagna, e come si è anche visto oggi, le prime tre posizioni, il podio era solo loro. No, sono davvero, ma si vede già nella corsa in pianura che sono loro davanti. Magari su delle gare più tecniche fanno un po' più fatica, però una gara come questa qui, che la tecnicità c'è solo negli ultimi 3 chilometri, quindi se loro partono forte, 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 e diciamo che noi paghiamo un po', e quindi magari alla fine recuperiamo qualcosa, però è difficile batterli. Bravo pour cette cinquième place. Je vais essayer, Pierre, de résumer rapidement ses propos. J'espère que vous pourrez compléter s'il manque quelque chose. Alors effectivement, il s'est senti extrêmement bien. Il visait un top 10 aujourd'hui. Donc cette cinquième place est presque miraculeuse pour lui. Après, je lui ai posé la question sur les Kenyans. Et effectivement, il a dit que ce parcours où il y a seulement les trois derniers kilomètres, qui sont très techniques, ça les favorise. Après, ce n'est pas non plus la mainmise des Kenyans. Même si sur cette édition, c'est les trois premières places sont occupées par les Kenyans. Mais quelle belle traduction, Odessa. Merci beaucoup. Premier Suisse, donc. On rappelle, hein, Roberto De Lorenzi, son temps. Son temps, 2:35 et 17 secondes. 7 minutes et 49 secondes de retard sur Philemon Kyriago, le grand vainqueur kényan de cette 50e édition de Cerf. Effectivement. Et puis, à mon avis, il y en a un qui n'entend pas de cette oreille la mainmise kényane sur ces courses-là. Il est là-bas. Kylian Jornet, vous allez encore les défier, ces Kenyans? On va essayer l'année prochaine, mais c'est beau les voir. Moi, quand tu les vois courir sur le plat, c'est tellement beau. T'as envie de les imiter, mais on sait qu'il faut, comme Roberto le disait, il faut qu'on joue nos cartes sur la montée, sur la descente. Et c'est là où je pense qu'on peut vraiment aller gratter des minutes. Je pense qu'on voit chaque année qu'il y a de plus en plus de coureurs des pays différents, du Kenya, du l'Ouganda, de l'Éthiopie. Donc c'est beau de voir que le trail running, ça s'ouvre aussi à tous ces nouveaux coureurs et des nouveaux pays. Le trail à la course de montagne, effectivement, on n'en parlait pas comme ça il y a 30 ou 40 ans. Non, ça fait partie de l'évolution. Et même si avant, je pense que c'était plus... sélective. Je pense que, je ne me souviens pas de l'année, mais dans les années 80 ou 90, il y a eu un vainqueur qui était érythréen, je pense. Oui, exact. Et donc, déjà, il y avait des coureurs, mais c'était plus ponctuel. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plus divers et c'est beau. Je pense qu'il faut que le sport, ça se diversifie et que chaque année, on voit plus de coureurs des différents partie du monde à venir batailler ici. On le rappelle, hein, on parle de Philemon Kyriago comme du premier vainqueur kényan de Sierzinal chez les dames. C'est déjà arrivé avec les deux victoires de Lucie Wambui. Mais cette année, messieurs, chez les dames, eh bien, la victoire sera américaine. Oui, très vraisemblablement pour Sophia Laukley, l'américaine de 23 ans. Maud Matisse, parlez-nous un petit peu de cette américaine qui vient du ski de fond, qui a participé aux Jeux Olympiques en 2022, qui a fait une 5e place en Coupe du Monde de ski de fond. Qui est Sophia Laukley? Ben voilà, comme vous avez dit, elle vient du ski de fond, elle a un sacré moteur. Elle s'est initiée au trail depuis peu, hein, une année ou deux, il me semble qu'avant on ne la connaissait pas. Et rapidement, elle était au devant et on l'a découvert l'année passée sur le circuit Golden Trail Series. Et cette année, elle confirme sa bonne condition physique et ses capacités sur les trails. Et maintenant, elle fait partie de l'équipe Salomon internationale, comme moi. Et donc, une coéquipière, donc. Voilà, une coéquipière. Et je me réjouis de pouvoir me reconfronter à elle l'année prochaine. Mais justement, quand on fait partie, entre guillemets, de la même écurie, on se parle, on se donne des conseils. On reste quand même malgré tout une coureuse individuelle et on évite quand même de trop conseiller les autres. Ça dépend avec qui. Il y a des personnes avec qui on parle plus facilement, des personnes un petit peu moins. On a peu l'occasion de se croiser, mis à part lors des camps d'entraînement. Sophia, du coup, j'ai pas beaucoup croisé parce qu'elle est arrivée au moment où j'étais blessée, donc on s'est pas beaucoup croisé. Mais je pense que l'une contre l'autre, c'est plutôt discuter et plutôt de l'amitié hors de la course. Après, le jour de la course, c'est sûr que c'est très individuel. C'est malgré tout une famille. Oui, tout à fait.
Oui, le trail reste encore familial. Il y a pas beaucoup d'argent. C'est encore un milieu qui est assez petit. Et donc c'est plutôt l'amitié, la famille qui prédomine encore. Alors on n'a pas le temps exact de Sofia Laocli, mais voilà, 2,49 et 35. Le record secondes. De Maud Matisse ne sera pas battu. Eh non, c'était 2,49 et 20 oui, secondes. Oui, un petit sourire quand même. Voilà. Évidemment, quel sourire pour Maud Matisse. Julien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'attendait pas forcément une victoire de Sofia Laocli. Elle faisait partie des outsiders, mais hier en conférence de presse, elle paraissait déjà battue par Nicky Brinkman. Alors c'est vrai que certains spécialistes disaient que les Américaines allaient avoir de la peine hein, sur ce parcours et cette année. Et finalement, eh bien, ça, Sofia Laocli déjoue tous les pronostics. Après, elle a gagné le marathon du Mont-Blanc. Ouais, c'est pas fini. Vraiment, on est dans cette descente. Il faut rester concentré. Là, les quadriceps, ça chauffe. Hein, Maud, tu peux en parler. C'est horrible. L'année passée, j'ai fait exactement la même chose qu'elle. Je me suis achoupée, enfin, encouplée sur un caillou à un kilomètre d'arrivée. Il faut lever les pieds, les jambes sont extrêmement lourdes. Et puis quand on arrive sur le goudron, il ne faut pas sous-estimer non plus ces derniers 500 mètres parce qu'on a souvent des crampes qui arrivent quand on change de terrain. Donc l'arrivée peut être très 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 longue et difficile. Kylian, Sofia hier nous disait en conférence de presse, ouais, Nicky Brinkman, elle semble intouchable. Vous pensez qu'elle masquait son jeu ? Non, je pense que on connaît Nienke, ses performances qu'elle a fait aussi ici. Je pense que derrière Maud, c'est elle qui a les meilleurs temps. Donc on connaît que ses capacités, mais je pense que Sofia aussi, c'est début de saison. Elle est en début de carrière parce que ça fait 2 ans qu'elle est vraiment performante sur le trail. Donc je pense qu'elle est encore en train de découvrir ses capacités et voir qu'elle est capable de faire. Et là, on est dans la foulée de la deuxième concurrente, à savoir la Kenyan Joyce Jeru, vainqueur de Tour d'Exence en 2023. Ouais, là, c'est joué, Julien. Jusqu'à la ligne d'arrivée, on va garder un petit suspense. Mais là, en effet, Sofia Laocli qui part en direction de la victoire. Sur la route, avec un changement volant avec Kylian Jornet qui va laisser sa place gentiment à Philemon Kyriagou. On va suivre ensemble avec vous, Maud, les dernières foulées de Sofia Laocli, l'Américaine qui a 23 ans après sa victoire sur le marathon du Mont-Blanc, eh bien, va remporter Sierzy. C'est magnifique, je suis très contente pour elle. Elle le mérite et là, il faudrait juste qu'elle puisse profiter comme j'ai pu le faire les dernières années. C'est à ce moment-là qu'on peut voir vraiment si on a un écart avec la poursuivante. Donc c'est juste s'imprégner de la foule et puis pouvoir profiter des derniers mètres. Ouais, s'il y a un moment à profiter, c'est bien celui-ci. Maintenant, dans les derniers mètres pour l'Américaine de 23 ans qui tape dans les mains et qui va s'imposer pour la première fois sur Sierzinal, spécialiste du ski de fond. Elle a participé aux Jeux Olympiques en 2022, cinquième d'une épreuve de Coupe du Monde à Val di Fiemme en ski de fond. Et bien, Sofia Laocli qui se révèle également ici à Sierzinal avec cette première victoire dans les derniers mètres. Victoire impeccable de l'Américaine, Julien. Ouais, magnifique victoire de Sofia Laocli. Hein. Vraiment, elle a fait la différence à partir du Val Sand sur le plat. Et on la voit arriver dans une ambiance exceptionnelle. Sofia Laocli, l'Américaine. Ouais, dans les derniers mètres, celle qui va succéder, Maud, à Maud Matisse. Magnifique. 2h53 minutes et 12 secondes pour Sofia Laocli qui s'impose, donc votre coéquipière finalement, Maud, dans ce Sierzinal. Un mot sur le chrono, votre corps n'est pas battu mais ça reste un bon chrono. Ça reste un excellent chrono, en dessous de 2h55 on est très peu de femmes hein. Je sais pas exactement, j'ai pas compté, mais voilà, je dirais que peut-être 3 femmes. Sofia Laocli donc 23 ans, est-ce qu'elle est amenée maintenant à faire plus de trail, à gagner plus de courses, elle a gagné le marathon du Mont-Blanc, elle gagne aujourd'hui Sierzinal. Oui, je pense que maintenant, le trail fait partie de sa carrière. Je ne pense pas qu'elle va laisser tomber le ski de fond. Je pense que c'est des disciplines qui se complètent très bien. Il faudra juste gérer au fait les deux sports et ne pas se griller d'être tout le temps compétitive toute l'année.
Voilà la joie de Sophia Loughley. On la laisse en image et on en profite pour venir en plateau pour accueillir le grand vainqueur chez les hommes de cette édition 2023 de Sierre-Zinal, Philémon Kyriago, que l'on doit vite interviewer parce qu'on doit vite le libérer. Philémon, be welcome here. Happy birthday to you. What a nice day. It's just a perfect day. C'est juste un jour parfait pour vous. Yeah, it's my birthday. I'm very happy to be in Sierre-Zinal. Last year, I faced several challenges. Falling down, but this year I was very careful not falling down. I was not expecting to be a winner, but what is real, I'm the winner because my colleague Patrick is very strong than me, but this time I'm happy that I'm a winner. Voilà, quel esprit quand même hein, chez ces coureurs qui nous dit que son concurrent Kenyon Kipengeno était plus fort que lui, mais que cette année c'était pour lui, qu'il avait été très prudent dans la descente hein, parce que l'an dernier il est tombé, cette fois-ci il a été plus prudent. What does it mean for you, Philémon, to win Sierre-Zinal? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de gagner Sierre-Zinal? Is it the highest point of your career? Est-ce que c'est le plus gros point de votre carrière? To win Sierre-Zinal, I was not expecting to win Sierre-Zinal, but due to the training I have in Europe, a place known as Asturias in Cals, which has a very high altitude, I was coming to confirm that can I be able to land the podium. But God is will, I'm the winner. So I prepare next year for coming for the course record. Julien, un objectif sans en être un, en fait, si on comprend bien. Exactement. Hein. Il nous dit qu'il s'était quand même bien préparé hein, pour cette course. Il ne s'attendait pas à gagner, mais il s'était bien préparé en Autriche. Et puis, ben voilà, maintenant, il veut revenir l'année prochaine pour faire aussi bien. To come back here and to go on the track also or not? Now you're only a specialist of the mountain run. Est-ce que vous êtes seulement un spécialiste de ce genre de course? On my side, I've seen that I have potential of mountain run. Now I'm focusing to challenge my colleague Patrick in up and down in mountain running. Ouais, donc un vrai objectif, hein, Julien. Tout à fait. L'arrivée de la deuxième dame. Effectivement, avec l'arrivée de la Kenyane Joyce Jeru, vainqueur de Thion-d'Exance en 2023, avec un record du parcours. Eh bien, elle n'est pas parvenue à s'imposer ici à Sierre-Zinal. Elle termine deuxième derrière l'américaine Sophia Loughley. Mais quelle course de Jeru! Ouais, magnifique course de Jeru. Hein, elle n'était jamais très très loin d'ailleurs de Sophia Loughley. Hein, sauf erreur, elle était à 1 minute 50 environ à Barnoza. Et elle termine. Alors, elle a perdu un peu de temps sur la descente. Hein, on a vu que peut-être moins sa tasse de thé, comme on dit. Mais magnifique course également de Jeru. Là aussi, on est dans un chrono franchement excellent dans la course femme. Dernière question pour Philémon Kyriago, ensuite on le libère. Philémon, my last question. The first one is you. Second one, another Kenyan. Third one, another Kenyan. Why are you so strong? Pourquoi êtes-vous si fort? You know, as athletes, when we are from one team, we usually train together, learn tactics from your friends. You know, he learns up and down well. You learn some weaknesses of somebody. So as my colleague, he's very strong and up here, for sure. De l'importance de l'équipe et de l'entraînement collectif, Julien. Exactement, hein, l'équipe Run Together avec ces Kenyans, on les voit souvent d'ailleurs s'entraîner ou en tout cas courir ici à Zinal. Donc, comme il dit, hein, chacun tire le meilleur de l'autre et on peut s'entraîner autant dans la montée que la descente pour vraiment perfectionner en fait ses qualités ou alors améliorer ses points faibles. Philémon, thank you very much to be come here and we see you next year. Thank you so much. I'm coming next year for the course record. Et donc, il revient l'an prochain pour essayer de battre le record de l'homme qui est encore avec nous, là, juste plus loin, Kylian Jornet. Merci, Philémon. Merci beaucoup. On vous libère, messieurs. On retourne sur les dernières images de course. Et ensuite, en fait, tiens, je propose, on va retourner dans quelques instants là-haut, parce qu'il y a encore du monde sur le parcours. Mais d'abord, on revient sur la ligne d'arrivée avec vous.
sur la ligne d'arrivée avec bien les résultats finaux finalement, ouais. Avec chez les femmes la victoire donc de Sofia Laocli en 2h53 minutes et 17 secondes, devant Djerou 4 minutes et 2 secondes d'avance. Elle a vraiment fait le trou sur la dernière partie descendante, hein. Exactement, comme on a dit, Sofia Laocli qui est parfaitement descendue, elle a évité les pièges de la descente et puis elle a réussi à vraiment à creuser cet écart avec la Kenyane. Et on attend l'arrivée de Filariz Kisang, qui avait terminé, sauf erreur, deuxième l'an dernier de Sierzinal. Derrière vous, Maud Matisse, Filariz Kisang, Joss Djerou, également des Kenyans chez les femmes, mais elles ne gagnent pas cette année. Non, je pensais que Joyce pouvait gagner. Je misais sur Ninke, mais Joyce, je savais qu'elle pouvait courir très très vite aussi. Elle a une magnifique foulée. Une Américaine. Je suis aussi très contente pour elle. Kylian Jornet, vous avez entendu Philémon Kyriago. Il revient l'an prochain pour battre votre record. Ça veut dire que vous devez revenir pour le défendre. Ça l'a énervé. Ça vous a énervé, hein? Non, ça motive plus. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, il a quand même fait une course, une victoire à cet jeune âge-là, puis le chrono qu'il fait, 27, c'est énorme. Donc l'année prochaine, je pense qu'on va revenir tous les deux plus motivés, ouais. La troisième, messieurs. Avec l'arrivée de Filariz qui s'engage un peu plus de 3 heures d'effort. Deuxième de Sierzinal l'an dernier, elle a 27 ans. Elle a gagné Thion d'Ixence en 2022. Deuxième cette année en 2023 derrière Djerou. Elle est, paraît-il, peu à l'aise dans les descentes. Mais là, eh bien, elle vient chercher un nouveau podium sur ce Sierzinal, Julien. Ouais, elle enchaîne les podiums entre Sierzinal et aussi Thion d'Ixence la semaine dernière. Donc vraiment, elle est présente chaque année. Et on peut être sûr qu'on la reverra également l'année prochaine. Elle est un petit peu comme nous l'expliquait Philemon Kyriago. Elle a l'habitude de s'entraîner avec des compatriotes et puis justement de s'améliorer d'année en année. Donc voilà, c'est pas une surprise. Maud, avec une foulée particulière. Là, elle est au bout de l'effort. Oui, on a l'impression qu'elle est vraiment au bout du rouleau. On va voir comment. Ah non, ça va. Elle s'est pas écrasée. Ouais, mais elle a été cherchée. Oui, mais elle a besoin de tout de suite. Mais je pense qu'elle a eu chaud. Alors je sais pas, au niveau du chrono, ouais, elle me semble un peu moins bon que l'année passée. Elle est en 3h pile, ouais. 3h43. Ouais, je pense qu'elle est un peu plus lente que l'année passée, mais ça reste une belle course. Messieurs, madame, on revient sur la course, évidemment, dans un instant, parce qu'il y a celles et ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur le parcours, il y a encore du monde. On a eu un dispositif quand même assez somptueux aujourd'hui, la RTS et Canal 9, tout au long de ce Sierzinal. Alors je propose qu'on retourne une dernière fois avec notre confrère du bureau valaisan de la RTS, Romain Boisset. Vous êtes au Bison et vous nous le confirmez, c'est pas désert. Ah non Pierre, c'est pas désert, c'est loin d'être désert. Des coureurs qui arrivent encore à l'instant à l'image de Frédéric Martin. Frédéric, arrivé en toute décontraction, on a l'impression que vous n'avez pas de montre, pas de chronomètre. Vous la vivez de manière un petit peu relaxe cette course. Voilà, le but aujourd'hui c'est de s'amuser dans ma région, c'est aussi l'endroit d'où je suis originaire, donc je viens ici en pèlerinage on dira. En pèlerinage, alors c'est votre 6e ou 7e participation, quelle sensation dans cette ascension jusqu'au Weisshorn, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vu le long de cette montée? Bon, ce qui est grandiose ici c'est vraiment l'ambiance, il y a aussi nos amis gruyériens et jurassiens qui sont juste en bas, qui mettent une ambiance de feu, et puis voilà le cadre, les montagnes, magnifique, l'hôtel Weisshorn, la commune de Saint-Luc. Eh ben merci beaucoup Frédéric, je mets fin à votre pause, alors je vous laisse repartir et vous souhaite une toute belle fin de course, merci beaucoup. Et puis Pierre, vous indiquez encore quelques statistiques, parce qu'ici on est au point de ravitaillement de l'hôtel Weisshorn. Ce point de ravitaillement, eh bien c'est 16 bénévoles, 11 000 gobelets distribués, 75 kilos d'oranges, encore plein de chiffres, hein. 250 litres de boissons énergisantes, 500 litres d'eau et déjà 250 massages de fait jusqu'à présent, des massages qui dureront jusqu'à 16 heures si vous êtes intéressé. Eh bien écoutez, nous on ne va pas monter au Weisshorn pour se faire masser, mais vous, si le cœur vous en dit, nous vous libérons de toute obligation. Merci beaucoup Romain pour votre participation à ce Sierzinal. Je propose, les choses s'enchaînent, direction la ligne d'arrivée, on écoute la grande gagnante de ce Sierzinal 2023, Sofia Laocli, elle est avec vous, Odessa Blanc. Bravo, congratulations for this amazing victory. You dominated the race almost the entire course. How does it make you feel to win here in Sierzinal? I am beyond surprised. Like today, I think I'm like obviously super excited that I won, but I think it's like the best race that I've ever executed. Like I just did my own thing from the start and I don't know what position, but I just like fully did my own race and I have never finished a race where I like feel quite good. I always like get really tired, blow up, whatever. And so for many reasons, I'm just like
beyond happy with today. And like to win Sierra Zinal, like I've been wanting to do this race like since last year, and yeah, I never would have thought that I would have won, honestly. So it's really awesome. Congratulations again for this beautiful victory. Sophia Loki, qui donc ne réalise pas vraiment qu'elle a gagné, elle n'imaginait jamais ça dans ses plus grands rêves de gagner un jour Sierra Zinal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se produise. Elle n'a jamais couru aussi bien. C'est elle qui l'a dit qu'aujourd'hui, ce qui lui permet de effectivement monter sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Voilà, on a admiré évidemment les performances de ces athlètes. On a aussi admiré la beauté des paysages dans lesquels ils ont évolué. Je vais me faire un petit plaisir personnel. Retourner une dernière fois aujourd'hui à Barneza, Didier Binder. Vous nous avez offert de superbes images aujourd'hui, mais vous aussi, comme Romain Boisset, eh bien vous voyez encore passer, et encore, et encore, et encore, ces différents athlètes. Oui, Pierre, on va encore passer beaucoup d'athlètes. On voit encore des athlètes qui sont partis très tôt cette nuit de Sierre. Et puis, on voit des athlètes qui essayent de courir en dessous des 3h30. Vous venez de manquer de quelques minutes Ricardo Merilla. Ça parlera aux anciens 5 fois vainqueurs de Sierra Zinal. Je l'ai gardé un moment avec moi. Je lui ai dit, Ricardo, on veut t'avoir en direct. Et Ricardo, lui, il a le chrono qui court. Et il m'a dit, je veux aller pour gagner ma catégorie. Donc, quand on a gagné une fois Sierra Zinal, on a vraiment l'envie de continuer à inscrire son nom au palmarès. Alors ici, les coureurs arrivent par vagues, il y a par moments beaucoup de gens. Après, ça se calme un petit peu. Il va y avoir dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, un gros peloton de coureurs qui arrive. Là, devant moi, il y a des gens qui se font masser. Alors, les masseurs ont travaillé très, très fort aujourd'hui. Il y a même des masseurs qui sont venus de Belgique, vous imaginez, pour participer à cette aventure. Et des petites mains qui font toute cette grande histoire de Sierra Zinal. On vous voit, Didier, puisque l'image a été enregistrée avec effectivement une des autres légendes de Sierra Zinal, Ricardo Merilla. Pourquoi vous le tenez par la main, Didier? Ah, mais j'ai dû le retenir, Pierre. Ricardo, lui, il a le chrono qui tourne. Et Ricardo m'a dit en espagnol, il m'a dit là, je veux encore aller gagner ma catégorie. Bah, j'ai dit 2 minutes, Ricardo, attends avec moi. Non, il veut gagner sa catégorie. Merci en tout cas Didier Binder, l'occasion pour moi de remercier les équipes journalistes et caméramans et women de Canal 9 sans lesquelles eh bien, cette retransmission n'aurait certainement pas été la même. Merci infiniment à vous. Retour pour une dernière question sur ce plateau à Kylian Jornet. Kylian, on va revoir dans un instant les images de vos nombreuses victoires, mais on a l'impression et on s'en rend compte année après année que cette course, que Sierra Zinal, ça a vraiment une place à part dans votre cœur. C'est sûr, je pense déjà à la vallée. La vallée, c'est magnifique. C'est un endroit où on voit les montagnes qui sont autour. C'est pour moi, la vallée d'Anivers, Zinal, c'est l'une des vallées les plus belles des Alpes pour l'alpinisme, pour la course. Et cette course-là, si elle a 50 ans et ça continue à attirer tellement de personnes, des élites, mais aussi des populaires, des spectateurs, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est du cœur, c'est de l'ambiance, c'est une famille, c'est vraiment ça qu'on ressent. Même si elle a grandi, elle continue à grandir, ça reste cette convivialité et cet esprit de montagnard, de famille. Et votre présence, malgré le fait, alors qu'on a perdu la lumière, votre présence, on est dans le noir, mais c'est pas grave, on va en profiter pour vous remercier, Kylian Jornet, merci infiniment, on vous donne rendez-vous l'an prochain. Non mais c'est sympa comme ça, regardez ce jeu clair-obscur, voilà, c'est plutôt sympa, et vous revenez l'année prochaine? Et carrément, là, il faut revenir, c'est une course, je pense, dans les dernières 15 années, j'ai fait 12 participations, donc... je pense que ouais, on va me revoir bientôt. Ouais. Et il faut gagner une dixième fois quand même. Ouais, il faut gagner une dixième fois. 10, c'est quand même il faut mythique. Il faut essayer, mais bon, ça va être dur. Il y a les Kenyans, attention. Merci Kylian Jornet, on vous libère et on va profiter de l'obscurité pour lancer notre ultime capsule historique de Sierra Zinal. Que s'est-il passé entre 2004 et 2013? Eh bien, voici le récit de Brian Vaquer et on vous retrouve juste derrière, en pleine lumière. À tout de suite. La dernière décennie, la cinquième de Sierra Zinal, a été marquée par un homme, Kylian Jornet. 7 victoires sur les 9 dernières éditions, une domination qui ne le retient pas de revenir chaque année.
C'est l'ambiance qu'on ressent le jour de la course entre tous les spectateurs, les bénévoles, l'organisation, les touristes, les coureurs. C'est une ambiance qui est spéciale ici et c'est ça l'un des points forts qui me fait revenir. Après l'autre, c'est le cadre. C'est sûr que c'est un endroit qui est magnifique avec tous les sommets. C'est vrai que dans la course, on peut regarder les montagnes qui sont en haut, ça nous donne envie d'y aller. Dans ce cadre magnifique, le Catalan s'était imposé dès sa première participation en 2009. Mais il a dû attendre 2019 pour s'approprier le record de la course que détenait l'Australien Jonathan Wyatt depuis 2003. Oui, aujourd'hui, les gens étaient là, le public il était là et c'est vrai que je me suis senti léger depuis le départ. La montée, j'étais vraiment bien, je suis parti et puis sur le plat, j'ai vu que Petrol était derrière, il fallait pousser et ouais, je suis super content de faire mon meilleur temps. Et c'est vrai qu'au temps du Jono, c'était quelque chose que j'ai croyé incroyable et être dans ces temps, c'est quelque chose de, ouais, ça, je suis dans un rêve. 2019, une édition où les conditions de course étaient réunies pour aller chercher un temps canon. Chez les femmes, Maud Matisse s'était aussi offert le record de l'épreuve lors de sa première victoire. J'y crois même pas, c'est vrai que je rêvais depuis longtemps cette victoire. Aujourd'hui, bah, je l'espérais fortement. Je savais qu'il y avait un gros niveau, donc je savais qu'il fallait aller batailler. Et puis là, bah, en plus avoir le record, je pensais vraiment pas. Quand j'ai vu avec les hommes avec qui j'étais, je pensais que j'étais dans un bon temps. J'espérais vraiment garder mon avance jusqu'à la fin pour gagner. Mais le record, c'est vraiment dans les derniers kills que j'ai regardé mon chrono, puis je me suis dit que c'était faisable. Deux records en 2019 et une Suissesse sur la première marche du podium. Sirzinal était sur les rails fin 2019. Mais comme tout le monde, la course a été stoppée net par le Covid. Les éditions 2020 et 2021 ont été modifiées. On a couru sur un mois, mais on a couru. On a eu tellement de déceptions avec des événements annulés. Aujourd'hui, bah, c'est comme une étoile qui va briller pendant un mois. Sirzinal, ça fait partie bien des mythes qu'on a dans les événements sportifs. Et grâce à une équipe formidable de bénévoles, ça peut quand même avoir lieu. Donc beaucoup d'émotions. Parce que Sirzinal, c'est avant tout des émotions pour les populaires et pour les élites. C'est pour ça qu'on y revient. C'est pour ça que Kylian Jornet n'a raté qu'une édition depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que Maud Matisse y revient, malgré 4 victoires d'affilée. Elle pourrait détenir seule le record de victoire si elle s'impose une cinquième fois. Mais ils auront fort à faire avec la naissance d'une domination africaine sur les courses de montagne. L'an dernier, c'est Marc Kangogo qui l'a emporté avant d'être déclassé pour dopage. Chez les femmes, Maud Matisse s'est imposée devant un duo kényan. Il découvre la course et ses spécificités. La différence entre le Kenya et la Suisse, c'est qu'ici, les pentes sont bien plus raides. C'est une course qui est dure parce que si on part trop vite, après c'est long. Donc je pense qu'il faut, être prêt, mais il faut être intelligent aussi. Voilà, on précisera que cette capsule historique a été enregistrée avant que l'on sache Maud bah, et Kylian que vous étiez forfait. Bah, tiens d'ailleurs, comment vous allez, Maud? Parce que si vous ne participez pas, c'est que vous êtes blessé. Mais comment va le physique? Mais il va plutôt bien. J'ai pu enlever mon plâtre il y a un peu plus d'une semaine. Et j'ai pu recommencer à faire un peu de vélo. Donc ça fait du bien de bouger parce que j'ai eu 6 semaines d'immobilisation qui se sont très bien passées d'ailleurs. Étonnamment. Alors, on va tout de suite préciser de quel bois est faite Maud Matisse. En montant ici jeudi, nous étions confortablement installés en voiture. On dépasse à une allure quand même déjà honnête, hein, Mathieu, une cycliste dans la montée de Zinal. Et Charlie Hoffman, un de nos collaborateurs, dit « c'est Maud Matisse, c'est Maud Matisse !» Et c'était Maud Matisse. Donc c'est comme ça que se passe votre rééducation? Ben voilà, je pensais arriver incognito, ben mais non. Je vois que non. C'est raté. En parlant d'incognito, on va se faire quand même un petit plaisir parce qu'on espérait quand même accueillir sur ce plateau un nouveau vainqueur suisse de Sirzinal, en la personne de Rémi Bonnet. On a vu que ça ne s'était pas forcément bien passé pour lui. Et donc, comme on tient absolument à avoir un couple de vainqueurs suisses sur ce plateau, à la gauche de Maud Matisse apparaît Marc Lowenstein, dernier vainqueur suisse, c'était en 2013. Marc, on est vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau. Il y a 10 ans, vous étiez sur ce plateau en tant que vainqueur et vous aviez remis le couvert pour cette 50e. Vous aviez envie de regoûter à Sirzinal. Oui, alors absolument. Bon, j'ai goûté à Sirzinal presque toutes ces dernières années. Pour moi, le Val d'Anniviers, Zinal spécialement, et surtout cette course, elle me tient à cœur.
Mais oui, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'étais sur le parcours. Et puis, c'était émouvant de voir les spectateurs qui m'encourageaient avec mon prénom. C'était tous ces visages rayonnants qui me parlaient. C'était vraiment magique. On revoit les images de votre victoire il y a 10 ans. Vous avez surgi de la forêt. C'est un peu le mot, hein, parce qu'on ne s'attendait pas à vous voir là. Vous avez fait une descente. Tout le monde se demande encore aujourd'hui comment vous avez fait. C'était un moment hallucinant. Alors, je dois avouer que c'était un de mes moments forts de ma carrière sportive. Ça reste un conte de fées, cette course, comme j'ai pu terminer. Et ce matin, en m'échauffant, j'ai encore des gens qui sont venus vers moi et puis qui m'ont dit « mais j'avais les larmes aux yeux de devoir t'arriver comme ça en surprise ». Puis ouais, je crois que le scénario, il était vraiment pas mal là. On le rappelle, hein, Marc, que vous êtes à la base un athlète de course d'orientation, la discipline chère au cœur de Mathieu Germanier, qui est notre émérite commentateur de cette discipline sur la RTS. Le signe finalement que Cierzinal, ça s'adresse à tous et qu'on peut être brillant en course d'orientation. Vous avez, je pense, une ou deux médailles mondiales dans votre petite armoire à souvenirs à la maison. Vainqueur de Cierzinal également, comme quoi. Oui, alors effectivement, je crois que ça se complète très bien. On a la chance en Suisse qu'on a un système de formation en course d'orientation qui est extrêmement pointu. Et dès l'âge de l'adolescence, on est très bien encadré. Peut-être mieux même que dans la course de montagne ou que dans le trail. Donc ça fait qu'on a un réservoir d'athlètes assez important, à très très haut niveau physique aussi. Et puis on voit aussi aujourd'hui les coureurs d'orientation qui sont venus juste pour s'amuser. Ben je crois qu'ils terminent vraiment à des places très honorables. Donc ouais, effectivement, je crois que les coureurs d'orientation, on n'a pas besoin de se cacher en montagne. En Romandie, on est peut-être un peu méconnu, mais c'est pas si grave. On aime bien être caché en forêt et puis apparaître en surprise à Zinal. Votre course aujourd'hui, parlez-nous, 10 ans après, finalement. Plus forcément les mêmes jambes, mais toujours quand même malgré tout l'envie de faire quelque chose sur cette course. Oui, mais l'approche a changé. Alors je dois dire, j'ai très bien dormi cette nuit et puis Mon souci principal était de savoir si avec les genoux et puis les mollets, si ça allait bien aller. Alors voilà, la roue de la vie, elle tourne. Et puis pour moi, je l'ai bien accepté. Et puis pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir allier encore penser à ce passé et puis de faire le trait d'union à une carrière post-sportive de haut niveau. Donc j'en profite encore beaucoup. Et puis c'est beaucoup d'émotion pour moi d'être ici. Et voilà, c'était que du bonheur pour moi aujourd'hui. On va retourner sur la ligne d'arrivée. Carmaud, ça va vous intéresser? On a l'interview, la première Suissesse de cette course. Non, elle est en train de prendre un petit verre d'eau pour se désaltérer après cette course difficile pour elle, parce qu'on voit qu'elle a quelques blessures au coude, au genou notamment. Ça a été une course compliquée pour vous? Ouais, je suis tombée dans la descente. En effet, je ne suis pas la meilleure en descente. Et je savais ça, mais je suis contente que j'ai pu pousser un peu et tomber. Ça se passe, c'est pas grave. Hein. C'est que des petits blessures, ça va aller. Mais après ça, j'ai perdu un peu de confiance. Et puis, je crois que j'étais cinquième quelque part dans la course. Et puis, dans la descente, j'étais rattrapée. Mais en tout cas, ça fait grand plaisir de faire la course là, parce qu'il y a autant de monde. C'est comme les Jeux Olympiques, avec autant de monde. Mais c'est plus joli que les Jeux Olympiques, non? Et en plus, terminer comme meilleure Suissesse chez les dames élites, ça représente quoi? Je suis très fière. Hein. Mais c'est seulement que Maud et Judith sont malades ou sont blessées. Alors, j'étais sûrement pas plus vite qu'elle, mais non, naturellement, je suis fière. Hein. Je suis Suissesse depuis moins de 3 ans. Alors, je suis très bien. Encore bravo Emma Pouli pour cette 9e place. Je vous repasse la parole, Pierre. Oui, puis on a vu Maud beaucoup sourire en écoutant Emma. Maud. Oui, mais je l'apprécie beaucoup, Emma. C'est une ancienne cycliste, donc elle a une superbe condition physique, hein, et puis elle est très régulière. Elle est
presque meilleure sur du plus long. Hein. Donc là, c'est une course qui est assez courte pour elle. Mais voilà, elle a fait une belle course, même qu'elle elle dit qu'elle ne descend pas bien. Je suis très contente qu'elle soit première 6S aujourd'hui. Marc Lowenstein, on va vous libérer. Vous le courrez encore longtemps, ce Sierzinal, ou bien la 50e, c'était le mot fin. Ah, c'est que le début. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci infiniment, Marc, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous resterez un temps encore le dernier Suisse chez les garçons, vainqueur de Sierzinal, en espérant quand même pour Rémi Bonnet, on croise les doigts pour lui effectivement, qu'il y parvienne tout bientôt. Messieurs, on va juste peut-être, je vous laisse, récapituler le podium chez les garçons. On va revoir le troisième, le deuxième et le premier, le temps que Sophia Loutley prenne place à côté de nous. Oui, on va commencer par avoir une pensée pour Rémi Bonnet, puisqu'on le rappelle, il voulait devenir le premier Suisse depuis 2013 à remporter ce Sierzinal. Il a dû abandonner du côté de Weisshorn. Quant au podium, on le découvre avec vous, Julien. Exactement. Alors, victoire donc pour Philemon Kyriago en 2h27-27, juste devant Patrick Kipengeno qu'on voit là à l'image. Hein. Les deux, ils se connaissent bien, ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble puisqu'ils font partie de l'équipe Run Together. Donc deux Kenyans et trois Kenyans même aux trois premières places puisque Kevin Kibet de Millemani Runners termine en 2h34. Et là, on revoit l'arrivée du grand vainqueur de cette 50e édition de Sierzinal, Philemon Kyriago, 5e l'an dernier vainqueur cette année. Et il a dépassé Patrick Kipengeno dans les derniers mètres de la course. Pas tout à fait les derniers mètres, dans les derniers kilomètres ouais, de la course. La descente, hein, oui, Pierre, de je vous hocher la tête, vous avez raison. Exactement, il a réussi à faire la différence à ce moment-là et surtout ensuite il a creusé l'écart dans la descente. Hein. Je pense que c'est vraiment là où Kyriago a gagné sa course. Et à nouveau, Kipengeno, la question, est-ce qu'il arrive à tenir toute la course? Eh bien non, il a craqué. C'est donc Philemon Kyriago qui s'est imposé. Et on a le top 10, avec donc, on le rappelle, à la 5e place pour le premier Suisse, Roberto De Lorenzi. Ça, c'était pour les garçons. Et pour les dames, on a l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Sophia Loutley. Sophia, on vient vers vous. On redécouvre quand même les trois premières, messieurs. À la troisième place, Philariz Kisang. Exactement, Philariz Kisang, hein, la Kenyane, en un petit peu plus de 3 heures, mais ça reste un très bon temps. Elle avait fini, je crois, deuxième l'année dernière, juste derrière Maud. Deuxième place pour une autre Kenyane, Joyce Njeru. Njeru qui avait remporté Tion d'Ixence la semaine dernière et qui faisait clairement partie des favorites, hein, qu'elle a répondu présente. Et la victoire pour l'américaine Sophia Loutley. Hier en conférence de presse, elle a un petit peu masqué son jeu. Elle pensait être battue par la néerlandaise Nienke Brinkman. Eh bien non, elle s'est imposée pour cette 50e édition de Sierzinal. Exactement, hein, Sophia Loutley a un magnifique chrono de 2,53 également. Donc vraiment bravo à elle. Sophia Loutley, thank you to be here. Some minutes ago, you didn't realize that you were the winner of Sierzinal. Now, it's good. You realize you're the winner. Vous réalisez que vous êtes la grande gagnante de cette édition. Yes, I am very much aware now. But to be honest, yeah, to the finish line, I was pretty terrified. I thought I wasn't going to be passed. I was just waiting and waiting for it to happen, and it worked out perfectly. Voilà, jusqu'à la ligne d'arrivée, elle s'attendait à voir quelqu'un lui passer devant, et au final, elle s'est rendue compte qu'elle avait gagné. Sophia, you are strong on the snow. Vous êtes très forte sur la neige. You are strong here in Sierzinal. Where else are you strong? Où êtes-vous fort ailleurs? That's a great question. I'm not strong at a lot of things, but I guess I only do the things I'm strong at. So there's a lot to find out. Yeah. My next question. Next year, maybe you will be back, and maybe you will face with her. Yeah, I'm waiting Peut-être for it. Peut-être que l'an yeah. prochain, il y aura le face à face entre les deux voisines. How do you feel about that? Comment vous ressentez ça? I think it's always a lot of fun to have like a good battle, and today it was a lot of back and forth, a lot of like, yeah, it was a lot of fun, and just having a race where there's, you never know your position until the end, it's like, it just adds so much excitement and like a lot more reward at the end. Voilà, courir ces courses où on ne sait jamais vraiment où on se situe, hein, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Maud, ce face-à-face, vous l'espérez, vous l'attendez? Oui, je me réjouis et il va falloir que je revienne très forte pour pouvoir battre Sophia Loutley. I believe it. she said that she will have to be very strong to beat you. It's possible, but I will also. Voilà, c'est la promesse effectivement pour l'an prochain. Messieurs, il nous reste encore à revoir le classement des dames. Le top 10, je le voici.
Le voici avec donc la victoire de l'américaine Sophia Lockley devant Giroux, devant Kisank, la meilleure Suissesse. Elle est 9e, Julien. Exactement, la meilleure Suissesse 9e. Emma Pouli, ça nous permet peut-être aussi de relever l'absence de Judith Vider hein, aujourd'hui, qui avait des crampes d'estomac et qui a malheureusement dû déclarer forfait alors qu'elle était citée dans les favorites. Donc voilà, mais voilà, meilleure Suissesse, donc 9e. Et Pierre, pour conclure, le record masculin, celui de Kylian Jornet en 2019, le record féminin, celui de Maud Matisse en 2019 également, ont tenu aujourd'hui. Allez, un dernier mot de Maud Matisse. On se voit l'année prochaine. Bah voilà, il va falloir revenir l'année prochaine pour essayer de regagner et de refaire le record. Maud, merci. Sophia, thank you very much to be here. Thank you also for your smile, because it's amazing to look at your suffer and then just a smile. Merci beaucoup pour ce sourire. Parce qu'ici à Zinal, bah, les choses vont bientôt, j'en suis ému, hein, prendre fin pour nous après presque 4 heures de retransmission. Mais la fête ne fait que commencer. Et s'il y en a un qui s'y connaît, en fait, c'est notre collègue Jérémy Rizer. Jérémy, pour vous et pour de nombreux participants, la fête a déjà commencé. Exactement, mon cher Pierre, la fête a déjà commencé ici sur la Grande Tente. Je veux un maximum de bruit. Est-ce que ça va, Serzinal? Est-ce que vous êtes en forme? Faites du bruit! J'ai absolument rien entendu! Allez! On est en direct, mesdames, messieurs, pour la fin de ce live des 50e édition. Faites du bruit! Magnifique! La soirée promet va continuer, mesdames, messieurs, jusqu'au bout de la nuit. On vous attend ici du côté de Zinal. Allez, encore 3, 2, 1, un maximum de bruit! Ce garçon a définitivement un grain, je crois. Ce n'est pas vous qui allez me démentir, Mathieu et Julien. Je pense qu'on appelle également ça l'ivresse de l'altitude. Hein. Ça doit être ça. Certainement. Ça doit être ça, mais ça donne envie de le rejoindre. Hein. Je crois qu'on va y aller. Eh bien, nous allons le rejoindre. Merci à vous, Mathieu. Merci, Julien, merci de nous avoir fait vivre la course ensemble. Merci à celles et ceux ici en plateau. Merci à Sogé, merci à Fanny. Merci à Pascal qui m'ont accompagné tout au long de cette retransmission ici sur le plateau. Merci à Thali d'être également présente tout au long de ces directs. Voilà, je vous avoue honnêtement que je n'ai pas spécialement envie de rendre antenne, hein, parce qu'on a passé presque 4 heures absolument magnifiques ici à Zinal, et je ne vais vous faire qu'une seule promesse, on reviendra, c'est promis, tant cette vallée est belle et tant cette course est magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis, que ce soit sur Canal 9 ou sur la RTS. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nombreuses images de Sierzinal encore ce soir dans Sport Dernière et demain dans Sport Dimanche sur RTS2. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés autour de la réalisation de Yannick Reinen, la préparation et l'organisation de Julien Bassanger. Merci à Mickaël Vicky de m'avoir susurré les mots doux dans l'oreillette tout au long de l'après-midi. Allez, cette fois c'est décidé, je me tais, à l'année prochaine, au revoir.